Eh bien, salut à tous les amis, c'est Listifoot, j'espère que vous allez tous très 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 bien, j'espère que vous êtes tous très chauds. Hier, on a eu déjà une très belle introduction de Champions League avec la grosse victoire 7-1 du Bayern notamment. Et ce soir, c'est la soirée à ne pas louper pour les clubs français notamment avec un Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Ce sera à suivre en live sur la chaîne et voilà, on démarre le live en plus très 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 tôt pour faire un avant-match complet. Bref, j'espère que vous êtes chauds pour vivre cette rencontre à fond. Le PSG a gagné 1-0, allez, aujourd'hui il va pas falloir se rater, le coup d'envoi c'est dans environ 48 minutes. On rappelle aussi qu'il y a quand même Manchester City Sporting en même temps. Mais bon, là on connaît un petit peu l'issue, hein. On pense en tout cas savoir l'issue. Bienvenue à tous, bienvenue Mickaël, bienvenue Aurore, bienvenue Mohamed, bienvenue à tous ceux qui sont présents les frérots. A noter qu'un autre club français est en train de jouer en Coupe d'Europe, c'est pour l'Europa League, c'est l'OL, l'Olympique Lyonnais qui joue face à Porto. Il gagne 1-0 les Lyonnais, ça c'est une bonne nouvelle les amis. Et voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue sur le live et on va commencer l'avant-match. Donc quelques secondes par les compos que vous avez juste là, elles sont officielles. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la composition du Real Madrid c'est un 4-3-3. Là c'est un 3-4-2-1 je crois, mais je vais régler tout ça. Celle de Paris par contre c'est bien la bonne, je vais régler juste celle de Paris, c'est un 4-3-3. Oh merci beaucoup Théo pour ton don, on le voit dans le chat, merci beaucoup Théo. On le voit dans le chat pour ton don de 2€, merci pour ton soutien Théo, salut Chixou et salut du coup Théo. Merci beaucoup Théo pour ton don d'à l'instant de 2€, ça fait plaisir, grand merci Théo. Aïe aïe, je veux des GG les frérots, des GG là aussi pour Théo qui soutient déjà la chaîne. Je fais juste la composition hein, là du coup du Real Madrid. Vous devez voir des trucs bouger là sur la composition du Real, c'est normal les amis. Vous inquiétez pas. C'est normal. C'est voilà pour parce que c'est bien un 4-3-3 du côté du Real Madrid. Bon voilà, le schéma on sait qu'il change hein, souvent hein, au fil du match, mais c'est quand même important que de le mettre parce que surtout 4-3-3, 3-4-1, c'est pas vraiment la même chose, on va dire. Hop là. Voilà, le 4-3-3, il est là. Bon, je vais juste un peu régler des choses. Et merci beaucoup en tout cas Théo pour ton don. Ça fait vraiment ultra plaisir dès le début de live, alors que ça fait quelques secondes là qu'on a commencé. Voilà, vous avez remarqué, on a commencé très tôt. Hein. Ce soir, c'est une soirée de Champions League. On évite toujours, voilà, on commence toujours les lives très tôt lorsque c'est la Champions League. Enfin, sauf hier, parce que bon, il n'y avait pas de club français. Mais voilà, là, on a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que j'ai démarré ce live très tôt, les amis. Et voilà, on a quand même plus de 40 minutes. Bref, on a quand même beaucoup de temps. Là je suis en train de vous faire juste la compo du Real et on va commencer l'avant-match par les compos les amis. Mais faut savoir quoi, les compos je les remontrerai à quelques minutes du coup d'envoi pour ceux qui ne sont pas encore présents les amis. Mais voilà, on va commencer l'avant-match par les compositions. Du coup elles sont déjà là les compos, on va faire ça. Mais voilà, merci beaucoup mon Théo qui soutient de ouf la chaîne. Merci infiniment Théo, merci beaucoup. Salut mon David qui met un pouce bleu, merci aussi pour ton pouce bleu David. Let's go Lyon, on mène, c'est cool mais Mickaël. Et oui Lyon qui mène 1-0, ça c'est bien aussi. Salut, je viens de m'abonner. Salut Ethan, merci pour ton abonnement Ethan, merci beaucoup Ethan et merci du coup pour les 10813 abonnés les amis. Commençons l'avant-match. Oh là là, Théo qui refait un don de 2€. Merci beaucoup Théo Génito pour la boutique. Viens votre nous mettre Théo. Oui voilà, ça sort que peut-être, en tout cas certains, voilà je porte ce pull là. Certains m'avaient demandé hier comment on fait et tout. Et c'est vrai que bah, sur la chaîne, passé un temps, je l'avais fait une espèce de boutique et tout pour m'amuser. Mais là je l'avais enlevé parce que moi je sais pas, c'était pas ouf. Et voilà, merci beaucoup Théo. Et là peut-être que c'est pour que certains me le demandaient, en remettre une. Et Théo, voilà, on en discutera si tu veux. Mais merci beaucoup en tout cas pour tes dons incroyables. Merci mon Théo. Et je veux plein de GG comme le même Mickaël. Salut Baba. Salut Baba. Et voilà, hein, Théo du coup avec ses dons. C'est. Merci Théo. Plein de GG les frérots pour Théo. Je vais mettre des GG. Et on va tout de suite commencer l'avant-match parce qu'on a le temps. Mais quand même, hein, il faut parler du match parce que ce soir c'est une grande soirée européenne. Soirée qui peut être très heureuse si jamais le club que l'on veut. Hein, en tout cas, de mon côté, je pense pour la plupart d'entre vous, pour 61% d'entre vous, puisqu'on a le duel des fans, le veulent, la victoire du PSG ou pas, hein, le match nul suffirait, la qualif du PSG, elle peut être heureuse, mais elle peut être aussi quand même assez, comment dire, triste hein, cette soirée en cas de qualification du Real Madrid, encore plus, parce que le PSG a gagné 1-0 au match aller, on se rappelle. On commence l'avant-match par les compositions, les voilà les frérots, les compositions, vous avez juste ici la compo du Real et juste là la compo du PSG, je vous laisse regarder à gauche la compo du Real, à droite la compo du PSG, puisque vous le rappelez, c'est quand même un détail qui a son importance. Vous l'avez vu au score, vous l'avez vu à la miniature, vous l'avez vu de partout et je pense que vous le savez tous. Le match se déroule au Santiago Bernabéu et c'est aussi pour ça, on va dire. Bon, je déplace juste la caméra parce qu'elle était pas très bien centrée. C'est aussi pour ça que ce soir le match risque de ne pas être le même pour le PSG que c'était au match aller quoi. Parce que ce soir,
ils jouent chez eux les Madrilènes et surtout qu'ils savent qu'ils doivent marquer hein. Au match aller on avait vraiment cette réelle impression et je pense que c'était pas qu'une impression, c'est qu'au bout d'un moment, pas dès le début du match hein, mais au bout d'un moment, la seconde période, Ancelotti je pense qu'il avait dit à ses hommes, les gars on a le 0-0 c'est déjà bien, on avait vraiment l'impression que le Real se voulait se contenter d'un 0-0, là on verra un Real sous un autre visage qui devra marquer, ils sont obligés de marquer, ils sont obligés les Madrilènes de marquer pour au moins espérer les prolongations, donc on aura un autre visage sous les voilà, devant leur public, sur leur pelouse, avec des ambitions plus offensives, ça va pas être le même match pour le PSG, mais ça je pense que Pochettino le sait très très bien, donc voilà, et puis d'ailleurs en parlant de Pochettino, on aura l'occasion d'en reparler dans cet avant-match. Oh, je pense que c'est clair, hein, une victoire, une défaite du PSG ou une non-qualification du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Je pense que c'est Pochettino, je pense que si jamais le PSG ne se qualifie pas aujourd'hui, on peut dire au revoir à Pochettino. Merci beaucoup encore une fois Théo qui met ses pronos. D'ailleurs les pronos je les ai toujours pas dit, mais voilà, bien sûr mettez tout ce qui vous passe par la tête, les frérots dans le chat, hein, c'est bien aussi d'en débattre. Et voilà Théo qui refait un don de 2€. Merci Théo. Il nous met, je vois une victoire du PSG 2-0. Allez le PSG, nous met Théo, supporter de Angers à la base, mais supporter du club français, le Paris Saint-Germain. Une victoire 2-0 pour le PSG, ce serait bien. Moi, peu importe du score, il peut avoir un bon vieux 0-0, je m'en fous les amis. Plutôt que le PSG se qualifie. Voilà, vraiment le PSG ce soir, cette année, il y a Lille, il y a toujours Lille dans la compétition, mais Lille c'est un peu compliqué. Mais là, le PSG, ils peuvent le faire. Salut Raphaël Stéphansi, salut. Ils peuvent le faire le PSG cette année. Donc c'est vraiment un gros espoir pour les clubs français, tout comme Lyon qui est en train de gagner en Europa League et Monaco en Europa League, tout comme Rennes ou Marseille en Conférence League. Bref, là. Faut pas faire n'importe quoi ce soir pour Paris. On va regarder du coup les compositions et merci beaucoup Théo. Les frérots, mettez des GG comme le met papa. Théo, je vous dis 3-1 pour Paris avec 2 buts de Mbappé, un but de Neymar, nous met Patrice. Donc pas de Messi, toi pour toi, buteur, 3-1 pour Paris, ça me verrait très, ça me va très très bien. D'ailleurs, les frérots, on rappelle, je parle de Messi, pourquoi? Parce que Messi, il a l'habitude de jouer dans ce stade, dans ce Santiago Bernabéu, quand il a le maillot du Barça, on s'en rappelle il y a pas longtemps. Moi, je me dis dans ma tête, imaginez, il y a 1-0 pour le Real, vous voyez? Imaginez le scénario, 1-0 pour le Real jusqu'à la 90e plus 1 par exemple dans le temps additionnel, Messi qui marque et là paf, il enlève son maillot, il le met devant les supporters comme il y a longtemps, il y a 5 ans, enfin je sais plus combien de temps, bref ce serait beau, en vrai ce serait beau, je sais il y pense un peu Messi, mais il y a beaucoup de choses ce soir. Mbappé peut-être dans sa nouvelle maison, on sait pas hein, si jamais Mbappé va au Real, on sait que les supporters lui ont peut-être réservé des choses hein. ça m'étonnerait, mais alors vraiment pas de voir un champ pour Kylian Mbappé dès le début du match. Alors moi ça m'étonnerait pas hein, les frérots, d'entendre les supporters crier Mbappé. Il y a Messi qui revient, Neymar aussi hein, qui était ancien Barcelonais qui revient, Navas qui revient dans son stade. Bref, il y a beaucoup de choses aussi ce soir. Tout le monde allait Paris, je suis trop dégoûté, je viens d'apprendre que j'ai le Covid et je pense 1-0 pour Paris, nous Anton. Ouh, bon courage alors Anton, 1-0 pour Paris, tu penses? Vous êtes très optimiste pour le moment dans le chat. Compo du Real Madrid, Courtois, Fernandez, Alaba, Militao, Carvajal, Valverde, Cruz, Modric, Vinicius, Benzema et Asensio. C'est la grosse compo pour le Real Madrid avec quelques exceptions quand même, quelques absents et pas des moindres. Ferland Mendy, c'est pour ça que Fernandez est titularisé côté gauche. Ferland Mendy, c'est pas non plus un absent de taille. Et surtout, au milieu, vous me demanderez pourquoi est-ce qu'il y a Valverde? C'est parce que Casemiro est absent lui aussi, il est suspendu Casemiro, donc voilà, c'est vraiment des bonnes nouvelles on va dire pour le PSG hein, de voir Mendy et Casemiro pas là. Kroos a pu être titulaire, Toni Kroos, alors qu'il était blessé, on savait pas trop s'il est titulaire, mais finalement ça va, il est présent Toni Kroos ce soir. Bref, voilà ses compos, et puis après Vinicius, Benzema, Asensio en attaque, on sait qu'il y a beaucoup de monde sur le banc, mais on aura l'occasion d'y revenir hein, sur les remplaçants. Et pour le PSG, c'est là aussi que ça nous intéresse, 4-3-3 aussi. Donnarumma dans les buts préférés à Keylor Navas, donc voilà Navas qui est ancien du Real Madrid qui sera sur le banc en cas de blessure notamment de Donnarumma, on ne sait pas. Donnarumma dans les buts, Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, c'est la grosse défense, il y a pas, on peut pas mieux faire. Paredes, Verratti, Danilo, alors là, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a mis Danilo Pochettino. Je sais pas, honnêtement je sais pas pourquoi il met Danilo. Alors j'ai peut-être une théorie, bon je sais pas si on peut appeler ça théorie, mais peut-être une explication, et c'est pas une belle explication on va dire. C'est que Danilo c'est un joueur un peu plus défensif que Gay, et je pense que Pochettino il le met pour jouer le 0-0. Mais ça c'est très risqué hein, de jouer le 0-0 contre une équipe qui va pousser sous son public pendant 90 minutes. C'est un coup à se prendre un but à la fin, et puis ça va à prolongation, et puis après derrière tu te fais éliminer. Donc faut pas que Paris il joue en se disant on va faire 0-0, c'est bon, faut pas qu'ils jouent comme ça les Parisiens. Mais là malheureusement avec la titularisation de Danilo alors qu'il y a un Gay sur le banc,
Bah c'est un petit peu le signe qu'il nous envoie quoi. Pochettino, je sais pas ce que vous en pensez les amis, peut-être pas hein, mais Danilo, je suis pas fan fan hein, honnêtement. Il y en a beaucoup beaucoup hier, on en reparlait hein, lors du live sur le politique, qui disait que Danilo il a pas le niveau d'être à Paris et tout. Je sais pas s'il n'a pas le niveau, mais en tout cas ce soir jouer un match de Champions League alors qu'il y a Gay sur le banc, voilà, s'il n'y avait pas de Gay, voilà, parce que Gay il est quand même meilleur, pour moi il est quand même meilleur que Danilo hein, on s'en rappelle. Bah c'était face au Real d'ailleurs il y a quelques années quand il jouait en poule, il jouait face au Real en poule, le PSG il avait sorti un match de malade Gay. Bah non, il se met Danilo titulaire, je ne sais pas pourquoi. Bref, on verra. Et puis on attaque Mbappé, Messi, Neymar. C'était la petite interrogation. Mbappé titulaire, oui, non. Bon, il est titulaire, Kylian Mbappé, tant mieux. J'ai envie de vous dire, mais bon, on avait vu les images du contact. A priori, on le savait déjà avant les compos que Mbappé allait être titulaire. C'est bon, on est rassuré. Kylian Mbappé qui est bien titulaire avec Messi et Neymar. C'est la grosse équipe. Petite déception du côté de la titularisation de Danilo. Pas fan, Paredes. Combatif, j'aime bien, on va dire, par l'aise, ça va. Et puis voilà, Verratti, bon, pas fan quand même. On aura l'occasion de revenir sur ses compos, on va aussi voir les remplaçants. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez à me dire un petit peu sur ces compos? Je les enlève, les amis, parce qu'on vient de les voir. Mais voilà, encore merci beaucoup à Théo pour son soutien énorme. Et ouais, salut Maxer. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tes compos, quoi? Merci à tous déjà, sinon pour les 40 likes. Est-ce que vous les considérez comme. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la compo du Real? Qu'est-ce que vous pensez de la compo du PSG? Allez-y dans le chat. Il est capable de se prendre de roux carton rouge, mais Anton. Bien fait pour lui. En parlant de Casemiro ou. Bah, dans tous les cas, que ce soit Casemiro ou Mendy, ils sont pas pris de carton rouge. Hein, c'est juste une accumulation de carton dans la compétition. Salut le juste. Salut. Donc voilà, on voit il y a des 1-0. Anton voit un 1-0. Théo voit un 2-0 pour le PSG. Patrice qui voit un 3-1 pour le PSG. Vous êtes pour le moment très très optimiste. Continuez à mettre vos pronos, les frérots, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas de pronos. Mais vas-y, j'espère. Comme je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit en début de match, on est derrière le club français dans ces compétitions. Hein, on est derrière Lyon et d'ailleurs on est très heureux qu'ils gagnent 1-0. Hein, les Lyonnais ils gagnent 1-0 pour le moment sur la pelouse de Porto au Portugal. Donc c'est une très 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 belle opération pour le moment qu'ils font les Lyonnais. Et là on est derrière Paris, en tout cas pour ma part, hein, je suis derrière Paris. Donc moi je vous dis, hein, 1-0-0 claqué, je m'en fous tant que Paris se qualifie. Je m'en fous tant que Paris se qualifie. Donc voilà, même si mon prono, je vois un. Enfin, j'espère, je pense que c'est pas trop un pronostic, c'est surtout ce que j'espère voir. 1-0 pour Paris avec un but de Léo Messi au Real Madrid, au Santiago Bernabéu sous les couleurs du PSG, ce serait beau. Moi j'aimerais trop qu'il marque, qu'il fasse sa petite célébration. Désolé supporters du Real Madrid, hein, vous êtes tous les bienvenus bien sûr. Mais voilà, j'aimerais trop qu'il marque, qu'il m'enlève son maillot, paf, devant les supporters, ce serait beau. Mais bon, ça c'est vraiment le scénario le mieux possible, alors qu'à tout moment Paris se prenne 1-0 au bout de 10 minutes, 2-0, 3-0, comme le Bayern hier, 7-1 s'est plié à tout moment. Mais bon. Après voilà, ça va vraiment être un match très 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 spécial aujourd'hui, très compliqué des deux côtés, mais je pense que Paris, moi la composition du PSG elle me fait peur, dans le sens où Danilo, qui est titularisé à la place de Gay, c'est un mauvais signe, parce que Danilo il est quand même plus défensif, il a un profil beaucoup plus défensif que Gay quand même. Et donc s'il le met titulaire, ça veut dire que Pochettino il veut jouer le 0-0, mais c'est ultra dangereux de faire ça. Salut Crivera. Yo, allez par, non je rigole, même derrière le Real ils vont les atomiser, le mec Crivera. Ah, et nombreux se disaient ça aussi au match aller, c'est vrai. Mais ça n'a pas été le cas. Salut Germain Lièvre. Salut, en fait Paris, Wijnaldum joue jamais, ils ont payé pour rien. Oui, en plus il y a Wijnaldum et tout. Vous savez quoi, on parle de tu les trouves tes compos. Les compos elles sont officielles Maxor. On parle des frérots des remplaçants, on parle de Danilo titulaire et tout. Je vais vous montrer les remplaçants justement pour vous montrer qui aurait pu être titulaire à la place de Danilo. J'ai rien contre lui hein, Danilo, vraiment, mais on sait qu'il est pas. Oula, attendez, les remplaçants. Oh. Attendez, les remplaçants sont pas là. Je vous les remets dans quelques secondes, les frérots, les remplaçants. Les remplaçants qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Même les remplaçants, ils ont bugué de ne pas voir Danilo sur le banc. Ça les a un petit peu, bousculés. Allez, je vais vous montrer les remplaçants. Mais voilà, Danilo, j'ai rien contre lui vraiment. Mais il a un bon niveau pour la Ligue 1. Mais là, pour la Champions League, c'est surtout le fait qu'il y a un gay qui soit sur le banc, quoi. Alors après, est-ce que Gay il est pas apte physiquement? Je sais pas, en tout cas on n'a pas eu d'infos, hein, à part l'info que c'était lui qui avait taclé Mbappé, on n'en a pas eu. Mais est-ce que c'est une question, voilà, Gay n'est pas apte physiquement, je sais pas. Mais ouais, je sais pas, je suis pas super content de voir Danilo titulaire, surtout qu'il y a un Gay sur le banc. Bref, je vais vous montrer les compos, les remplaçants, les frérots, vous allez voir, hein, que ce soit du côté du Real ou du côté du PSG, il y a du monde. Vous allez voir. Alors les remplaçants, je vais vous les montrer, ça arrive. Oh. Ok, ça bug.
Salut Mathis. Voilà, hein, le match, les frérots, il sera sur Canal Plus si vous voulez. Et on va vivre le match à fond. Vous pourrez partager bien sûr votre ressenti, bref. Et voilà, bonne compo des deux côtés, nous même Axder. Salut Iliès. Lyonnais, mais allez Paris pour ramener cette Ligue des Champions nommée Iliès. Iliès, supporter lyonnais qui est pour le PSG ce soir. Et Lyon qui est en train de gagner 1-0. Et ça, c'est bon aussi. N'en parle pas parce que bon, ce soir, peut-être que voilà, le rendez-vous d'un autre club français, l'OL, est un peu éclipsé, un peu voilà, un peu effacé par le Real Madrid PSG. Mais l'OL qui est en train de gagner 1-0. Bon, alors c'est remplaçant. Est-ce que je vais pouvoir vous les montrer? J'ai l'impression qu'ils veulent pas, là, les remplaçants. Je vous le dis, hein, ils ont vu Danilo titulaire, ils ont paniqué aussi. Hein. Non, en vrai de vrai, ça va arriver. Sinon, je voulais vous montrer aussi autre chose dans l'avant-match. Donc voilà, les compos, on les reverra à un quart d'heure peut-être du coup d'envoi, 10 minutes. Là, je voulais vous montrer autre chose de très intéressant. C'est quelques petites statistiques à propos des deux équipes, les amis. Alors, ça arrive. En gros, c'est les derniers matchs des deux équipes. Et vous allez voir que c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, on va dire, pour le PSG. Les derniers matchs des deux équipes, que ce soit voilà, dans leur championnat. Hein, et vous allez voir, bref, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Allez, vous allez voir, je vais vous montrer les 7 derniers matchs, je crois, des deux équipes. Ça arrive. Et voilà, Lyon qui gagne 1-0. D'ailleurs, je ne sais pas qui a marqué pour l'OL, les amis. Est-ce que vous savez qui a marqué pour l'Olympique Lyonnais? Je vais regarder. Hop là. Parce que ouais, Lyon qui gagne 1-0 sur la pelouse de Porto, c'est un gros. Voilà, c'est quand même une belle opération. Donc ouais, je vais vous montrer, je rappelle, les remplaçants, les stats et tout. Merci en tout cas à tous pour les 43 likes. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent. D'ailleurs, j'ai pas encore dit, hein, si jamais vous n'avez pas lâché le petit like, n'hésitez pas. C'est Paquita qui écrivera, merci. N'hésitez pas à lâcher le petit like. Voilà, à lâcher le petit like, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Merci beaucoup les frérots. J'avais pas dit encore. Donc ouais, si vous n'êtes pas encore abonné, et eh bien écoutez, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors. Ça y est, donc voilà, je vais vous montrer du coup la petite stat que je voulais vous montrer. C'est ici, les amis. Voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc là vous avez les derniers matchs du Real Madrid et les derniers matchs de Paris. Donc bon, hein, le match de Nice en Coupe de France ou le match contre l'Atlético, c'était il y a longtemps. Donc ça, on va pas trop s'intéresser à eux. Voilà, les matchs les plus récents, c'est les matchs les plus en haut, les frérots. Donc on voit que le dernier match, rien que ça. Le dernier match, le Real Madrid l'a gagné. Paris ne l'a pas gagné. Rien que ça, bon, ça va peut-être pas beaucoup jouer, je pense pas qu'ils auront la tête à leur dernier match, mais ça montre un peu quand même la dynamique actuelle. Voilà, mais c'est surtout, regardez depuis le match aller de Ligue des Champions. Le match aller de Ligue des Champions, il est là pour le Real qui avait perdu, et le match aller de Ligue des Champions, il est là pour le PSG qui avait gagné. Hein, vous le voyez, il est marqué LDC, L1, L1, tout ça, voilà, Ligue 1. Depuis la victoire face au Real, le PSG en Ligue 1, c'est 2 défaites, 1 victoire. La victoire, c'est contre. Une équipe qui joue le maintien. Et les défaites, c'est quand même contre Nice et une équipe qui est pas non plus top niveau, on va dire, même si c'est quand même une bonne équipe, Nantes. Alors que depuis la défaite face au PSG, le Real c'est 3 victoires. Donc on voit quand même que depuis le match à Ligue des Champions, c'est pas les mêmes. C'est pas du tout la même chose des deux côtés. On a le Real Madrid qui gagne 3 matchs, le PSG qui en perd 2, qui en gagne 1 et qui reste sur une défaite. C'est pas comme s'ils avaient perdu leurs deux prochains matchs après Real et qu'ils restaient sur une victoire. Non, ils restent en plus que sur une défaite. C'est pas très. Voilà, ça veut peut-être. Enfin, peut-être que ça va pas jouer, je ne sais pas. Mais c'est pas. Voilà, c'est pas excellent, on va dire, comme préparation. Voilà, Real qui reste sur 3 victoires quand même. Alors que le PSG reste sur 2 défaites, 1 victoire. Alors après, vous allez me dire, c'est normal, c'est pas les mêmes équipes, on peut pas comparer. Le Real Madrid, il vient quand même de gagner 4-1 face au Real Sociedad. Le Real Sociedad, c'est une équipe d'Europa League. Nice, c'est aussi une équipe en vrai qui a le niveau quand même très bon niveau hein, cette année. Nice, je pense qu'ils ont aussi à peu près le niveau d'Europa League hein, par là, mais bon, pareil, ils perdent, tu vois, ils gagnent pas 4-1 non plus. Voilà, et puis là, ils perdent contre Nantes aussi. Contre Saint-Etienne, ils ont gagné, mais ils ont quand même encaissé le premier but. Bref, c'est pas très rassurant, on va dire, les derniers matchs, mais bon, ça, c'est les stats qui font un peu peur pour des supporters parisiens aussi. On va pas rester très longtemps sur ces stats, mais ça a le mérite quand même d'être souligné. Salut. Germain, j'ai 15 ans. Allez, l'OL, Lomerlo. Et ouais, 1-0 pour l'OL grâce à Paqueta. Salut Théo. Et oui, les Lyonnais qui gagnent. Et ça, c'est bon aussi.
Alors vous êtes 59% à supporter le PSG. D'ailleurs le duel des fans, puisque je vous l'ai pas encore dit, bah si jamais hein, vous voulez supporter votre équipe dans le chat, pour qui est-ce que vous êtes, pour qui êtes-vous, est-ce que vous êtes pour le Real Madrid, est-ce que vous êtes pour le Paris Saint-Germain ce soir, les frérots, allez-y dans le chat. Pour moi vous êtes 135 à avoir voté au duel des fans. 29% supportent le Real Madrid, 60% supportent le Paris Saint-Germain et 11% sont neutres dans ce match retour pour les huitièmes de finale. Je rappelle que celui qui va se qualifier accédera au quart de finale, les amis. Je rappelle que déjà le Bayern et Liverpool se sont déjà qualifiés. Qui du PSG, qui du Real ce soir se qualifiera, ou qui du Sporting et de City, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a aussi Sporting City. Le duel des fans, vous pouvez voter. Le chat, le sondage, voilà, je vais y arriver. Il est lancé, les frérots. Et je vous parlais des remplaçants que je vous ai toujours pas montré, mais vous inquiétez pas, je les ai pas oubliés. Les remplaçants, ça va arriver. Donc ouais, il y en a quand même. Waouh, ah oui, il y en a beaucoup des deux côtés quand même, hein, des remplaçants. Effectivement, il y en a beaucoup. Waouh, mais attendez, mais ils ont mis toutes les... ils ont mis, waouh, il y a beaucoup trop de remplaçants. Attendez. Ouais, il y a beaucoup beaucoup de remplaçants quand même, hein. Et je vais vous les montrer du coup, les remplaçants, les amis. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas encore voté au duel des fans, vous pouvez. Les remplaçants, je vous en parlais, je vais vous les montrer maintenant, tout de suite. Les remplaçants, les amis. Les voilà, les remplaçants des deux équipes. Vous avez à votre gauche les remplaçants du Real, à votre droite les remplaçants du PSG. Je m'excuse, c'est petit parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. C'est pas comme en Ligue 1 où il y a une restriction, hein, où il y a tel nombre de remplaçants par équipe sur les bancs. Non, il y en a beaucoup, beaucoup des remplaçants. Mais je pense que si vous agrandissez, hein, si vous mettez en grand écran, je pense que vous n'avez pas de problème à les voir non plus, les amis. Dans tous les cas, je vais vous les dire. Donc, du côté du Real Madrid, on a Bale, Camavinga, Ceballos, Mariano Diaz, Hazard, Isco, Jovic, Lucas. Lunin comme gardien remplaçant, Marcelo, Rodrigo et Valero. Ouais, donc il y a quand même assez un Marcelo sur le banc. Bref, là il y a quand même du monde aussi avec un Eden Hazard, hein, sur le banc du Real et sur le banc du PSG. Dagba, Diallo, Di Maria hein, sur le banc. Dina Ebimbe, Draxler, Gay, Icardi, Kerrer, Michu, Navas, Simons et Wijnaldum. Pourquoi je dis Di Maria? Parce que Di Maria, on savait pas trop s'il allait être titulaire ou si ça allait être Neymar. Hein. Ça a beaucoup beaucoup parlé de ce côté-là. Est-ce que Neymar va être titulaire? Est-ce que Di Maria va être titulaire? Finalement, Di Maria est sur le banc. Voilà. Et on en parlait tout à l'heure à propos de Danilo. Danilo titulaire, je rappelle, alors que t'as des joueurs sur le banc comme Wijnaldum, Gay, bon, c'est tout en fait. Mais bref, Wijnaldum, Gay, pour moi, c'est meilleur que Danilo. Mais les choses que, la chose que a Danilo, mais que n'ont pas Wijnaldum et Gay, c'est que Danilo est quand même un joueur très 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 défensif, qui a un profil plus défensif. C'est pas lui qui va décrocher une frappe dans la lucarne, c'est pas lui qui va te faire un appel et qui va aller en un contre un face au gardien. Quoique, vous savez quoi, à chaque fois je dis ça et vous allez voir que 10ème minute il va faire ça, Danilo. Mais non, en vrai, voilà, il est quand même beaucoup plus défensif que Gay et que Wijnaldum. Que Wijnaldum, on va pas se le cacher. Mais pourquoi? C'est parce que on a un Pochettino qui, et moi ça me fait peur ça, qui je pense veut jouer le 0-0, parce que Paris, je rappelle, a gagné 1-0 à match aller, hein, mais bon, j'ai même pas besoin de le rappeler, je pense que vous le savez. Donc un match nul, ça suffirait pour se qualifier pour le PSG. Mais ça, si de toute façon, ça, on verra, hein, les 10 premières minutes, hein, est-ce que Paris va jouer défensif ou pas. Mais si c'est le cas, moi ça me fait peur, parce que les équipes qui commencent et qui se disent on va tenir 90 minutes face à un Real Madrid poussé par ses supporters qui a qu'une envie, c'est bah, de se qualifier forcément. Surtout que bon, on sait que Paris c'est pas non plus très 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 serein, hein, donc défensivement, s'ils tentent de garder le 0-0 pendant 90 minutes, moi ça me fait peur. Mais bon, voilà, du coup pour les remplaçants, les frérots, on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Mais voilà, on les verra plus en détail, on va dire, à la mi-temps, lorsque bah, les remplaçants, parce qu'on sait que les remplacements, ça va plus se dérouler en seconde période s'il n'y a pas de blessé. C'est ce qu'on espère, on espère d'ailleurs. S'il n'y a pas de blessé, c'est en seconde période que ça va se dérouler. Donc on étudiera les remplaçants un peu plus en deuxième mi-temps. J'espère que le Real Madrid va gagner le MLS Foot supporter du Real, qui fait partie des 30% à être supporter du Real Madrid. Vous êtes bientôt 200 à avoir voté, 61% quand même pour Paris. Voilà les frérots, vous êtes tous les bienvenus, supporters du Real, neutre ou supporter du PSG, vous êtes tous les bienvenus. Perso, je suis désolé, mais ce soir je suis derrière le Paris Saint-Germain, les frérots, club français quand même, on supporte le PSG. Mais c'est aussi bien, et c'est ça aussi qui est cool, de pouvoir rassembler des supporters du Real, des supporters du PSG, pour avoir des avis un peu différents. Salut Selim
Allez, Paris, nous et Myron. Et salut à tous. On a vu les compositions, on a fait le duel des fans, les remplaçants, les frérots. Je voulais vous montrer autre chose. Bien sûr, on reviendra sur les compos parce qu'il y a pas mal de choses aussi à dire pour ceux qui ne nous auraient pas encore vu. Ce sont les compos, elles défilent juste ici, les amis. Et bien sûr, j'insiste vraiment, mais vous avez un truc à dire, n'hésitez vraiment pas. Dans le chat, c'est fait pour ça. On a, voilà, on est à environ 24 minutes du coup d'envoi, donc il reste du temps avant que le match débute. Donc vraiment, n'hésitez pas à dire tout ce que tout ce qui vous passe par la tête. Bon, bien sûr, à propos de, voilà, du match, tout ça, pour ce soir, comme ça on peut en débattre et c'est cool les amis. Et c'est aussi cool de débattre de ce que, voilà, vous proposez dans le chat, donc n'hésitez pas. Allez Real Madrid et bon match. Je suis pour Paris, je suis. Et bon match. Ah non, bon match pour Paris, je suis fair play, Mélies. Ok, d'accord, j'avais pas bien compris. L'IS, salut Dinou Gaming, Lyonnais, supporter des autres clubs français, c'est le météo, gros match, grosse mise, 500 euros sur le 0-0 mi-temps, mais c'est libre. En vrai, c'est pas bête, hein. Parce que comme je vous l'ai dit, Pochettino, avec ce qu'on voit, on a quand même l'impression qu'il veut jouer le 0-0 avec un Danilo qui est quand même, voilà. En vrai, c'est pas bête, hein. Franchement, c'est pas bête, c'est libre. Salut mon Estanteuil, salut Estanteuil. Et donc je voulais vous montrer aussi une autre stat, c'est les statistiques des meilleurs buteurs de la compétition. Les meilleurs buteurs, les frérots de la compétition, alors que là on a l'image de Léo Messi, hein, qui est en train de s'échauffer sur la pelouse de Santiago Bernabéu, une pelouse qu'il connaît bien. Là il n'y aura plus trop d'excuses, hein, pour Léo Messi. Lorsqu'il fait des mauvais matchs en Ligue 1, on dit ouais, faut s'acclimater au nouveau championnat. Merci beaucoup pour ton abonnement, Mist56. Faut s'acclimater à ci, à ça. Là il joue contre une équipe de Ligue 1, une équipe qui a l'habitude de jouer, un stade dans lequel il a plutôt l'habitude de jouer quand même. Surtout que c'est aussi une atmosphère dans laquelle il a l'habitude aussi de jouer, parce qu'à chaque fois qu'il joue contre le Real Madrid, à chaque fois c'est des matchs sous pression, parce que quand il était avec le Barça, c'était des classicos. Donc là ce soir ça va être un match sous pression, non pas parce que c'est un classico, mais parce que c'est un match retour du 8ème de finale. Donc là Messi il est dans les mêmes conditions pratiquement que lorsqu'il était au Barça, pas avec les mêmes joueurs, mais quand même il y a aussi un Neymar à ses côtés. Donc Messi, il n'y a pas d'excuse. Ce soir pour Léo Messi, j'espère qu'il va nous sortir une belle prestation. Mais déjà rien qu'au match aller, je trouve que beaucoup de personnes quand même lui crachent dessus, alors que franchement match aller déjà c'était quand même pas mal, hein. Il avait fait une belle prestation aussi le Messi, même s'il n'avait pas marqué. Mais bon, c'est pas parce qu'on marque pas qu'on fait pas un bon match, hein. Salut Mist56, Benzema, Noumel, Yes Foot. Allez Paris, le même fan de Voritex, salut à toi. La compo est parfaite, Paredes est reconduit logique vu son match. Allez, après, voilà, on va revenir sur les compos. Moi c'est vraiment Danilo que j'aime pas trop, mais je voulais vous montrer, enfin que j'aime pas trop, que je suis pas trop fan dans la compo. Après il peut très bien nous sortir un très bon match. Dans ce cas là on dit rien, mais comme ça sur le papier et tout, je sais pas, je suis pas fan. Je voulais vous montrer, on y reviendra bien sûr, hein. Je voulais vous montrer du coup les meilleurs buteurs de la compétition pour le moment. C'est une stat comme ça, on verra notamment, on va plus s'intéresser, hein, bien sûr aux meilleurs buteurs, hein, qui se trouvent dans le camp du Real Madrid et du PSG. Mais je vais vous montrer tout ça. On aura l'occasion notamment de parler de Messi, Neymar, Mbappé et de Karim Benzema, surtout du côté du Real Madrid. Karim Benzema qui n'a pas fait peut-être un excellent match. Merci beaucoup pour ton abonnement. Ah, j'arrive pas à lire le pseudo. Ah, j'ai pas lu le pseudo, désolé. En tout cas, merci pour ton abonnement. Voilà, Onsen n'a pas fait un excellent match, on va dire, au match aller. Karim Benzema, donc on aura l'occasion de le voir dans ce classement des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Vous pensez qu'il est. Il se trouve à quelle place d'ailleurs, vous pensez Benzema? Les amis, je vais vous montrer les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, mais juste, vous pensez, voilà, petit sondage comme ça que je vous demande. Répondez-moi les frérots dans le chat. Vous pensez que Benzema, il se classe où pour le moment dans le classement des meilleurs buteurs depuis le début de la Champions League? Voilà. On sait qui est le premier, ça vous le savez, c'est Lewandowski, bien sûr, avec son triplé hier en 11 minutes. Mais vous pensez que Benzema, il se classe où à peu près au classement? Salut, salut à tous ceux, hein, bien sûr, qui nous rejoignent. Ton avis sur le match de Lyon? Bah c'est très bon ce que font les Lyonnais. Pour le moment ils sont dans le tour additionnel et ils tiennent 1-0. C'est très très bien, hein, Lyon, faut continuer franchement. Parce que là une victoire 1-0 au Portugal en plus, non franchement c'est très très bien. Après j'ai pas vu le match parce que voilà on parle de surtout de Paris Real. Je peux pas dire un très gros avis, mais là sur le score c'est trop bien ce que font les Lyonnais, vraiment. C'est vraiment bien. 7ème pour Benzema, tu penses les foot? Benzema tu le vois 7ème, bah écoutez, allez, on va voir le classement des buteurs. Des meilleurs buteurs depuis le début de la Champions League de cette année, hein, bien sûr, hein, que de cette année. Eh bien, le voilà, le classement. Voilà, je vous laisse regarder tout ça, les frérots. Et vous voyez que Karim Benzema, il est 9ème. Benzema, voilà, bon, il est 9ème, il a été avec le 8ème. Mais ouais, il est même d'ailleurs plus 8ème, hein, parce que Mbappé a joué un match de plus. Mais voilà, du coup, pour ce classement. Donc, on a Robert Lewandowski, stratosphérique, hein, qui hier m'a marqué un triplé en 11 minutes. Il se classe premier avec 12 buts depuis le début de la Champions League. Il a quand même un match en plus, voire même deux matchs en plus. Du coup, Robert Lewandowski, on a Haller, bien sûr, derrière. Et puis, on va plus s'intéresser quand même au
parisiens et aux madrilènes ce soir. Donc on a le premier, c'est Kylian Mbappé sur les joueurs de ce soir. Kylian Mbappé avec 5 buts, mais il est égalité avec Benzema et avec Messi. On a quand même 3 joueurs, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Messi, qui sont à 5 buts. Sauf que bah, Messi a joué un peu moins de matchs que Mbappé. Donc en vrai, au niveau des buts en Champions League, bah, Messi en a marqué autant que Mbappé en moins de matchs. C'est pas trop mal. Et il a exactement les mêmes stats que Karim Benzema au niveau des buts. Voilà, voilà, du coup, pour Léo Messi. Et puis, est-ce qu'il y en a un autre? Non, et puis il n'y a personne d'autre en fait. Hein, à part Kylian Mbappé, Karim Benzema et Lionel Messi qui suivent à la 8ème, 9ème et 10ème place. Il n'y a pas d'autres joueurs qui est soit du côté du Real Madrid, soit du côté du PSG. J'aurais dû parier sur le Bayern, Lewandowski un monstre. Ballon d'or, s'il vous plaît, nous met Théo. Salut, salut Valentin, salut, ça va, je vois Mbappé buteur ce soir comme à l'aller. Nous met Valentin, ce serait bien, ce serait bien. C'est sûr que si le PSG marque le premier but dans ce match, là, ce serait très bien. Mais après, moi, j'ai très très peur, je vous jure. Plus le temps passe, on est à 18 minutes du coup, d'envoi, 18 minutes, plus la tension monte, plus on a peur, je pense, des deux côtés. Salut Daniel, même si. Salut Daniel Caroupaille, salut, salut. Salut Morba. Allez, Paris, je crois en vous. Oh non, Porto qui égalise face à Lyon. Oh là là, Porto qui égalise face à Lyon. Ah, compliqué là pour Lyon. Ah, quel dommage. Il y a le match retour, mais. Ouais. Donc, ouais, je voulais dire un truc. Ouais. D'ailleurs, je voulais vous dire un truc. Je sais pas si vous avez vu l'info tourner ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas une info, mais sachez qu'à Madrid et en Espagne, ils sont ultra confiants. Genre, la une des journaux, tout ça, bah c'est, ils sont vraiment très très confiants là-bas. Donc, je pense que c'est aussi un moyen de mettre la pression sur le PSG en mode c'est sûr qu'on va gagner, tout ça, on vous met la pression. Mais ils sont très confiant, ça me rappelle un petit peu le Barça PSG avec la remontada. Bon, ils n'étaient pas aussi confiants en plus les Barcelonais, mais il y a quelques supporters et tout qui croyaient à cette remontada justement. Le mot était même, voilà, était même là avant que elle ait lieu, cette remontada. Et on sait comment ça avait terminé. Donc bon, là voilà, les supporters du Real dans les journaux, bref, tout le monde est plutôt confiant. En vrai, ça m'a d'ailleurs un peu surpris. Salut Léo Messi de ton pseudo. Ramos va jouer, pas non, Ramos qui est toujours absent. Hein. Je vous ai dit les absents du côté du Real, je vous ai pas dit les absents du côté de Paris. Herrera, Kurzawa, Ramos, c'est rapide, tous blessés. Ils sont absents, voilà. C'est vrai qu'on parle plus trop de Ramos maintenant. Mais j'ai peut-être même vu une info comme quoi Ramos pourrait partir du PSG, quoi, carrément. Bon, après, c'est quand même une petite rumeur, mais quand même. Voilà pour ce classement des meilleurs buteurs. Mbappé, Benzema et Messi qui sont tous à 5 buts pour le moment. Peut-être que c'est un peu passé devant les autres, peut-être ce soir en 4 buts. Mais voilà, du coup, pour les meilleurs buteurs, je voulais juste descendre un petit peu dans le classement, peut-être, parce que peut-être qu'on en retrouvera un autre si on descend dans le classement. Donc c'est plutôt en bas là qu'il faut regarder. En bas à droite, on a André Silva avec 3 buts. Est-ce qu'il y a un autre parisien? Non, il n'y en a pas d'autre. Ok. Allez, les amis. But annulé de Porto. Oh, oui, but annulé pour Porto. C'est bon, Lyon qui reste devant. Alors. Ça c'est bon, salut Walid. Voilà, on commentera le match, on vivra le match à fond sur le live. Mais je rappelle sinon qu'il est uniquement sur Canal+, ou RMC Sport. Oh oui, Lyon qui reste devant du coup. Les amis, allez, on a vu beaucoup de choses dans cet avant-match. Il reste quand même pas mal de choses à dire, les frérots. Je voulais vous demander votre avis sur Pochettino, les frères. Votre avis sur Pochettino, mettez-moi votre avis sur Pochettino s'il vous plaît dans le chat. Petite analyse sur Pochettino, court, long, bref, je sais pas, mais allez-y dans le chat. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Pochettino? Walid, oh, j'ai pas le droit, j'ai juste pas le droit, sinon je le mettrais bien évidemment. Walid, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Mauricio Pochettino dans le chat? Allez-y, parce qu'il faut quand même qu'on en parle de Pochettino. On le sait, enfin, c'est pas officiel ni rien, il n'y a pas eu de communiqué ou rien du tout, mais. En cas d'élimination pour le PSG, je pense que Pochettino, il ne sera plus à Paris pour longtemps. En cas d'élimination ce soir. Et voilà. En fait, Pochettino, c'est compliqué de dire quelque chose sur lui. Parce que en même temps, Paris, d'un côté, c'est pas très. Voilà, on a vu des matchs où Paris, ils perdent comme ça. Ils jouent pas très bien. Des matchs où vraiment, c'était, comment dire, pas convaincant du tout. Un jeu vraiment pas ouf avec Mauricio Pochettino. Mais en même temps, c'est quand même compliqué de lui dire. Faut qu'il sorte, faut qu'il dégage, parce que il est premier de Ligue 1 avec 12 ou 10 points d'avance, je crois, un peu plus même. Et pour le moment, ils sont plutôt bien partis, en tout cas au niveau du score, en Champions League, puisqu'ils sont en 8ème. Ils ont gagné 1-0 au match aller face au Real. Donc en vrai, même si dans le jeu, le PSG n'est pas forcément incroyable, alors franchement, il y a des matchs qui sont mauvais et ils perdent. Hein. On a vu contre Nantes, on a vu contre Nice. Bah au final, franchement, bah, ça fait le taf, puisqu'ils sont premiers de Ligue 1 et pour le moment, ils sont dans la compétition. Mais bon, le problème, c'est que là où. Le problème, c'est qu'il suffit qu'ils perdent ce soir et voilà.
Donc qu'est-ce que vous avez à dire sur Mauricio Pochettino, les amis? Moi je pense que voilà, c'est vraiment ce soir aussi là qu'on va voir ces choix, parce que là c'est des choix assez compliqués. On a gagné 1-0, le PSG a gagné 1-0 à l'aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut plutôt rester derrière, subir tout le match, mais tenter de gagner le 0-0? Est-ce qu'il faut aller marquer un but, mais risquer de se faire contrer par exemple? C'est sûr que c'est compliqué aussi là pour Pochettino à gérer. Déjà voilà, il y a au niveau tactique, au niveau stratégie, puis au niveau des joueurs qui ont été mis titulaires. Là on les a, les compos, on peut déjà juger. Moi je suis pas fan de Danilo, mais bon, ça je pense que j'ai bien dit. Ok, donc Germain, toi t'es tranché ton avis. Et Lyon a gagné, victoire de l'OL les frérots, ça c'est beau. Ça c'est beau. Pochettino, faut reconnaître que pour l'instant il n'a pas su impulser un vrai style de jeu, mais bon, les résultats sont quand même bons. Le vrai test, c'est ce soir. Nous met AS Nanteuil. Voilà, c'est totalement d'accord avec ce que vous a dit AS Nanteuil. Mais le problème, c'est ça aussi. Le problème, c'est ça, c'est qu'on dit le vrai test, c'est ce soir. Comme si ce soir c'était un test. Mais ce soir, il se rate, ça dégage. Hein. Et la saison de Paris, elle est carrément ratée. Hein, parce qu'il n'y a pas de trophée des champions, pas de Coupe de France, pas de Champions League. Peut-être un championnat, c'est pas suffisant. Donc voilà, là, il faut la 7 Champions League pour Paris. Donc ouais, le vrai test, il est ce soir. Et le problème, c'est que s'il se rate, bah, on pourra pas trop se rattraper. Pochettino est un entraîneur avec un talent, mais il est mauvais cette saison. Et le PSG devrait s'en séparer et devrait prendre un entraîneur avec quelqu'un qui est comme dans son ADN. Mais j'ai pas trop compris. Il faut tout faire pour l'instant avec lui. Attends. C'est-à-dire quelqu'un qui est attaché au club. J'ai pas trop compris, Lies Foot, honnêtement. Ok, d'accord, Walid. Ok, Walid. Les frérots, d'ailleurs, hein, je vous le dis toujours, le duel des fans. Je remonte vite fait le duel des fans, les frérots. Les amis, vous êtes déjà 320 à avoir voté, mais voilà, vous pouvez continuer. On est à 13 minutes du coup d'envoi. On voit les Madrilènes et les Parisiens commencer à rentrer au vestiaire juste avant le coup d'envoi de cette rencontre. Coup d'envoi à 21h dans environ 13-12 minutes, les frérots. Tout le monde est rentré au vestiaire. Ça va être les derniers ajustements en tactique, ou plutôt, non, je pense pas que ça va être de la tactique. Je pense que ça va plutôt être de la motivation. Dans le vestiaire pour Ancelotti et pour Pochettino, match qui, je le rappelle, sera arbitré par monsieur McKelly, un néerlandais du coup aux commandes de ce match ce soir. On le connaît hein, cet arbitre, les amis, qui a l'habitude notamment d'arbitrer aussi. Et voilà les joueurs qui vont pas tarder à revenir sur la pelouse, je pense, dans quelques minutes, dans peut-être 7 minutes. Ce sera l'entrée des joueurs sur la pelouse. Et dans 12 minutes, c'est le début du match, les frérots. C'est le début. C'est fini pour Porto. Elle, je suis parisien, mais GG au Lyonnais, car il faut le faire pour aller gagner à Porto. Ouais, franchement, grosse, grosse prestation. Merci beaucoup, Esmeralda. S'il gagne ce soir, Paris va faire sa 100e victoire 2021-2022. Ah ouais, Esmeralda, je savais pas ses stats. Peut-être c'est possible. Salut, Camille. Attends, t'es sûr? Non, c'est bizarre quand même. Ils ont pas joué 100 matchs. Ça me semble bizarre. Il faut qu'ils prennent un entraîneur qui doit avoir une tactique qui est propre au PSG. Voilà ce que je veux dire. Ok, d'accord, je comprends un peu mieux Lies Foot. Est-ce que par exemple un Zidane, parce que bon, c'est quand même la rumeur aussi. Est-ce que pour vous un Zidane, ça, ce serait bien pour le PSG? Est-ce que pour vous Zidane à Paris, ce serait bien? Qu'est-ce que vous pensez de Zidane au PSG, quoi? C'est la question que je vous pose. Est-ce que Lies Foot, c'est... Est-ce que Zidane aura cette tactique-là qui est propre au PSG dont tu parles? Salut Mal. Moi je te jure, mec, tu me crois pas. Bah ça me semble bizarre quand même, ils ont pas joué 100 matchs sur l'année 2021-2022. Bah c'est bizarre, je sais pas. Les frérots, on va revoir les compos. Voilà, j'avais dit qu'il y a environ un quart d'heure, 10 minutes, on allait rejeter un petit coup d'œil aux compos, parce que les compos c'est quand même l'info de l'avant-match, hein. C'est quand même l'info la plus importante. Dans l'avant-match, on peut parler des stats, on peut parler de tout ce qu'on veut. Les compositions, c'est du concret, c'est les joueurs qui sont titulaires, c'est les joueurs qui vont débuter. Oh, merci beaucoup Gaël, on voit le ton de Gaël, merci beaucoup pour ton don de 20 francs suisses, plein de GG les frérots pour Gaël. Bonsoir, bonsoir, alors les amis, vous êtes bien prêts, on croise tous les doigts et les orteils pour avoir un vrai match et espérons une victoire du PSG. Serrez les fesses, ouvrez vos paquets de chips et bon match à tous, tous mes Gaël. Et oui Gaël, voilà, je vous le souhaiterais au coup d'envoi, bon match les frérots, mais quelle soirée en tout cas ce soir que l'on va vivre tous ensemble. Les amis, début du match dans 10 minutes. Et merci, merci beaucoup Gaël pour ton soutien encore énorme. Les frérots, mettez des GG pour ton énorme de Gaël. Et vous pouvez toujours mettre des GG aussi pour Théo et ses dons tout à l'heure. Merci beaucoup. Je sais pas, c'est possible Esmeralda, mais je sais pas, ça me semble juste un peu bizarre. Aïe 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 aïe, merci, merci, merci Gaël, merci. Non, je serais triste car c'est un Marseillais. En parlant de Zidane, du coup Camille, tu penses que le PSG va gagner? Dis-nous. Je pense que le PSG va pas gagner, mais va faire nul, qui va leur suffire pour la qualification. Et j'espère que ce sera ça. Mais bienvenue bien sûr toujours aux supporters du Real Madrid, bienvenue à tous.
Salut Ouda. Bonsoir Mathéo. Donc voilà les compos, j'avais dit que je les remontrerai dans cet avant-match. Et les revoilà, les compositions jouées, c'est quand même l'info la plus importante d'un avant-match. 4-3-3, hein, déjà des deux côtés. 4-3-3 des deux côtés. Les frérots avec plus d'absents quand même du côté du Real Madrid. Plus d'absents de marque du côté du Real Madrid que du côté du PSG. Bon, il y a plus d'absents du côté du PSG puisqu'ils sont 3 alors que du côté du Real il n'y en a que 2. Mais du côté du Real, c'est quand même des titulaires indiscutables hein, qui sont absents. Ferland Mendy, Casemiro. Tandis que du côté du PSG, Herrera, Kurzawa. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas des joueurs qui seraient titulaires. Et Ramos quand même est blessé. Même si Ramos n'a pas été très 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 présent, on va dire, depuis le début du match. Il n'a pas été souvent titulaire. On s'attendait de cette absence ce soir. Ce n'est pas une surprise. Ouais, je connais. Salut Jais. Excuse-moi si je prononce mal ton pseudo. En tout cas, salut à toi. Mais voilà. Les absents, Ferland Mendy, Casemiro, on n'en a pas trop parlé, mais quand même, hein, ça peut compter. Hein, Valverde et Fernandez qui sont titulaires du coup. Hein, Valverde latéral gauche, Valverde milieu gauche, Fernandez latéral gauche. C'est eux qui remplacent du coup les absents. Et puis voilà, du côté du PSG, merci beaucoup d'ailleurs pour ton abonnement, J.I.S. Du côté du PSG, c'est plutôt la titularisation de Danilo à la place, alors qu'on a un gay quand même sur le banc qui me surprend un petit peu. Et puis sinon, c'est quand même une belle compo à voir ce que nous produit Léo Messi ce soir, à voir aussi Mbappé, Neymar, pourquoi pas. Neymar qui a dit hein, en conférence de presse, Neymar il a dit je suis à 100% pour disputer cette rencontre. Il est chaud Neymar. Ah, moi c'est tout le temps blessé de Madinou. Bah, depuis qu'il est arrivé au PSG, il a pas joué longtemps, c'est vrai. Allez, pareil, je pense que l'entraîneur de City serait mieux, juste pas mon choix. Ah bah, Pep Guardiola, oui, c'est Pep Guardiola, mais bon, il est déjà pris par un club, hein, malheureusement, Pep Guardiola. Et je pense pas qu'il va quitter City. Merci beaucoup, en tout cas, Gaël. Et Santé qui fait un petit jeu de mots, Gaël. Et GG, tu as le don de mettre le feu au chat quand tu arrives parmi vous. Petit jeu de mots de la part de AS Nantes. Salut mon Noah, victoire de l'OL, Noah. Est-ce que t'es content? Victoire de l'OL, ça c'est beau aussi. Voilà du coup pour ces compositions. Coup d'envoi dans 7 minutes les amis. On va pas tarder à passer en mode match. Dernière petite info qu'on n'a pas dit pour tous ceux qui s'intéressent vite fait au Paris, c'est les cotes aussi. Les cotes de ce match. Les cotes les amis, les cotes de ce match. Sachez que la victoire du Real Madrid, je crois qu'elle est cotée. Enfin attendez, je vais vous dire, j'avais les cotes en tête, mais elles ont peut-être dû changer du coup à l'approche du coup d'envoi. Donc je vais aller regarder, comme ça on aura les cotes exactes. Bon après ça dépend du site hein, mais la cote de la victoire du Real Madrid est à 2,40. La victoire du Paris Saint-Germain, elle est à 2,50. Et le match nul est à 3,70. Petit match nul, ça peut être intéressant honnêtement. Merci à tous les frérots pour les 76 likes. Merci beaucoup pour les 76 likes, n'hésitez pas toujours à me bombarder. La barre de like à me bombarder. La barre d'abonnement. Allez-y, je compte sur vous. Pourquoi pas les 10 900 abonnés. En tout cas, merci, merci pour votre soutien encore énorme. Les frérots à l'approche du coup d'envoi. Merci à tous ceux qui like. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Vous êtes juste les boss, les frérots. Vous êtes juste les boss. Vous êtes les boss. Très bon arbitrage pour une fois, Noumenois. Lyon a gagné. Je suis trop heureux, Noumenianis. Et oui, Lyon, on n'en parle pas beaucoup hein, parce que bah voilà, il y a Paris Real et tout. C'est peut-être un peu plus médiatique, on va dire. Mais Lyon. Ça c'est bon, en vrai, ça c'est bon pour les clubs français aussi. Et derrière on sera. J'ai pas pris l'écharpe. Aujourd'hui j'ai pas pris l'écharpe pour Paris. C'est vrai que j'ai oublié. Je l'avais il y a quelques semaines lorsque bah, c'était le match aller. Ça a porté ses fruits, j'ai oublié l'écharpe pour le PSG. Et voilà, hier la victoire s'éteint du Bayern aussi, Camille, on reparle. Et voilà, ce soir, la compo du Real m'inquiète, Noumeliès. Et voilà les amis, le coup d'envoi, on y est. On y est pour ce début du match aller, c'est le du match retour les amis, c'est le match retour de ces 8e de finale de Champions League qui intéresse le plus quand même, qui est le plus attendu. Real Madrid PSG, rencontre très très alléchante à la base, et en plus avec la victoire 1-0 du PSG au match aller, c'est, j'ai envie de vous dire, encore, il y a encore plus de suspense. On est au Santiago Bernabéu et voilà, on voit un typhon hein, qui est dans les tribunes. On voit que certaines tribunes sont bâchées hein, suite aux travaux qu'il y a au Santiago Bernabéu, mais voilà, les supporters sont présents, le stade est plein clairement. Si certains se poseraient la question, le stade est plein pour accueillir le Paris Saint-Germain et pour peut-être avoir une soirée fantastique pour les supporters du Real qui sont présents. Je rappelle aussi du côté du PSG que 1800 supporters ont fait le déplacement. 1800 Parisiens se sont déplacés à Madrid pour assister au match au Santiago Bernabéu. Ils vont donner de la voix, même si bon, je pense que les 1800 supporters du PSG comparés aux nombreux supporters du Real, on aura peut-être du mal à les entendre hein, parce que ça va faire du bruit aussi à Santiago Bernabéu. Mais ils sont fait déplacement et 1800, ils sont quand même très 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 nombreux. Tandis que voilà, on voit les remplaçants qui descendent. On voit les remplaçants qui descendent. Simons, Michou qui vont prendre leur place sur le banc. Et on voit les titulaires qui sont présents avec Marquinhos qui discute avec Didier Donnarumma. On n'en a pas trop parlé d'ailleurs du choix de mettre Donnarumma dans les buts.
et pas Keylor Navas. Ça, bon, bah, ça, voilà. Après on, voilà, je suis pas trop spécialiste au niveau des gardiens. Je pense que c'est des spécialistes sur le poste de gardien qui pourraient juger Navas, Donnarumma. Je sais pas, quelle est votre préférence? Sachant qu'il y a un truc, c'est que Navas avait joué avant au Real et on sait que son départ au Real s'est pas très bien passé non plus. Donc peut-être que ça aurait pu le motiver. Bon, c'est ça, c'est bon, c'est le seul truc qu'on peut dire. Mais bon, je pense que pour juger qui est meilleur entre Donnarumma et Navas, faut être un, voilà, faut être spécialiste en matière des gardiens. Même si Donnarumma il est très jeune, il a fait un Euro très très bon et Navas a été titulaire face à Nice. C'est pour ça aussi, voilà, que enfin on s'y attendait, hein, à partir du moment où il avait mis Navas titulaire face à Nice, de voir Donnarumma dans les buts. Salut Simon, les frérots, on va passer en mode match. On va passer en mode match tout de suite puisque le coup d'envoi c'est dans 4 minutes. Bon, vous demandez c'est quoi mode match, voilà, c'est juste une. Voilà, c'est ça. Oh, y a pas une. Oh là là, attendez, ça bug. C'est ça, les amis. On passe en mode match. Vous aurez les stats une fois que le match aura commencé. Les codes sont là. Et j'ai juste à vous les régler un petit peu. Les cotes, et vous avez toujours les compos. Je rappelle que les compos, on changera. On mettra les cartons jaunes ou rouges si jamais il y en a. On mettra les changements, bien sûr. Alors que là, on voit les Madrilènes et les Parisiens dans le tunnel. On voit des joueurs du Real forcément très, très, très concentrés. Ils ne se parlent pas, hein, ou presque pas. En tout cas, on voit Courtois qui check Benzema. Benzema qui vient checker aussi Marquinhos, l'arbitre présent. Marquinhos, Kimpembe. Ouais, les Parisiens aussi très, très, très concentrés. Bref, on a vraiment deux équipes très concentrées. Hakimi qui rigole un petit peu. Mais ouais, c'est très 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 une ambiance tendue déjà, hein, dans le tunnel. Vous aurez le temps aussi du match, bien sûr, ici. Et voilà les cotes, les frérots aussi. Ouh là 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 là, le coup d'envoi qui se rapproche. En tout cas, bienvenue, hein, à tous les supporters parisiens, à tous les supporters du Real Madrid qui sont présents sur le live. Bienvenue à tous, que le meilleur gagne ce soir. Et ça est l'entrée des 22 acteurs sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu en feu, ça fait du bruit. Et on aperçoit les quelques supporters parisiens, les quelques 1800 supporters parisiens quand même qui ont fait le déplacement. C'est pas mal, honnêtement. Je sais pas si on peut remplir des fois la tribune. Et voilà, l'entrée des 22 acteurs, c'est parti avec Kroos et Asensio notamment, suivi par Modric. Et du côté parisien, on a Neymar qui est là, Mbappé et ses coéquipiers, notamment avec Marco Verratti qui rentre un petit peu en retard. Oh là là les amis, ça se précise. Ce match retour, on l'attendait tellement. Et pour les codes, du coup, voilà, elles se mettront une fois que le match aura commencé, bien sûr, tout comme les statistiques, puisque c'est les codes en direct. Et les stats, aussi, hein, on peut pas les inventer pour le moment. Oula, les statistiques. Ouais, là il y a la musique de la Champions League forcément qui retentit. La musique de la Champions League qui retentit ici au Santiago Bernabéu. Je décale juste la caméra. La petite musique qu'on aime tant écouter. On sait que lorsqu'on entend cette musique, souvent c'est bon signe quand même. Ça veut dire qu'on va passer minimum 90 minutes de pur bonheur. Et on voit vraiment des visages très fermés, hein, très très fermés d'un côté comme de l'autre. Les joueurs ne se regardent même pas dans les yeux. Ils ont les yeux rivés à l'horizon. Bon, ça va pas très loin parce que c'est coupé par les tribunes, mais ils sont très concentrés et on voit les supporters, les Parisiens qui applaudissent leur public. C'est pareil aussi pour les joueurs du Real Madrid. On voit Pochettino et Ancelotti qui se serrent la main, qui se souhaitent forcément bon match. Et moi aussi, bien sûr, les amis, je vous souhaite un excellent match. À tous, une très belle rencontre. Supporters parisiens, supporters du Real. Salut mon Jérémy. Derrière, les frérots, vous êtes tous les bienvenus. Hein. Vous êtes vraiment tous les bienvenus sur le chat. Mais derrière, on est quand même, perso, je suis quand même derrière le Paris Saint-Germain ce soir. Équipe française, on sera à fond. Derrière le PSG, ne vous inquiétez pas, mes commentaires seront quand même objectifs. Les frérots, ne vous inquiétez pas. Et vous êtes tous les bienvenus, salut Mills, salut à tous. Et surtout n'hésitez pas à liker le live avant que le match commence. Allez-y, maintenant tout de suite, si vous n'avez pas encore liké, c'est gratuit, ça soutient beaucoup. Et merci à tous ceux qui le feront, likez à fond le live, abonnez-vous à fond à la chaîne YouTube. Et merci beaucoup les frérots. Et maintenant, place au match avec les deux capitaines, Benzema du côté du Real Madrid et Marquinhos du côté du Paris Saint-Germain, qui vont se serrer la main là aussi pour Colette, qui du Real, qui du PSG va avoir l'engagement ou va avoir l'occasion de choisir son camp. Ça dépend ce que choisit le capitaine. C'est Benzema qui va choisir. C'est Marquinhos qui va choisir son camp et il décide de rester à droite du spectacle de Miguel. Merci beaucoup Tricor pour l'abonnement. Aïe aïe aïe, ça se rapproche les frérots. Voilà, vous aurez le temps ici, les stats qui évolueront tout au long de la partie ici, les cotes qui évolueront là aussi lorsque le match aura commencé, les compos, je mettrai les changements, tout ça. Vous aurez le score en haut à gauche avec les buteurs. Merci beaucoup pour ton abonnement, Azap Superstar, merci. Attendez, je vais régler l'animation des abonnés. Voilà, lorsque vous abonnez, petite animation pour vous remercier notamment les amis. Merci à tous en tout cas.
Et voilà, et c'est aussi voilà, Danilo, on va voir s'il nous produit un bon match aussi, Danilo. Allez, les Parisiens, c'est maintenant, ils ont un avantage. Ils ont un avantage quand même. Je peux faire la danse des canards, c'est que ça, Esmeralda. Ils ont un avantage, les Parisiens, c'est qu'ils ont gagné, je rappelle, grâce à cet homme-là qu'on voit à l'écran. Un homme qui a annoncé notamment Real Madrid l'année prochaine. C'est aussi un autre duel dans ce match, comme Léo Messi qui revient à Santiago Bernabéu. Bah, voilà, Mbappé qui lui est annoncé au Real Madrid. Et bah, c'est lui qui a permis, qui permet au PSG pour le moment d'avoir un léger avantage. C'est la victoire 1-0 au Parc des Princes qui peut bah, leur coûter la qualif, hein, les Parisiens. Et ça, c'est le but aussi forcément. Maintenant pour Paris, je pense que la meilleure des stratégies, c'est pas non plus rester en défense et subir tout le match, hein, je pense, les amis. Allez, le début du match est dans quelques secondes. Et ça y est, c'est parti. C'est parti, les amis, avec une ambiance de feu ici au Santiago Bernabéu. Je vous souhaite à tous un excellent match, une très très belle rencontre. Que le meilleur gagne. Pour le moment, à l'heure où on se passe, c'est le PSG qualifié en quart de finale. Mais peut-être que ça va pas durer. On l'espère en tout cas que ça va durer. Pour les Parisiens, on espère qu'ils vont s'ouvrir les portes des quarts de finale. C'est parti. Avec un premier ballon dans les pieds des Parisiens qui ont eu l'engagement. Ce sera dans les pieds de Kimpembe. Kimpembe, premier ballon récupéré là côté droit pour Valverde, attention, c'est joué avec Benzema. Benzema qui revient à l'intérieur. Benzema qui va pouvoir frapper. Pourquoi pas Karim Benzema pour Vinicius. Vinicius pour écarter côté droit. Attention, il y a déjà une très grosse occasion pour le Real Madrid. Le centre pour le Real Madrid. Dans la surface de réparation. Ce sera dégagé par Danilo. Attention, les Parisiens qui subissent déjà énormément. Je vous mets les cotes. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, les frérots. Je vous mets les cotes. Je vous mets les stats plutôt. Oh là, déjà une grosse occasion là pour le Real Madrid. Ballon écarté côté droit, sera récupéré par Verratti. Verratti qui est embêté, la version pour notre corner. Il va tenter de dégager, sera dégagé, ça va être en touchant. Là, voilà, le public du stade de Santiago Bernabéu qui pousse énormément forcément. Là, il voit que son équipe est plutôt bien. Bien rentré dans ce match et il pousse justement. Alors que là, on a déjà un joueur du Real qui est à terre. Ouais, il y a eu un contact effectivement. Voilà, je vous ai mis les stats, les frérots. Oula, mais elles sont un peu déréglées. Je sais pas pourquoi. Et voilà, on voit Keylor Navas aussi là sur le banc. On voit Keylor Navas forcément sur le banc des remplaçants. On va voir Ancelotti qui est là. Un joueur du Real qui est à terre. Merci beaucoup, Gaël, pour ton don. Merci beaucoup encore, Gaël, pour ton don. Oh là 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 là, incroyable. Merci Gaël, je vous mets le temps, les frérots. Ça fait 2 minutes pour le moment que l'on joue. Merci beaucoup André Gaël pour ton tour de 5 francs suisses, les frérots. Mettez plein de GG, c'est parti. Nous met Gaël. Ah là là, attention avec un bandeau dans les pieds des Parisiens. Marquinhos, le jeu qui va pouvoir reprendre. Oh, les stats qui sont un petit peu. Oh punaise. Allez, ballon qui est repris là. Allez, mec, avant dans les pieds de Paris, toujours, c'est côté droit. Non, c'est récupéré la part là-bas. Ouh, c'est chaud, c'est chaud. Ah, là-bas, balle au pied. Allez, c'est le PSG là qui va pas récupérer ce ballon. Et ce sera une touche là pour le PSG avec un ballon côté gauche pour Mendes là, Thiago Mendes, Hakimi. Ah non, c'est Hakimi, hein, ils ont déjà changé Hakimi et Mendes. C'est maintenant Hakimi qui est passé côté gauche et Mendes qui est passé côté droit. C'est pas ce qui était annoncé sur la compo, mais ils ont déjà changé. Merci beaucoup en tout cas Gaël, vraiment c'est un début de match là, c'est un début de match un peu spécial parce que là on est tendu, je vous le cache pas. C'est pour ça que... Voilà, mais merci en tout cas Gaël pour ton soutien énorme. Attention là avec un ballon dans les pieds du gardien parisien, ce sera Donnarumma qui sera servi là. Dido Donnarumma. Donnarumma pour écarter. Donnarumma, c'est bien fait. Hakimi, allez, les Parisiens qui relancent bien là, c'est bien joué ça de la part du PSG. Bon, attention, ballon que ça a récupéré par le Real Madrid. Il y a un tacle de Léo Messi. Léo Messi d'ailleurs qui est. Je sais pas si vous avez vu la petite anecdote, on va dire, enfin la petite info. Bon, info légère, mais voilà, c'est une petite info quand même. Qui a mis ses anciennes chaussures, ses chaussures qu'il avait lorsqu'il était, ses crampons qu'il avait lorsqu'il était au Barça, lorsqu'il avait joué son dernier classico, je crois, un truc comme ça, bref. Et bah, il les a remis ce soir pour l'occasion, Léo Messi. C'est la fête ce soir. On est 12 devant la télé, il était comme interne, mais Gaël. Ouh, faut pas que je me rate alors. Et bah, merci beaucoup encore, Gaël, vraiment pour ton soutien, c'est juste énorme. Gaël, merci beaucoup. Et je souhaite bon match alors aux 12 personnes présentes derrière la télé alors. Merci beaucoup Charles pour ton don, merci énormément Charles pour ton don de 5 euros là aussi. Merci Charles, merci Gaël, vous êtes incroyable avec un ballon d'appui de Vinicius. Le centre de Vinicius, la reprise de les secondes potents. Oh, ce sera compté par Mendes, il n'y a pas eu de main de la part de nous. Mendes, attention, attention quand même, l'arbitre qui n'a rien dit. Salut Soriba Diaby, le ballon en surface de réparation, dégagé par la tête de Kimpembe. Voilà, vous avez les stats, vous avez tout. Poursuivre un très bon match les amis, poursuivre un très gros match. Et on l'espère, la victoire du PSG à la clé. Alors qu'on voit aussi le score de Manchester City Sporting. Enfin la victoire du PSG peut-être pas, mais au moins la qualif. Et bien sûr bon match à tous les supporters du Real, à tous les supporters du PSG qui nous regardent. Mais merci beaucoup
Charles, merci beaucoup Gaël, merci beaucoup Théo pour vos dons depuis le début du match, mettez plein de GG les frérots pour les donateurs, c'est incroyable, merci beaucoup et merci à tous ceux qui suivent le live avec Mbappé. Allez Mbappé, le premier ballon là pour le français, côté gauche Kylian Mbappé qui a permis au PSG de gagner 1-0 là au match. Allez, oh, il y a une faute là sur Mbappé, il y a une faute peut-être sur Kylian Mbappé, l'arbitre qui n'a rien signalé, étonnant, il a quand même été touché au visage Kylian Mbappé, mais le jeu qui va se poursuivre avec un ballon dans l'épée de Modric. Allez, faut vite se relever, faut vite revenir pour Mbappé quand même, le ballon qui va être écarté côté gauche pour Vinicius. Vinicius aussi hein, c'est un joueur qu'on parle beaucoup du côté du Real Madrid, très prometteur et il a pas été très très bon au match aller. Tandis que là il y a une faute, il y a une faute de Danilo. Attention, ça commence pas très bien là pour les Parisiens parce que l'arbitre qui s'est gagné une faute de Danilo. Il est pas d'accord Danilo, faudrait pas qu'il se prenne un jaune dès le début de match. C'est chaud, c'est très chaud. Merci à tous pour les 107 likes les frérots. Ouais là il y a eu. Ouais c'est vrai qu'il s'est fait pourrer. Non, c'est vrai que là Danilo il pousse dans le dos Vinicius. Et la faute elle y est. Non, la faute elle y est de Danilo. Mais c'est plutôt avant qu'il y avait eu une faute sur Mbappé. Là il met le bras dans la tête de Mbappé. Il y avait clairement faute sur Carvajal. Voilà, je vous le dis les frérots. Vous le savez que ce soir je suis pour le PSG, mais mes commentaires resteront objectifs bien évidemment. Il y avait faute sur Vinicius certes, mais avant il y avait une très grosse faute aussi sur Mbappé. Et il faudrait pas que ce coup franc joue les tours au Paris. Un coup franc, jouer les coups francs, jouer là pour le Paris Saint-Germain avec Toni Kroos qui était incertain avant le début de ce match, mais qui est finalement titulaire. Et là il va pouvoir s'élancer pour frapper ce coup franc. Premier coup franc du match pour le Real Madrid. Coup franc à jouer. Coup franc à jouer. On voit Léo Messi là qui s'est positionné dans le mur. Il y a aussi Neymar dans le mur. Oh là là, salut Sergio, salut à tous. Allez, attention, on va suivre ce coup franc là pour Toni Kroos. Toni Kroos au coup franc, c'est frappé dans la surface de réparation, dégagé par la tête d'un Parisien. C'est bien joué, sans récupérer avec Valverde pour écarter côté gauche Modric. Kroos pour servir Modric. Modric qui est côté gauche le long de la ligne de touche, le ballon qui ne sortira pas. Ouh, il a failli glisser là sur la pelouse de Toni Kroos. Il va finalement garder ce ballon. Il sera récupéré par Carvajal. Allez, Carvajal, c'est bien fait. Attention, ballon côté gauche là, on voit des Madrènes quand même très très bien en place, qui jouent très très bien. Verratti qui va s'écrouler, Verratti avec un ballon servi là pour Asensio, la frappe de Asensio, ce sera contrôlé par Kimpembe, ça va sortir en touche côté droit. Il y aura une touche côté droit pour le Real Madrid, 6 minutes et 30 secondes que l'on joue entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, 0-0 pour le moment entre les deux équipes, 1-0 au cumulé pour le PSG pour le moment. Toujours 0-0 entre City et Sporting, mais c'est un match très très chaud qui a plutôt démarré en faveur du Real quand même, on va pas se le cacher. Le Real qui démarre, on va dire, un peu plus fort, un peu mieux, et on voit des Parisiens très très tendus. À l'image des cartons jaunes là qui est distribué pour Paredes. Hein. À l'image du carton jaune distribué pour Paredes, attention, attention Paredes. Carton jaune pour Paredes, c'est le premier jaune de la partie. Il est pour Paredes, c'est dommage en plus parce que c'est sur contestation. Hein. C'est même pas une faute quoi que ce soit, c'est sur contestation, et des 7 minutes c'est pas... C'est pas le meilleur. Attention, ballon côté gauche là pour Vinicius, doit la survendre réparation. Vinicius qui doit la survendre réparation. Voilà, il est passé. Il va revenir derrière avec Benzema. La frappe de Benzema peut-être sera récupéré par Messi. Oui, Messi, c'est bien joué ça. Attention, il va passer le Messi avec Neymar. Le contre pour le Paris Saint-Germain. Neymar pour servir Mbappé. Mbappé côté gauche. Allez, Mbappé là, pourquoi pas, il y a quelque chose à faire. Attention, Militao qui revient. Mbappé, il est passé. Mbappé va survendre réparation côté gauche. Le centre de Mbappé. Oh, ce sera capté par Courtois. 0-0. Mais quel contre. Ah oui, c'est sûr que sur les contres, les Parisiens peuvent faire quelque chose. Hein, sur les contres. Aïe 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 aïe, quelle occasion là avec le ballon récupéré par Léo Messi. Il a fait un travail extraordinaire là, Léo Messi. On l'aime bien quand il joue comme ça, Messi, on l'aime bien. Et là il a très très bien joué. Il a bien donné ce ballon à Neymar. Neymar qui l'a transmis à Mbappé. Bref, tout était beau. Il commence déjà par Paredes, c'est pas bon nous mais Jérémy. C'est sûr que se prendre des jaunes comme ça c'est pas très bon. Surtout que Paredes c'est un joueur qui sera peut-être amené à faire d'autres fautes. Et c'est pas le meilleur début de match, on va dire. Attention avec un ballon côté droit là pour Carvajal. Bon, c'est un début de match auquel on s'attendait. Hein. Des Madrènes qui mettent déjà la pression sur le PSG, c'est normal. Hein. Ils montrent qu'ils veulent marquer parce qu'il faut marquer pour le Real Madrid. Mais bon, le PSG réagit bien avec un contre là. Et là, il y aura une touche pour le Paris Saint-Germain côté gauche pour Mendes. Verratti. Allez, Verratti qui peut récupérer ce ballon, c'est bien. Verratti pose le ballon avec Marquinhos. On a quand même un gros pressing hein, de Benzema, notamment des attaquants. Chose qu'on n'avait pas au match aller forcément. On voit vraiment un Real. Transcendé, qui n'a pas le même visage qu'au match aller, ça c'est sûr. Mais on s'y attendait, hein. On s'attendait forcément, hein. C'est ce que j'ai dit en avant-match, je le redis, c'est logique. Hein. Mais là, ils doivent marquer, parce que s'ils ne marquent pas, ils ne sont pas qualifiés dans tous les cas. Donc c'est pour ça qu'ils ne montrent pas le même visage, c'est sûr. Et attention, parce que là, il y aura un ballon côté droit pour Carvajal. Carvajal qui va pas centrer le centre de Carvajal, second poteau, dégagé par la tête de Marquinhos. C'est bien joué, ballon rendu au Parisien avec Verratti. Verratti, oh là 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 là, c'est chaud les amis, c'est chaud. Danilo qui sera servi. Allez, ballon pour le Marocain Hakimi. Hakimi à droite. Ah, Hakimi, c'est bien fait. Mais un ballon qui sera récupéré là par Kroos. Ah, c'est dommage là, ouais. Les Parisiens ont pas mal de mal quand même. Pas mal de mal plutôt. Ah, ouais, ils arrivent bien à sortir le ballon jusqu'au milieu de terrain. Mais après, directement quand ils rentrent dans la surface, dans le camp
du Real Madrid. Il perd le ballon. Merci beaucoup à Sergio, membre depuis 11 mois sur la chaîne YouTube. Allez, le PSG nous met Sergio. Attention avec un ballon dans les pieds là de Modric. Et merci beaucoup Sergio. Merci encore. Hein. Gaël, Charles, Théo pour leur don. Merci beaucoup. Salut Billy TV Gaming. Danilo, Neymar. Allez, Neymar qui sera servi. Merci à tous ceux qui s'abonnent encore. Hein. Merci beaucoup les amis. Mbappé côté gauche. Ouais, Mbappé qui a porté ce ballon. Kylian Mbappé a quelque chose à faire. Pourquoi pas. Kylian Mbappé. Verratti. 9 minutes que l'on joue. Ça y est, on va bientôt dépasser les 10 minutes de jeu. On va bientôt dépasser les 10 minutes de jeu. Paredes. Nuno Mendes. Ouais, j'ai chaud les frérots là. On s'enflamme déjà dès le début de match là. Paredes, ballon récupéré par Verratti avec Léo Messi. Messi. Ah là là, Messi a perdu ce ballon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est dans le milieu de terrain. 10 minutes. 1-0 score cumulé pour le PSG. 0-0 ici. Santiago Bernabéu. Ballon au milieu de terrain pour le Real Madrid. Et non, le beau ballon côté gauche pour Vinicius. Ouh, heureusement que Donnarumma est sorti là. Il va mettre ce ballon en touche. Il prend pas de risque. Didier Donnarumma, Danilo qui réclamait une position de hors-jeu. Mais. Ouais, non, l'arbitre qui ne dit rien. Alors qu'on voit peut-être la plus grosse occasion du match. Mine de rien, c'est la frappe de Mbappé côté gauche. Il a tenté de faire à peu près la même chose qu'au match aller, mais ce n'est pas passé malheureusement. Et bientôt un an pour Sergio. Merci beaucoup en tout cas Sergio pour ton soutien toujours énorme. Militao. Militao pour servir Kroos. Ah, le Real qui a beaucoup le ballon. On voit, ils ont la possession le Real Madrid. C'est. On s'attendait, mais bon, attention, moi, dans la surface de réparation, ce sera pour Benzema. Benzema côté gauche vers Vinicius. Oh là là, la belle défense de la part de Hakimi. Hakimi, ballon qui n'est pas sorti, c'est bien joué. Ah, il aurait peut-être dû le laisser sortir en fait, je sais pas. Ballon récupéré par Vinicius. Vinicius côté gauche, ouais. Vinicius met le feu, il est chaud là. Vinicius, il va s'écrouler. Il n'y a pas de faute sur le Brésilien, mais il y aura quand même une touche à suivre là pour le Real Madrid. Ouais, non, Vinicius, il fait très peur. Hein. Lorsqu'il a le ballon, il est très très bon, très très vif. Là, on a Hakimi et Verratti qui se sont mis à deux et il a plutôt bien joué d'ailleurs, Hakimi. Ah, il fait peur. Ney va se blesser. On en reparle à la fin du match. Tout met Esmeralda. Pour le moment, ça va. Oh, attention, il y a encore un joueur du Real qui s'écroule vers le poteau de corner. Verratti. Verratti qui sort bien ce ballon là. Verratti pour servir Neymar, justement. Neymar. Oh, Neymar qui perd ce ballon là avec Toni Kroos. Attention parce que là, Neymar il perd un ballon important. La frappe pour Camara. Alors, ça s'envole à côté. Début de Donnarumma. Ouh, attention, encore des frissons là sur cette frappe de Carvajal. Neymar, faut pas les perdre ces ballons là. C'est Verratti, il avait réussi à bien sortir. Il avait donné un beau ballon pour Neymar. Et Neymar, il a voulu dribbler vers sa surface de réparation. Il a pas réussi à sortir le ballon. Ça a été récupéré par Kroos qui a servi, par Toni Kroos qui a servi Carvajal. Et puis après, la frappe de Carvajal qui passe finalement à côté des buts. Et heureusement, alors qu'on voit Mbappé enfiler le maillot du PSG, en enfiler un autre parce qu'il change de maillot. Je sais pas pourquoi Kylian Mbappé. Il lui était trop petit. Je sais pas. En tout cas, il change de maillot. Là, Mbappé. Ouais, ballon côté gauche pour Neymar. Ganagay pour servir Nuno Mendes. Merci à tous pour les 124 likes, les amis. Merci, merci beaucoup. Et merci à tous pour vos abonnements encore. Pour Paris aujourd'hui. Attention avec Mbappé là dans la surface. Pas sur Mbappé. Mbappé la frappe de Kylian Mbappé. Oh, l'arrêt de Courtois. Oh, Mbappé il n'y arrive pas. Oh, quelle occasion pour le PSG. Mbappé qui resservit dans la surface de réparation. Et la belle intervention de la part de Militao. Militao qui va pouvoir dégager son camp. Oh, quelle occasion là pour Kylian Mbappé. Il était excentré côté gauche. Un peu comme au match aller lorsqu'il a marqué. Sauf que là c'est Thibaut Courtois. Et ça fait deux fois déjà que Thibaut Courtois arrête les occasions là de Mbappé, mais n'empêche, ça va s'actualiser. Deux tirs de cadré pour le PSG et pas des moindres. C'était bien en vrai parce que on s'attendait clairement à une domination du Real Madrid, en tout cas un gros début de match du Real Madrid, et c'est ce qui est en train de se passer. Mais le point positif, c'est que Paris réagit très très bien en contre. Ça fait deux fois déjà en 13 minutes qu'ils font des contres et ils aboutissent toujours à des frappes de Mbappé. Là, ils ont pas de chance les Parisiens, parce que, enfin, ils ont pas de chance, c'est aussi très très bien joué de la part de Courtois. Mais là, Courtois il est excellent clairement. Attention là, le centre là pour Carvajal, ce sera sur la tête de Asensio. Asensio, le contrôle de Asensio. Asensio, 13 minutes là que l'on joue. Attention, Asensio pour écarter côté droit peut-être. Asensio, il est passé, ce sera pour Carvajal. Carvajal dans le coin là, surface de réparation. À l'extérieur, vers le coin là, ce sera pour servir Asensio encore. Asensio, Carvajal. Oh, attention, Verratti qui tacle. Il y a une faute peut-être sur Marco Verratti et c'est ce que signale l'arbitre. Oula, ouais, Verratti il a l'air de souffrir. Ouais, Carvajal, en gros, ils ont taclé. Les deux joueurs ont taclé en même temps. Sauf que Carvajal lui a mis son crampon sur le genou de Verratti, ce qui explique la douleur de Marco Verratti, et l'arbitre qui a bien signalé. Oula, oui, c'est pas beau effectivement à voir. Oui, là il écrase le genou, hein, clairement, de Verratti. Carvajal, grosse faute, peut-être le jaune, je sais pas. Ce serait bien parce que Paredes il prend un jaune, je sais pas s'il va mettre le carton jaune. Après, c'est la première de Carvajal, mais en même temps, elle est quand même assez dangereuse. On va voir ce que fait l'arbitre. Ouais, on revoit l'occasion tout à l'heure avec la frappe de Mbappé.
Il a déjà mis le même. Non, t'inquiète, t'inquiète. Verratti. Ouais, Verratti qui va pouvoir écarter côté gauche. Hakimi. Oh oui, Hakimi. Oui, Hakimi, c'est bien joué. Il est passé à Achraf Hakimi. Pour servir Neymar. Ah, il y avait un appel de Léo Messi. Il n'a pas été servi, Léo Messi. Messi qui a refait un appel là, Neymar. Neymar pour écarter avec Nuno Mendes. Mendes doit se faire passer au centre de Mendes. Là, il n'y avait personne. Sera récupéré par Modric pour mettre ce ballon en corner. Corner à jouer pour le PSG. Corner à jouer pour le PSG. Allez. C'est bien ce que font le Paris, ce que fait Paris, ce que font les joueurs. Même s'ils subissent quand même pas mal. Ah non, ils ont mal joué ce corner. Là, ça va être sorti en touche pour Paris quand même côté droit. Même s'ils subissent beaucoup, ça faut faire attention parce qu'un but ça peut aller vite. En contre, ils sont présents quand même. Et ça, je pense que ça va forcer un petit peu le Real Madrid à pas trop se livrer non plus. Avec Neymar. Mais bon, le Real Madrid fait quand même. Alors qu'ils ont le ballon, notamment Vinicius côté gauche là, il fait peur. Pour le moment, on a un Karim Benzema qui est pas trop présent. Heureusement, j'ai envie de vous dire, mais ouais, Vinicius il fait peur. Attention avec Mbappé. Mbappé il est passé. Il va revenir derrière Mbappé. Il se précipite pas. On a foi à la défense madrilène, nous met AS Nanteuil. Neymar. Ouais, avec Messi. Oh, Léo Messi, il est passé. Léo Messi pour servir Hakimi. Messi encore dans la surface de réparation. Ballon dégagé par Militao. Et il y aura une touche pour le PSG. Le PSG qui met la pression sur le but du Real Madrid. Et c'est Alaba là, qui a dégagé ce ballon. Merci à tous pour les 10 893 abonnés. Bientôt les 10 900, les frérots. Merci, merci. Du fond du cœur, Messi. Waouh, c'est tellement chaud ce début de match. Ça fait juste un quart d'heure qu'on joue. Après, ça fait une demi-heure. Clairement, Kimpembe. Je pense que ça doit être la même impression pour tous les supporters parisiens. Oh, ballon récupéré par Asensio. Il va pouvoir avoir un contre, pourquoi pas, pour le Real. Oui, c'est bien joué. C'est récupéré par le PSG finalement très rapidement avec Neymar. Neymar pour Mbappé. Mbappé, un appel de Nuno Mendes. Mbappé qui revient derrière. Il a pas vu Mendes là, qui était dans son dos. Il y aura un ballon à cette fois-ci dans l'épée de Paredes. Paredes. Oh, wow. C'est chaud hein, pour le moment. Début d'un. Vous voyez que la cote de la victoire du Real Madrid est à 2,40. La cote de la victoire du PSG est à 2,40 aussi. Hein. C'est chaud. Hein. C'est très très chaud. C'est très serré. Mbappé. Je rappelle que c'est la victoire hein, sur ce match, c'est pas la qualification, la victoire, attention, c'est différent. Parce que hein, le Real peut gagner, mais ne pas forcément se qualifier. S'il gagne que 1-0, il y aura prolongation. Mais ou 2-1 ou 3-2. Mais peut-être qu'ils ne se qualifieront pas. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas la même chose, c'est différent. Sinon la cote du PSG serait un peu plus basse que celle du Real si jamais c'était la qualif, bien évidemment. Mais si. Paredes, allez Paredes pour Danilo, les Parisiens ils sont tous dans le camp du Real Madrid, sauf bien sûr le gardien, tandis que Danilo lui va mettre le ballon en touche, parce qu'on a Nuno Mendes qui est resté à terre côté gauche. Oh non, là il faudrait pas qu'il soit blessé Nuno Mendes, il faudrait pas qu'il soit blessé Nuno Mendes, parce que c'est un joueur très important pour le PSG là Mendes. L'arbitre qui va prendre ses nouvelles, ah mais c'est sur un contact en plus. Ah ouais, gros contact là quand même de Asensio je crois. Ouais, geste magnifique n'empêche de Benzema là, la petite aile de pigeon magnifique. Et après c'est sur un contact avec Asensio. Ah je crois qu'il s'est fait mal tout seul. Ah non, il s'est fait mal tout seul. En fait Asensio il a fait un petit contact mais pas grand chose. Et Nuno Mendes il s'est fait mal tout seul. Oh non, c'est une mauvaise nouvelle ça. Non, Nuno Mendes il est très bon, je rappelle là, il faudrait faire rentrer Dagba ou même Kerrer malheureusement. Ouais, non, il faudrait pas qu'il se baisse là Mendes, j'espère que ça va aller mieux. C'est bon, il se relève. Il se relève, Nuno Mendes. C'est bonus, Miguel. Bon appétit à leur Gaël. Ok, ballon rendu au Paris. Hein, du coup, sur cette touche-là, parce que c'est eux qui l'avaient mis en touche, les Madrilènes qui rentrent ce ballon à Paris. Ils le remettent en touche. Ah, pas très fair play, ça, quand même. Mais en vrai ils ont rendu le ballon, mais sauf qu'ils l'ont mis en touche dans le camp de Paris. Ce qui fait que maintenant, ils peuvent aller vite mettre la pression sur les Parisiens. Ah, c'est bien joué, on va dire. Mais ils l'ont quand même rendu avec Verratti. Non, c'est bon, ils mettent pas trop la pression. Les Madrilènes, ils sont fair play avec Neymar, Messi, Verratti plutôt. Je confonds Verratti à Messi. Verratti pour écarter côté gauche. Oh, c'est bien joué, Nuno Mendes. Il est passé, Mendes, il est en jambe. Il est en jambe, Mendes, il est encore passé sur Cavaral. Oh là là, excellent, Nuno Mendes, ce Portugais, il est excellent. Ouais, il y a faute là, de Militao, l'arbitre qui ne signale rien. Le Real qui a pas récupéré ce ballon. C'est dommage parce que Mendes avait fait des bons mouvements. Mais bon, c'est bien récupéré, bien joué ça de la part des Madrilènes. Attention avec un ballon récupéré là par Kimpembe là pour servir Verratti. Verratti qui va pouvoir garder à droite avec Léo Messi. Messi balle au pied. Messi qui va porter ce ballon. Messi un appel là, pourquoi pas côté droit pour servir Hakimi. Il va servir Verratti dans l'axe. Verratti pour Neymar. Neymar côté gauche, la surface de réparation du Real Madrid. Il va pouvoir faire quelque chose. Neymar, il va peut-être pouvoir frapper la frappe de Neymar. Ce sera contré par Carvajal. Ouais, il joue très bien les coups défensifs. Les Madrilènes, pareil, a du mal à passer dans la surface de réparation. La frappe de Paredes. De loin, il a tenté Paredes. C'est ça aussi un des atouts de Leandro Paredes. C'est qu'il a une bonne frappe et de loin, ça peut passer. Et il a tenté. C'est bien joué. C'est bien joué, honnêtement. Il fallait être tenté.
C'est pas cadré, c'est dommage, faut essayer de rectifier quand même. Surtout que là c'est quand même largement pas cadré. Et si on cadre pas, il n'y a aucune chance de marquer malheureusement. Donc faut cadrer la prochaine fois. Mais c'était pas mal de la part de Paredes, ça met la pression. Mais là ça va surtout offrir une sortie de but pour Courtois. Je pense 0-0 entre le Real et le PSG pour le moment. 0-0 aussi quand même entre City et Sporting aussi. Bon, je pense que pour City c'est pratiquement fait, hein. Victoire 4-0, non à la Ligue je sais même plus. Ouais, le centre là c'est bien joué côté droit. Centre pour Asensio, Asensio à droite là pour le Real Madrid. Ballon récupéré par Kimpembe, mais il n'y a pas de faute. Il y a pas de faute. Ou là, je sais pas. Je crois qu'il y avait peut-être une faute sur Asensio. L'arbitre qui ne l'a pas signalé. Je sais pas trop honnêtement. Ouais, il y a même eu 5-0 hein, pour City à l'aller. Merci beaucoup, Charles, pour ton don de 5 euros encore. Merci beaucoup. Ça vient. Il règle la mire de Miguel. J'espère, hein, parce que voilà. C'est bien de tenter, mais en même temps, ça a un peu gâché. Donc, faut pas que ça se reproduise. Mais c'est, j'espère en tout cas. Merci beaucoup, Charles, pour ton don de 5 euros. Ah, c'est énorme. Merci mon Charles et merci à tous, vous êtes, on est à 2 abonnés, 10 900 abonnés, 2 abonnés des 10 900 tout pile. Bon, on va les pieds parisiens avec Danilo, 20 minutes, hein, 20 minutes que l'on joue. Mais des gros GG à Charles encore une fois qui fait un très 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 gros dos encore, merci beaucoup Charles. Oh le soutien de malade encore Charles, incroyable, merci beaucoup Gaël, Charles et Théo, les donateurs de ce live, c'est incroyable. Et merci pour les 10 900 abonnés que l'on vient juste de passer, merci également pour les 143 likes. Merci du fond du cœur les frérots, Messi, Danilo. Vous êtes les boss, attention avec Danilo là qui va pouvoir écarter côté droit pour Hakimi. On a Messi qui a fait l'appel, Mbappé, pourquoi je dis toujours Messi, Mbappé qui a fait l'appel, là c'est Messi. Le numéro 30 qui est servi, Léo Messi pour servir Neymar pour redonner ce ballon à l'argentin. Messi qui va pouvoir écarter côté gauche pour Verratti, Verratti un appel de Mendes, Mendes qui sera pas servi, Verratti qui tente de revenir intérieur. Verratti pour servir Mbappé, ouais Mbappé c'est bien joué ça avec Neymar, il y a de l'espace d'apprendre de Neymar, oh, ce sera contré par Courtois, ce sera capté plutôt par Courtois, Courtois par contre, waouh, il fait un très très bon début de match là, Thibaut Courtois, troisième tir cadré pour le PSG, et pas des moindres, hein. Franchement les deux tirs cadrés de Neymar, et là la frappe de les deux tirs cadrés de Mbappé, et là la frappe de Neymar, c'était des belles frappes, mais Courtois il rentre très bien dans son match, ça va jouer forcément dans le match, là il aurait pu clairement avoir un 0 pour le PSG, mais c'est rassurant en élément comme début de match pour le PSG, même si ça reste quand même pas catastrophique pour le Real Madrid. Bah Omar c'est un énorme soutien, donc oui merci vraiment à tous les donateurs, quoi, c'est ouf. Merci Omar, attention avec Valverde. Asensio, et justement merci Gaël pour ton don de 5 francs suisse encore. Merci Gaël. Oh là mais attendez c'est incroyable, merci beaucoup Gaël. 5 francs suisse, attention le centre quand même de Carvajal, ce sera capté par Donnarumma. Yes. Ballon capté par Donnarumma pour le moment, les Madrènes qui n'arrivent pas à passer. Mais Real Madrid est quand même, voilà, c'est le Real Madrid. On sait que c'est un très grand club qui à tout moment... ils font peur quand même les Madrilènes et pour le moment même si Paris nous montre un début de match assez rassurant, ils se procurent des occasions quand même, ils sont pas recroquevillés en défense, assez rassurant, ça peut être dedans à tout moment. Donc merci beaucoup Gaël qui nous met, c'est la barre des 10 900, et oui 10 900 abos, merci les frérots, vous êtes génial, c'est incroyable, vous êtes géniaux, on s'en fout, vous avez compris. Dans tous les cas on n'est pas en français mais voilà, vous êtes géniaux, je pense que c'est plutôt ça. Avec un moment dans les pieds de Paredes. Hop là. Et donc merci beaucoup Gaël. Et toujours avant dans l'épée des Parisiens. Avec Marquinhos. Oh là ouais, non, franchement c'est énorme. Bouton de ouf les amis. Attention parce qu'il y a un ballon, pourquoi pas pour Mbappé. Voilà, Mbappé il est servi, Mbappé côté gauche va pouvoir garder ce ballon. Les Parisiens ont repris carrément la possession. Ils ont la possession aussi les Parisiens. C'est bien, c'est très bien. Ouais, attention avec un ballon dans les pieds là de Messi. Messi. Hakimi. Et merci beaucoup aussi à Estanteuil qui est membre depuis 11 mois sur la chaîne YouTube aussi comme Sergio. Donc merci beaucoup à Estanteuil. Ah là, incroyable avec Messi qui sera encore servi. Nuno Mendes à gauche. Paredes encore, Messi toujours. Ah les Parisiens ils ont le ballon, non mais c'est bien, hein, c'est la montre on va dire, elle joue pour nous, on commence d'ailleurs à entendre les quelques sifflets des supporters du Real Madrid qui veulent voir leur équipe forcément récupérer ce ballon pour après tenter d'aller se procurer des occasions. Avec Kimpembe qui, je suis depuis les 90 abonnés de Germania, écoute merci à toi en tout cas. Marquinhos qui, voilà, les supporters du Real Madrid qui
siffler un petit peu pour booster un peu leurs joueurs et ça porte son petit fruit puisque le Real est en train de presser très haut dans le camp du PSG. Et oui, Marquinhos, il perd ce ballon. Attention, Marquinhos. Attention, Marquinhos, grosse perte de balle. On n'a pas l'habitude de voir Marquinhos perdre de tels ballons. Modric. Modric pour écarter. Il y a une faute à de Messi. La frappe. Oh, ça passe à côté des buts de Donnarumma. Oh, quelle frayeur. Quelle frayeur sur cette frappe de Modric. Non, c'est pas Modric. Modric, il a été touché par Messi. C'est une frappe de Benzema. Oh là là, quelle frappe de Benzema. Ça va sortir en corner. C'est joué. Attention avec Kroos. Toni Kroos plutôt. Kroos pour écarter avec Carvajal. Non, le centre de Carvajal. Oh, ce sera dégagé par Kimpembe. C'est sauf qui peut. Et Donnarumma qui remet ce ballon en corner. Merci Maxime pour ton abonnement. Oh là là, attendez, on va pas te dire. On va pas te dire si c'est tout le temps comme ça. Quelle occasion. Ah, il y avait hors jeu, il y avait hors jeu. Ouais, il y avait hors jeu de Carvajal. Il y avait hors jeu de Carvajal là normalement. On le voit largement, ouais, je crois que l'arbitre avait même levé le drapeau, c'est bon, ce sera pas un corner, ce sera un coup franc, comme une espèce de sortie de but là, on va dire, pour Donnarumma. Oh là, mais ils nous font peur. Salut Leslie, j'ai 15 ans, mais ça fait peur, ça fait peur. Ouais, c'est bon, ce sera un dégagement là pour Donnarumma. Ah yes. Là, non, franchement, le Real, je vous jure, à tout moment là, ils nous mettent des coups de pression, c'est pas sympa. Hein. Non, c'est chaud, hein, c'est chaud. C'est ça, on peut croire que Paris, voilà, on voit au niveau des statistiques. Paris est très bien rentré. Moi, c'est mon avis, hein, perso, chacun son avis, mais je m'attendais pas à une aussi bonne entrée en matière des Parisiens. Je suis plutôt rassuré sur ce point-là, mais le Real, à tout moment, ils mettent un but. C'est quelque chose. C'est le foot, j'ai envie de vous dire, avec Neymar côté droit. Allez, Neymar, là, pourquoi pas. Mais bon, Paris aussi a des opportunités. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que le Real Madrid non plus. Neymar. Mais le Real Madrid est quand même bien rentré aussi dans leur match. Franchement, c'est un. Bon, ils sont sûrs qu'ils sont meilleurs en match aller, ça, c'est sûr, qu'au match aller. Paredes, Messi. Allez, Messi pour écarter à droite, c'est bien fait. Ce sera pour Hakimi. Bonsoir Patrick. Pour le moment, la qualification. Après, c'est notre seule satisfaction de mes Patrick. Bah, en vrai, Paris joue bien, mais pour le moment, ils sont qualifiés. Pour le moment, ils dominent. C'est franchement, c'est très 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 serré. Germain Lièvre, peut-être un peu le PSG, mais bah, c'est très 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 serré. Les plus grosses occasions. En vrai, c'est serré. C'est du 50-50, clairement. Au niveau de pas de la possession de balle, de la domination dans le jeu. Les deux équipes ont eu les mêmes occasions à peu près. Deux fois Mbappé, une fois Neymar. Pareil du côté du Real Madrid. Il y a eu la grosse occasion de Benzema à l'instant. Bref, c'est kiff-kiff dans le match, honnêtement. Attention avec un ballon côté droit là pour Benzema. Là, pourquoi pas Benzema. Il fait mal aussi, Benzema. Là, je l'avais dit tout à l'heure que les 20 premières minutes, on le voyait pas trop. Là, ça y est, il commence à se réveiller. Le monstre Benzema commence à se réveiller aussi. Il faut like, nous met Jérémy. Merci à tous. Bientôt les 160 likes, les frérots. Merci, merci beaucoup. Avec clairement dans les pieds de Vinicius côté gauche. Oh là là, Vinicius dans la surface de réparation. Ouais, qu'est-ce que c'est bien défendu, ça part Hakimi. Attention, le centre là pour le Real Madrid. Dégagé par Nuno Mendes. Aïe, attention parce que là le PSG, on sent qu'ils n'arrivent pas à ressortir les ballons. Mbappé côté droit. Ouais, Mbappé là, il est très précieux là aussi dans ce rôle là. Mbappé, il est très précieux dans ce rôle là. Il va mettre un ballon en touche parce qu'il y a un joueur du Real qui est à terre. C'est Alaba qui est à terre dans la surface de. Attendez, attention parce que c'est quand même dans la surface de réparation. À tout moment, il y a eu une faute sur Alaba. Attention quand même. Regardons ça. Ouais, Alaba. Ah oui, il y a eu un petit tac quand même de Marquinhos effectivement. Faudrait pas qu'il y ait une faute ou quoi que ce soit, mais a priori non. Ah, attention quand même, Marquinhos, là, il a fait un tag dans la surface. Après, le ballon était déjà parti, mais avec son deuxième pied. Ouais, non, c'est très léger. Là, s'il y a pénalty là-dessus, je comprends pas bien, honnêtement. Non, c'est très léger. Je pense pas qu'il y aura pénalty, honnêtement. Et ouais, non, l'arbitre ne fait pas appel à la VAR et tout. C'est que, ouais, j'ai pas l'habitude d'être pour une équipe. Vous savez, je suis souvent neutre en Ligue 1. Là, on est pour Paris parce que c'est un club français. Du coup, chaque petite action, on se dit, ah, ça y est, c'est pénalty et tout. Mais non, là, il y avait rien. Il n'y avait pas grand chose et l'arbitre n'a rien signalé, il n'est même pas revenu à la barre. Et d'ailleurs, un ballon qui va être dégagé par les Parisiens, Messi. Oh, qu'est-ce que c'est chaud par contre. Waouh, c'est des émotions particulières hein, lorsqu'on est derrière un club. Et l'OL n'empêche qu'il gagne aussi, je reviens hein, sur les clubs français, ça c'est bon aussi. Ça fait quoi 1-1 au cumulé? Bah, ça fait 2-1 pour le PSG, 1 partout, ça ferait une qualification de Paris. Voilà, voilà. Avec un ballon côté droit. Avec un ballon dans l'épée de Messi. Ouais, il y a une faute là. Il y a une faute. C'est joué par Danilo. C'est joué vite. Mbappé. Mbappé avec Paredes. Allez, Paredes pour écarter à gauche encore. Dans l'épée de Nuno Mendes. Mendes pour servir Kimpembe. Messi. Allez, Léo Messi. Pourquoi pas Paredes encore.
Allez, c'est dans le rond central. Il n'est pas attaqué. Dans le rond central, dans le camp du Real, il n'est pas attaqué. Et oui, là, ça peut. Pourquoi pas faire quelque chose avec Mbappé côté droit. Mbappé qui va pouvoir écarter. C'est bien joué. C'est un peu trop long pour Hakimi. Le centre d'Hakimi sera récupéré par le Real Madrid qui va pouvoir dégager, écarter à gauche. Oh, il y a une faute là sur Vinicius. Par contre, il y a l'arbitre qui la signale. C'est dommage de faire une faute ici. Leslie, parce qu'on n'a pas le droit sur YouTube, malheureusement. C'est les règles, c'est comme ça. Sinon, bah oui, je vous les mettrais. Mais là, on n'a pas le droit, c'est pour ça. Voilà, Vinicius, il est dangereux. Il est dangereux. Vinicius, quand même, très dangereux. Et là Danilo, c'est un peu dommage de faire une faute comme ça. Et ouais, l'arbitre qui réclame, Vinicius qui réclame le carton. Bon, quand même, carton sur cette faute là, ça c'était un peu trop, hein, ouais, parce que tout à l'heure Carvajal il a fait une grosse faute et tout, il n'y a pas eu de carton. Parce que voilà, il méritait pas le carton. Mais là non plus, hein, Danilo clairement pas. Avec un bon dans l'épée de Militao. Et le Real Madrid qui va pouvoir relancer. Une demi-heure que l'on joue entre Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Attention avec Verratti, Messi, Mendes. Allez, Mendes a pensé vers Neymar. Allez, Neymar qui va continuer. Neymar, pourquoi pas, il est devant Valverde. Neymar, il est passé le Brésilien, c'est bien joué. Faut garder le ballon, là, il est dans le camp du Real Madrid. C'est bien fait, c'est ce que fait Neymar. Neymar avec Mendes. Non, Neymar pour revenir avec Léo Messi. Ouais, Messi. Messi dans l'axe du but. Oh, il est passé côté gauche. Messi a une faute là sur Léo Messi. Il va pouvoir servir Neymar. Dans la surface de réparation, Neymar pour Messi. Messi, la frappe de Messi. Oh, c'était devant le but du Real Madrid. Quelle occasion pour Paris Saint-Germain. Léo Messi et Neymar, les deux anciens du Barça qui ont l'habitude de combiner ensemble. Messi, il est chaud dans ce match. Messi il est chaud dans ce match, c'est ça qu'on veut. Il est passé devant Kroos là, et puis après le 1-2 avec Neymar, c'était magnifique. Et la frappe là, le petit piqué, c'était tellement beau, mais malheureusement il n'y avait personne pour le reprendre. Oh là 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 là. Incroyable là les frérots, incroyable. Quelle occasion pour le PSG. Alors que là, ouais, il y a un joueur du Real qui est à terre. Il y a un joueur du Real qui est à terre. Allez, Paris nous Miguel. C'est Fernandez qui est à terre là. Sur cette petit contact avec Hakimi. Bon, il n'y a pas eu grand chose. Hein. Je pense pas que l'arbitre. Enfin, je pense pas qu'il y ait faute là. De toute façon, l'arbitre n'a pas signalé de faute. Oh là, mais on revoit la grosse occasion avec Léo Messi. Non, c'est dommage. Faut les mettre là. Faut les mettre celle-ci. Maintenant qu'il n'a plus la règle des buts à l'extérieur, c'est très simple. Si le Real ne gagne pas, c'est pareil qu'il sera qualifié. C'est, voilà, les frérots, c'est ça. Si le Real ne gagne pas, le PSG est qualifié. D'accord. Dans tous les cas, si le Real ne gagne pas, le PSG est qualifié. Et pour qu'il soit qualifié directement, le Real faut qu'il gagne avec 2 buts d'écart au minimum. Et sinon, s'il gagne qu'avec 1 but d'écart, ce sera les prolongations. C'est aussi simple que ça, puisqu'il y a eu 1-0 au match aller pour le PSG. Pour le moment, le PSG, alors on se parle de qualifié. C'est aussi le cas de City face au Sporting. Attention avec Verratti. Mais là, le Real est quand même bon, hein, très bon. Ils font mal aussi par moments sur quelques offensives. Mais Paris fait aussi un très bon match. Ça va être compliqué là pour aller marquer du côté du Real Madrid. Mais on sait que voilà, ils ont des gros atouts avec Benzema, avec Vinicius. On les a vus à plusieurs reprises depuis le début du match. Ça fait peur, ça fait mal. C'est très vif du côté de Vinicius. Grosse frappe là tout à l'heure du côté de Benzema. Voilà, hein, c'est défensivement pour le PSG, faut être solide, ça c'est sûr. Mais c'est quand même un début de match rassurant. Bah, là on parle de début de match, c'est même plus trop un début de match, hein, là, puisqu'on est bientôt à la mi-temps. Enfin bon, il reste encore un quart d'heure environ avant la mi-temps. Il reste quand même du temps. Mais voilà, pour le moment c'est rassurant du côté parisien. Mais du côté du Real, c'est solide aussi quand même. Attention avec Mendes. Mendes pour servir Mbappé. Mbappé, il est porche là. Kylian Mbappé côté gauche, c'est bien. Ils sont proches de la surface de réparation du Real Madrid. Là, Mbappé dans la surface de réparation. On va pouvoir revenir avec Neymar. Neymar pour Paredes. Paredes pour Verratti. D'ailleurs, les frérots, à la mi-temps, on fera un petit jeu. Pour ceux qui veulent s'amuser à la mi-temps, bah, sachez que sur le live, on fera un petit jeu. Je vous poserai 3 petites questions à propos du Real et du PSG pour tester votre culture footballistique, pour s'amuser tout simplement. Je le dis maintenant. Mais vous verrez à la mi-temps, on fera un petit jeu, les amis. Vous pourrez tous y participer. Ce sera cool avec Verratti. Kimpembe balle au pied. Kimpembe encore. Espérons que ça tienne, nous, mes yeux futurs. Salut à toi. Allez, Kimpembe toujours qui a pour écarter côté gauche vers Nuno Mendes. Mendes, il est seul, il est pas en jeu. Mendes, il est pas en jeu. Sur 20 de réparation avec Mbappé, la frappe de Kylian Mbappé. Oui, l'ouverture du score pour le PSG. Non, il y a en jeu. Non, il y a en jeu. Il y a en jeu. Non, il y a en jeu de Nuno Mendes. Il y a une position de hors-jeu de Mendes. Attention, on va quand même regarder la VAR. Mais si jamais il y a but, ce serait incroyable. Il y a la VAR, les amis. Il y a la VAR. Et si jamais le PSG ouvre le score, ce serait ouf. Est-ce qu'il est hors-jeu, Mendes? Non, non, il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu, Mendes. Non, non, il est hors-jeu, Nuno Mendes. Ouais, il y est. Et le jeu qui va pouvoir repartir toujours 0-0. Oh non, le PSG qui avait ouvert le score. Le PSG qui avait ouvert le score, les frérots. Quel dommage.
Oh non, non! Pour rien du tout! Pour ça, il n'est pas grand-chose, Mendes! Quel dommage! Mais c'est bien, ça montre qu'on peut marquer. Bon, faudrait pas que ça nous mette un coup sur le moral en mode on a ouvert le score, mais finalement ça a été refusé. Il y avait hors-jeu, c'est sûr. Attention, le côté droit là pour Fernandez. Le centre de Fernandez! La tête de Benzema! Oh, le ballon qui est capté par Donnarumma! Quel arrêt de malade de Donnarumma! Il ne dégage même pas le ballon, il le capte carrément, Donnarumma! Oh, il est incroyable! Oh, la tête de Benzema, elle était belle là! Elle était très 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 belle et l'arrêt de Donnarumma, il est très beau aussi! Et je rappelle à l'instant, but refusé pour le PSG, mais refusé logiquement, malheureusement. Aïe aïe aïe, quel dommage! Non! Punaise! Ah, je suis deg, parce que là, je vous dis pas, 2-0 score cumulé, c'est bon, c'est très bon. Parce qu'on parle beaucoup de. Il faut pas se prendre deux buts, on parle beaucoup de. Hein, mais on parle pas que le PSG peut ouvrir le score aussi, et ce serait très très beau. Mais quel dommage! Oh ouais, là, Nuno Mendes, il était parti côté gauche, centre en retrait pour Mbappé. Mbappé frappe à mi-hauteur en puissance, poteau rentrant, Courtois n'y pouvait rien. Malheureusement, à ça, il y a hors-jeu, faudrait pas le regretter. C'est chaud, nous met Gaël, l'intérieur du 62 km, Paris va encore partir sans gagner, nous met l'intérieur. Bah, on ne sait pas pour l'instant, et pour l'instant, Paris, c'est rassurant, hein, ils nous font une belle prestation. J'ai pas envie de parler trop vite parce que bah, à tout moment, ça peut s'écrouler, mais Vinicius pour Benzema. Oh, attention, il y a Vinicius qui s'écroule dans son vase de réparation. Non, c'est bon, il ne se plaint pas, il a l'air même pas de réclamer. Et après, je pense qu'il est tombé tout seul. Ça sur la tête de Fernandez. Fernandez avec Carvajal. Carvajal qui revient derrière pour Militao. Militao qui est obligé de lui de revenir encore plus derrière avec Kroos. Mais là, tous les Madrilènes, ils sont dans le camp du Paris Saint-Germain. C'est compliqué avec Toni Kroos encore. Kroos, merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent, les frérots. Peut-être qu'on peut aller chercher les 11 000 abonnés ce soir, pourquoi pas les frérots, hein, pourquoi pas les amis. Merci en tout cas vraiment à tous pour votre soutien, à tous les donateurs encore, c'est un soutien de malade encore, merci beaucoup. Et merci à tous aussi pour les likes, pour les abonnements. Je vous remercierai jamais assez, attention les amis, c'est incroyable. J'espère pour tous les supporters du Real Madrid qui sont qualifiés, qui sont abonnés, voilà, pour vous remercier. Il y aura une victoire du Real, une qualification, et j'espère pour les supporters du PSG, pour vous remercier que ce sera une qualif du PSG. Mais bon, on ne peut pas faire quelque chose qui va arranger les deux supporters, on va dire. Attention avec un ballon là pour Vinicius. Vinicius avec, pourquoi pas Valverde, la frappe de Valverde, ce sera contré par Verratti. Valverde qui va pouvoir écarter avec Carvajal. Attention là, il reste, c'est dangereux. La Carvajal qui va pas revenir derrière, il est pas mal, la Carvajal sur son côté. Carvajal avec l'arbre dans les pieds de Toni Kroos. Attention, attention, là, il y a l'espace pour combattre le centre de Kroos. La tête de Karim Benzema! Oh, ça passe juste à côté des buts de Donnarumma! Cette tête de Karim Benzema, l'attaquant français qui fait mal à la défense du PSG. Heureusement qu'elle passe à côté des buts de Didier Donnarumma, le Real Madrid qui s'approche des buts du PSG. Bon, ça passe quand même largement à côté, hein, ça passe quand même largement à côté. On a eu l'effet d'optique aussi qui nous a trompé, mais quand même, belle tête là pour Karim Benzema. Oh là 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 là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! C'est chaud, c'est chaud, c'est très chaud les amis, c'est très chaud dans ce match. Attention parce que depuis le but refusé du PSG, le Real va mieux, j'ai l'impression. Ancelotti qui place ses joueurs. Modric. Allez Modric pour écarter côté gauche. On a toujours les supporters du Real qui continuent de pousser avec un bon droit de Vinicius. Vinicius côté gauche. Vinicius il est passé. Vinicius qui est passé dans la surface de réparation. Oh là là, il fait mal, il fait mal. Oh, il va s'écrouler là, Vinicius. Oh non, il en fait un peu trop là. Faudrait peut-être sortir le jaune pour simulation. Non, je rigole bien évidemment. Mais attention quand même, parce que ça fait 2 fois qu'il s'écroule un peu pour rien, Vinicius. Et ça va sortir en touche pour le PSG. Bon, après, Vinicius, bah, c'est pas bon pour lui, on va dire. Ah ouais, oh, non, c'était ça, de ça le hors-jeu. Tout simplement parce que bon, même si l'arbitre ne lui met pas de carton jaune, la prochaine fois qu'il tombera, il sera peut-être un peu moins susceptible de siffler parce que bon, il sait qu'il tombe assez un peu pour rien quand même, Vinicius, parfois. Mais bon, attention quand même parce que il est très bon, Vinicius, il est très bon. Attention avec un bon dans les pieds de Asensio côté gauche. Asensio pour Modric vers le poteau de corner. Modric, Asensio. Oh, Modric, il est passé. Récupéré par Marquinhos qui va pouvoir dégager avec Verratti. Verratti à poteau de corner. Ah, Verratti fait un boulot incroyable. Verratti fait un boulot incroyable. Il va tenter de remettre ce ballon à Léo Messi, mais ça va finalement sortir en touche. Là pour le Real côté gauche. Le Real qui est en train de pousser énormément. Le Real qui est en train de pousser. Il paraît qu'il subit beaucoup quand même là. Et je vous dis, hein, depuis le but refusé, c'est chaud, hein. Depuis le but refusé du PSG, le Real est beaucoup mieux, j'ai l'impression. Vinicius. Avec là un ballon dans les pieds du Real Madrid côté droit. Ouais, pour le moment, ils ont beaucoup trop le ballon là, le Real Madrid à mon goût. Attention. Neymar, oh oui Neymar pour Mbappé! Mbappé, il y a un contre à jouer avec Thibaut Courtois! Attention parce qu'il y a quand même à la balle la frappe de Kylian Mbappé! Oui! L'ouverture de score pour le PSG! L'ouverture de score de Paris, les amis, oui!
Et l'ouverture du score de Mbappé. Et voilà, pour le moment il a Paris Mbappé. Pour le moment il a Paris, c'est lui qui ouvre le score. Yes. Cette fois-ci, il n'y aura pas de hors-jeu. Et les 1800 supporters PSG, du PSG qui exulte. Yes, les amis, l'ouverture du score du Paris Saint-Germain. Oh non, 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 non. Sur la récupération de Paredes, Neymar, le magnifique ballon de Neymar pour servir Mbappé. Et Mbappé côté gauche qui s'approche et qui va frapper devant à la balle. La frappe, elle est magnifique. Courtois n'y peut rien. Et ça fait 1-0 pour le PSG. Yes. Oui, les amis. Oui. Pour le moment, il est sous le maillot de Paris. Et ça fait 1-0. Oh oui, oh, la frappe elle est magnifique. La frappe elle est magnifique là. Courtois n'y peut rien. Oh là 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 là. Courtois n'y peut rien. Ah ouais, là la frappe. Oh, pourtant il frappe pas à côté croisé. Il frappe côté. Voilà, pas de croisé. Il n'a pas tenté de mettre enroulé. Et pourtant c'est passé. Je suis soufflé de ouf, les amis. Ah, parce que Courtois il la touche, mais ça rentre quand même. On voit les supporters parisiens qui font la fête. Yes! Yes! Alors attention maintenant, hein, voilà, le Paris Saint-Germain mène 2-0, hein, mène 2-0 là au score cumulé, mais rien n'est fait pour le moment quand même. Parce que le Real n'a pas dit son dernier mot, clairement pas. Mais pour moi, le PSG qui nous rassurait déjà avec son début de match, il y a eu un but, il y a eu un but refusé. Là ça y est, il y est, il n'y a pas de position de hors-jeu, il n'y a rien. Le but qui est bel et bien accepté, le jeu qui continue avec un bon temps de réparation. Kimpembe, l'intervention de Kimpembe, ça va sortir en corner. Oh là 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 là. Mbappé les frérots. Mbappé, monsieur Kylian Mbappé à 39e minute de jeu. Monsieur Mbappé. Et voilà, tous les rumeurs qu'il l'envoie au Real. Peut-être qu'il est en galon, on n'en sait rien. Mais pour le moment, il joue sous les couleurs du Paris Saint-Germain, il joue à fond. Et c'est lui qui marque les deux buts. Bon, attendez, parce que là, Nuno Mendes qui vient de se faire pousser. Ah non, Verratti s'énerve. Verratti s'énerve, et là, c'est Valverde qui s'énerve. C'est Valverde qui s'énerve avec Paredes. Non, Paredes, il a déjà un jaune. Paredes, arrête. Arrête. Non, 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 faut pas faire ça là parce que Paredes à tout moment un deuxième jaune, ça va vite et là le match il bascule. Hein, là, je vous le dis. Valverde qui est énervé là, Verratti qui le calme. Oh là là, mais quel match de ouf, les frérots. Je remonte mes manches là, c'est bon, j'en peux plus. Quel match de ouf et l'ouverture de score de Paris, c'est tellement bon. Attention, le corner qui est joué pour le Real Madrid, ce sera dégagé. Ça reviendra dans les pieds de Asensio qui va laisser le ballon sortir en touche. Il y aura une touche là pour le Real. Asensio, Asensio pour Carvajal. Carvajal qui revient derrière juste avant la mi-temps. En plus, à la 39e minute de jeu, Mbappé qui ouvre le score. Merci à tous, vous êtes bientôt 200 à avoir liké. Continuez à liker, à vous abonner en masse. Attention, la frappe pour le Real Madrid, ce sera capté par Donnarumma. Cette frappe, oh là, la frappe là, à terre qui est captée par Didier Donnarumma. Cette frappe de Modric. Waouh, incroyable quand même ce que l'on est en train de vivre là, les frérots, incroyable, incroyable. Allez, Donnarumma qui va dégager loin là vers Léo Messi. Allez, Léo Messi là. Messi qui fait un bon match, honnêtement. Et là, oui, c'est bien ce que fait Messi. Messi pour Neymar, c'est magnifique. Neymar pour Mbappé. Mbappé pour Messi. Oh oui, la frappe de Messi. Non, c'est contré, mais Messi qui continue. Ouais, Messi doit se redresser pas son. Il va perdre le ballon, Léo Messi. Qu'est-ce que c'était bien joué ça de la part du trio d'attaque. Mbappé, Messi, Neymar. Alors s'ils combinent comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique les frérots. Modric, t'inquiète pas Gaël. Il n'y a aucun souci, attention avec, avec Modric. T'inquiète pas Gaël. Non, c'est incroyable. L'ouverture du score. Paredes achète un cerveau, ne gâche pas tout avec un autre carton. Nunes, Nanteuil. Ouais non mais là c'est bon. Paredes il s'est calmé. Attention hein, parce qu'il y a ça, hein. Là il y a 2-0, score cumulé, c'est bien, c'est beau, c'est très bien, c'est excellent ce que nous font les Parisiens pour le moment. Mais ça peut. Ça peut, voilà, ça peut basculer à tout moment. Parce que le Real Madrid est une très grosse équipe. Ça, on le sait. On le sait. Ils ont des joueurs de grande classe. On a vu Vinicius qui plus d'une fois inquiétait quand même la défense parisienne. On a un Benzema très bon. Il y a faute là sur Hakimi. Et oui, et le carton jaune qui est distribué pour Fernandes. Le carton jaune qui est distribué pour Fernandes. Et le carton jaune. Ouais, il avait aussi le rouge dans la main. Je me suis dit non, attendez, c'est trop beau. Non, non, mais voilà, Fernandes et le carton jaune, il le mérite. Fernandes ou Valverde? Ouais, c'est Fernandes. C'est déjà lui tout à l'heure qui s'était un petit peu embrouillé. Nacho Fernandes, le carton jaune pour Nacho Fernandes. Ah voilà, il y a grosse faute sur Hakimi, il y a grosse faute sur Hakimi. Il y a grosse faute et le jaune qui est mérité. Yo Foot Live Show. Voilà, mais c'est incroyable, voilà, le Real Madrid. Merci beaucoup Gaël qui fait le don du coup. Non, Gaël, c'est insane. Gaël, oh là là, oh là 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 là, oh, attendez, merci beaucoup Gaël encore pour ton 5 francs suisses et c'est le goal, Noumé Gaël, merci beaucoup Gaël, MDR enfin, non, c'est incroyable Gaël, Gaël, c'est incroyable, les frérots plein de GG encore une fois pour Gaël, qui soutient, truc de malade la chaîne YouTube, Paredes, non mais Gaël, je te jure, t'es incroyable, il faut vraiment que tu me donnes l'adresse mail pour que...
Enfin, je fasse quelque chose, quoi, parce que là, Messi, Messi, Paredes, merci, grand merci, Gaël, grand merci, vraiment. Et à tous ceux qui regardent aussi, merci à tous ceux qui sont présents sur le live, les frérots. Tous ceux qui regardent le live, ça fait extrêmement plaisir. Mendes, Mbappé, allez, Kylian Mbappé pour revenir, peut-être pas avec, avec Verratti. Je rappelle, hein, je voudrais contextualise un petit peu les choses. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, ouverture de score de Mbappé à 39e minute de jeu au cumulé, ça fait 2-0, 2 buts hein, de Mbappé au cumulé. Et maintenant il faut mettre 2 buts pour le Real Madrid s'il veut espérer aller accrocher les prolongations. Bon là j'ai envie de vous dire que bah, la règle qui est enlevée la débute avec ça, ça arrange pas trop le PSG là du coup. Qui est PMB. Mais voilà, rien que 2 buts là, les marqués pour le Real Madrid si le Paris Saint-Germain reste tout aussi concentré, si le PSG reste, enfin, continue ce qu'ils sont en train de faire, continue ce qu'ils sont en train de produire, ça va passer, mais faut continuer, et le danger il est là, c'est de se dire c'est bon, on a plus un but d'écart, on en a deux, se relâcher, ça c'est un danger, il faut pas tomber dans ce piège là, attention quand même le PSG, attention, 2 minutes de temps additionnel, c'est la mi-temps entre City et le Sporting, 5-0 pour le moment, score cumulé pour City, parce qu'il y a eu 5-0 à l'aller. Et le temps additionnel est de 2 minutes entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. 2 minutes de temps additionnel. Ballon côté gauche là pour Vinicius. Récupéré par Danilo. Danilo à droite là vers le poteau de corner. Avec Verratti. Verratti. Ouais, c'est bien fait ça pour Hakimi. Hakimi pour Verratti encore. Verratti qui va s'écrouler. L'arbitre qui signale rien. Et Verratti qui est au sol là. Il demande au Madrien d'arrêter de jouer. Il a mal au dos Verratti. Mais le Real Madrid qui continue de jouer. Ouais, on voit quand même le changement d'ambiance hein, avec l'ouverture de score de Paris. Maintenant, Madrid il joue. Mais bon, c'est normal. Hein. C'est clairement normal. Verratti c'est bon. Il s'est relevé. Modric. Cross. Allez, ballon qui va être écarté côté gauche pour Nacho. Nacho. Vinicius. Ah, Vinicius dans la surface de réparation. Attention là, parce que justement, là, je vous parle. C'est ça que je vous parle. C'est lorsqu'il a le ballon. Vinicius, c'est dangereux. Mais oui, ballon récupéré par Mbappé. Mbappé côté gauche, le grand pont de Kylian Mbappé. Oh là là, le tacle de Eder Militao. Mbappé qui vient sauter par-dessus. Une chaise d'un stadier. Au pile la chaise où il n'y avait pas de stadier. Il arrive à sauter par-dessus Mbappé. A sauter par-dessus plutôt. Là, on voit, il était pas en jeu, Kylian Mbappé là. À la base, qui n'a peut-être pas très très bien défendu. Et puis la frappe de Mbappé. En fait, à la base, il pensait que Mbappé allait revenir intérieur pour frapper croisé ou côté ouvert. Bref, peu importe. Mais sauf qu'il n'est pas revenu intérieur. Il a frappé directement Mbappé. Et ça fait 1-0 pour Paris. Ça, c'est beau. Likez, les amis. C'est gratuit. Ça aide la chaîne. Mais Jérémy, exactement. Avant la mi-temps, lâchez tous votre petit like, les frérots. Votre plus gros like. Bref, bombardez-moi la barre de pouce bleu. C'est gratuit. Ça prend 2 minutes. Et pareil pour la barre d'abonnement. Merci du fond du cœur à ceux qui le feront, les amis. Pourquoi pas les 11 000 abonnés ce soir. Et je rappelle qu'à la mi-temps, on fera un petit jeu. Si jamais vous voulez vous divertir sur live, si ça se passera pendant la mi-temps. Neymar dans la surface de réparation. Neymar est passé. Bon, épée de Verratti. Le centre de Verratti sur le poteau. La tête. Là, pourquoi pas la tête avec Mbappé. La tête de Kylian Mbappé. Ce sera capté finalement par Courtois. Je suis en train de tout casser. Qu'est-ce que j'ai foutu. Voilà, ballon capté par Courtois. Et ça va être la fin du tour additionnel. Bonsoir Nathan. J'ai pas l'impression que le premier but est. J'ai pas l'impression que le premier but est en jeu. Oui, non, mais. Ah, si, si, le premier but, Ali, il a bel et bien été refusé parce qu'il était bel et bien en jeu. Il était hors jeu, hein, voilà, le premier but. Les frérots, c'est la mi-temps à l'instant. C'est la mi-temps entre le Real Madrid et le PSG. Et ça, c'est bon. C'est incroyable pour le moment ce qui est en train de se passer. C'est le meilleur scénario, je pense, pour le Paris Saint-Germain qui viennent ouvrir le score juste avant la pause avec Mbappé qui est toujours sous le maillot parisien, comme je répétais, Kylian Mbappé. Et maintenant il va falloir tenir. Ils ont 2 buts d'avance, mais à tout moment le Real en met un autre, puis un deuxième, ça peut tout relancer. D'accord, maintenant rien n'est fait pour le Paris Saint-Germain, mais pour le moment c'est très bon s'ils produisent ces deux hommes là Verratti et Messi qui produisent encore vraiment de très belles choses. Et Léo Messi qui est très très bon. Là enfin on voit un Messi qui depuis quelques matchs est de nouveau à un très bon niveau. Et c'est bon, c'est très bon ça de voir Messi à ce niveau là Honnêtement il est très très bon, même s'il ne marque pas. Il est très 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 bon, bref. Du côté du PSG c'est bien, mais faut pas non plus s'endormir quand même. On va passer au jeu de la mi-temps. Les frérots, avant le jeu de la mi-temps, vous savez que le live il est sponsorisé par OneFootball, les frérots. Le live il est sponsorisé par OneFootball, si vous ne connaissez pas OneFootball. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une application. Application numéro 1 du football dans le monde. Vous pouvez même voir des matchs en clair sur l'appli. Bref, c'est quand même une appli de ouf, hein, clairement. Vous pouvez la télécharger sur iOS et Android. Et bien sûr, sinon ce serait pas drôle, elle est 100% gratuite, les frérots. L'application 100% gratuite, hein, tout simplement. Donc pour la télécharger, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en description. Lien qui est en description, ou alors le lien que je vais vous mettre dans le chat. Voilà, lien qui est première ligne de la description. Vous avez première ligne de la description, un lien. Vous avez juste à cliquer dessus pour télécharger OneFootball, vous lancez le téléchargement. Après, vous pouvez revenir pour, par exemple, participer au jeu de la mi-temps. Ou sinon, je vous mets le lien dans le chat. Voilà, je vous spam le lien dans le chat pour télécharger OneFootball, les frérots. C'est simple.
Et voilà, le principe il est simple, hein. Vous avez plein d'infos, des news mercato, des news un petit peu insolites, des news transferts, bref. Vous avez beaucoup de choses, vous pouvez vraiment mettre votre équipe en favorite, par exemple si vous êtes supporter du PSG. Et vous avez toutes les news à propos de votre équipe, bref, c'est... Je pense que le mieux, c'est ce que je dis à chaque fois, mais le mieux pour tester toutes les fonctionnalités, c'est de télécharger l'application. Parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas tout résumer. Voilà, télécharger OneFootball, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça soutient aussi un peu la chaîne, hein, donc merci beaucoup. Mais c'est très important aussi de passer par le lien. Je pense que vous avez déjà entendu parler, s'il faut, je pense que vous êtes très nombreux déjà à l'avoir cette appli. Mais si jamais vous ne l'avez pas, franchement, tous les amoureux de foot, vous allez kiffer les frères. Allez, on va passer au jeu de la mi-temps. Le jeu de la mi-temps, les amis, le principe est simple. Je vais vous poser 3 questions à propos du Real Madrid, 3 questions à propos du PSG. Enfin, je vais vous en poser 3 en tout, hein, les frérots. Donc, j'ai une à propos de Paris, une à propos du Real et une à propos des deux équipes pour pas faire de jaloux. Le but est d'y répondre le plus vite possible dans le chat. Alors, attendez, je règle juste la caméra. Voilà, le but est d'y répondre le plus vite possible dans le chat. Et les 3 premiers gagnent des points au classement pour, qu'on fait pour le fun, pour s'amuser. Hein. C'est pour ça le jeu de la mi-temps, c'est pour s'amuser, les frérots. Les amis, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour le jeu de la mi-temps? Bien sûr, on va essayer de faire le jeu de la mi-temps. On va essayer de le faire rapidement, on va dire, pour essayer de parler, voilà, de cette première période. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on aura le temps de parler de cette première période. Vous ne vous inquiétez pas, les frérots. On aura le temps, on aura le temps. Et on va parler de la première mi-temps parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et surtout, voilà, c'est très bon pour le moment ce que fait le PSG, mais on en parlera, Première question du jeu de la mi-temps qui va s'afficher juste ici. La première question dans 3. Attention, hein. Soyez prêts, ouvrez les claviers. 3, 2, 1. Première question du jeu de la mi-temps, citez-moi le buteur lors du match. Allez, là, alors là c'est une question de rapidité, mais absolue. Hein. Je pense que la réponse, vous l'avez tous. Maintenant, il faut vouloir être rapide sur le clavier. Essayez de ne pas faire trop de fautes d'orthographe. Si jamais vous faites des fautes, c'est pas grave, faut quand même que je comprenne. Citez-moi le buteur lors du match, allez-y les frérots. A bientôt Cribera, merci d'avoir été présent juste ici. Merci beaucoup Cribera, à bientôt et bonne nuit. Alors merci en tout cas à toi. Ouais voilà, n'empêche en plus ce but, on en reparlera hein, pour le PSG, mais le PSG avait déjà marqué un but qui a été refusé. En plus ils en ont remarqué un, c'est quand même significatif. Ça veut vraiment dire que Paris est bien dans son match, qu'ils ne l'ont pas volé. Et vraiment, s'ils continuent comme ça, zéro doute, ils se qualifient. Mais s'ils continuent comme ça, le problème c'est qu'on le sait tous. Enfin, on le sait tous, malheureusement, ils vont sûrement pas continuer comme ça. Et malheureusement, je pense qu'ils vont avoir tendance un petit peu à se reposer sur le score. Et attention, parce qu'après ça peut aller très vite. Après on sait que derrière ça peut aller mais très vite. Donc vraiment, attention. Mais ça on en reparlera après. C'est qui a marqué là? Là c'est Mbappé qui a marqué aujourd'hui à la 39ème. Mais qui a été le buteur lors du match aller? Je peux vous le dire, vous avez mis la réponse. C'était aussi Mbappé. Mbappé qui est un monstre. Annoncé au Real. Mais peut-être que ça peut changer quelque chose aussi ce match là. Ça va peut-être changer quelque chose hein, ce match au Santiago Bernabéu. Parce que bon là le PSG qui est quand même supérieur au Real. On le voit sur les deux matchs. Bravo à Ali qui répond juste le premier. Félicitations Ali. Bravo Kabir qui répond juste le deuxième. Félicitations Kabir et bravo à Camille. Qui répond juste le troisième. Félicitations et voilà du coup le classement du jeu de la mi-temps pour le moment depuis le début de la semaine. Ali qui est premier, Kabir deuxième, Footlife, Johan, Mohamed, Camille, excuse-moi, et Firestone Yanis. On va passer attention à la deuxième question du jeu de la mi-temps. Soyez prêts pour la deuxième question du jeu de la mi-temps. D'ailleurs, petite parenthèse, je vois qu'on est bientôt aux 200 likes les frérots, si jamais tu l'as pas encore liké derrière ton écran, ah tu sais ce qu'il reste à faire, et vous pouvez aussi d'ailleurs vous abonner aussi les frérots, jeudi, on va arrêter le duel des fans, vous êtes 55% à être pour le PSG, 37% quand même à être pour le Real et 8% sont neutres, vous êtes plus de 1500 à avoir voté, bon, c'est énorme, je crois que c'est un record sur les sondages, et bon nombreux sont quand même pour le PSG. Passons à la deuxième question, félicitations du coup aux supporters PSG qui ont remporté, aux supporters du Paris Saint-Germain qui ont remporté le duel des fans. Deuxième question dans 3, 2, 1. Deuxième question, elle s'affiche là. Qui est le coach du Real Madrid? Question assez facile. Ah, peut-être qu'il n'y aura pas tout le monde qui aura la réponse. Honnêtement, ces dernières années, ils changent quand même pas mal de coach. Bon, je pense que vous aurez quand même la réponse assez rapidement. Qui est le coach du Real Madrid? Go, les frérots. Go. Allez-y. Ah, ouais, vous êtes rapide. Hein. Vous êtes très rapide, ça, c'est sûr.
Allez, je vais regarder vos réponses, les frérots. Je vais regarder vos réponses à la question quel coach du Real Madrid fallait mettre Ancelotti. C'est la bonne réponse, Ancelotti, les amis. Bravo à ceux qui ont mis Ancelotti. Bravo à Camille. Les amis, Ancelotti en premier. Félicitations, Camille. 3 points. Bravo à Ali, deuxième. Bravo, Ali, ça te fait 2 points. Et bravo à Kabir qui nous met Ancelotti, le troisième. Essayez quand même d'écrire les noms en entier, les amis. Quand même, mais bravo en tout cas. Et voilà. Bon, essayez quand même d'écrire les noms en entier, s'il vous plaît. Voilà, classement. Je vais lancer la troisième question du jeu de la mi-temps. Attention. Salut mon Randy. Salut Randy, comment vas-tu? Bienvenue en tout cas, Randy, sur le live. Bienvenue à toi. Troisième question du jeu de la mi-temps. Dernière question. Dans 3, 2, 1. Troisième question. Quelles sont les deux équipes déjà qualifiées sur à 100%? Il y a déjà deux équipes. Hein, qui ont joué hier, hein, vous le savez, qui sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Lesquels? À 100%, hein, vous ne mettez pas Paris et Manchester City qui sont virtuellement qualifiés parce que c'est pas encore terminé. Les deux équipes qui sont sûres d'être qualifiées. Allez dans le chat, j'attends vos réponses. Alors, attendez. On va regarder vos réponses du coup, les amis. Regardons vos réponses. Hop. On va regarder vos réponses. Il fallait me mettre Liverpool et le Bayern. Liverpool et le Bayern, c'était les bonnes réponses, les frérots. Donc, on va regarder vos réponses. Allez, c'est parti. Liverpool et Bayern. Bayern, score écrasant hier. Victoire 7-1. Incroyable, hein, quand même. Donc bravo à ceux qui m'ont mis Liverpool et Bayern. Du coup, bienvenue à toi mon Randy, ça va très bien, Randy. Et merci d'être parmi nous. Alors qu'on va regarder du coup bravo à... Ah non, la caviar, je veux pas te l'accepter. Tu nous as mis Liber, Bayerbe. Désolé, mais bon, je veux pas trop te l'accepter. Mettez-moi les noms en entier, je vous l'ai dit quand même. Il y a des limites. Bravo quand même à Ali du coup qui est premier. Désolé caviar. Ouais, c'est Nantes qui est deuxième. Et il nous a mis Bayern Liverpool et Bayern Liverpool pour Mohamed. Félicitations Mohamed. Voilà, Mohamed a des fautes d'orthographe, mais comme ça, on voit quand même que tu nous as mis Liverpool en entier. Enfin, t'as essayé de les mettre en entier. Alors, Kabir, là, il y a des limites à abréger quand même les trucs, hein, les mots. Voilà, du coup, pour le moment, le classement est Ali qui est premier pour le moment au jeu de la mi-temps. Mais attention quand même, parce que la fin de semaine, la semaine n'est pas encore terminée. Merci beaucoup, Randy, membre, top joueur depuis 5 mois. Merci encore, mon Randy. Soutien de malade à la chaîne YouTube. Merci beaucoup Randy. Et merci beaucoup pour ton don de 5€. Après, j'avais pas vu avec un petit emoji. C'est quoi? C'est un renard, je sais pas ce que c'est. Il fait comme ça le renard. En tout cas, merci beaucoup Randy pour ton don et ton soutien de malade encore une fois. Oh les frérots, je vous jure, vous soutenez un truc de ouf, hein, les amis. Et c'est grâce à vous qu'il y aura plus de bugs normalement sur le live. Puisque bah voilà, il y aura bientôt un nouveau PC. Enfin, merci beaucoup Randy pour ton soutien énorme. Merci Randy, Théo, Gaël, Charles, pour vos dons aujourd'hui. Merci beaucoup et merci pour ton don de 2€ juste après. Randy, il est chaud. Merci, Randy. Oh là 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 là, merci beaucoup, Randy. Non mais attendez, les amis, c'est ouf. On va revenir au match parce que c'est la fin du jeu de la mi-temps. Bravo du coup, Ali qui est pour le premier, mais c'est pas la fin de la semaine. Donc attention quand même, c'est pas encore terminé. Mais merci beaucoup, Randy, pour ton don de 2€. Donne-nous 99. Non, merci beaucoup. Oh là là, attendez, c'est ouf. Les amis. Oh mais je vous jure, vous allez me faire un arrêt cardiaque. Alors en plus, c'est pas comme hier. Hier, vous étiez en feu. Mais au moins hier, vous voyez, il y avait les matchs qui nous intéressaient plus ou moins. Mais là, il y a Paris en plus qui déjà c'est chaud quand je vois le ballon du Real Madrid qui est proche du but du PSG. Alors là, avec vos dons de ouf, plus un stress au match, c'est bon. Moi, je vais partir de ce monde là, les frérots. Là, c'est oh là là, don de 20€ de Randy. Quoi? Mais quoi? Oh les gars. Non, c'est incroyable, et Théo qui repart dans 2€ après, vous avez les animations juste là. Les amis, on va bien sûr parler, du match, on va parler de la première période. Mais oh là 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 là, c'est ouf. On va parler de la première période, mais d'abord je vous remercie quand même pour vos noms qui sont juste incroyables. C'est insane les amis, merci beaucoup. Randy, merci beaucoup Théo. Attendez, merci beaucoup. Quoi? Les amis, mettez des GG à Randy, à Théo, à tous les donateurs pour leur soutien énorme. Juste merci juste à vous tous qui êtes sur le live.
Même l'abonnement, le like, c'est déjà un soutien énorme. Donc merci beaucoup. Mais merci aussi Randy pour tes tons de ouf. Théo, Charles, Gaël, vous êtes incroyables. Ah, je vous mets des GG dans le chat. Vous n'hésitez pas à faire pareil. Mettez plein de GG. C'est pour te soutenir à fond, Lissi. Tu gères. Et bah, sache que ça me soutient beaucoup, hein. Randy, merci beaucoup en tout cas pour ton soutien énorme. Membre sur la chaîne. Plein de dons aussi. Enfin, oh, merci. Non, merci Randy. Randy, merci beaucoup, Gaël. Je remets aussi des GG à Gaël qui est toujours aussi incroyable. C'est ouf. Merci Randy. Merci Théo. Et merci Charles qui sont les donateurs sur live. C'est incroyable. Oh non, les gars. Quoi? Mais encore? Mais quoi? Attendez. Oh là là, non, les gars. Vous savez qu'il faut, quand même qu'on débriefe il faut quand même qu'on débriefe le match. Hein. Faut quand même qu'on débriefe. Quand même qu'on débriefe la première période, hein, les gars, donc il faut laisser du temps. Et voilà, il y a des animations en haut. Randy qui refait un don de 5 euros, incroyable! Merci beaucoup, Randy. Et Gaël qui refait aussi un don de 5 francs suisses. Moi aussi, je mets mon animation. Tu l'auras, elle est là, l'animation, elle est là. Non, c'est incroyable, les amis. Oh là là, que des GG, que des GG. Et ton de 20 euros de Randy. Oh là 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 là. Non, mais attendez, mais, oh, mais les gars, je vous jure. Wow. Non, il y a un piège, c'est pas possible là. Il a hack YouTube, je sais pas quoi, mais il y a un piège. Oh, c'est ouf les gars. Ok, la seconde période entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain redémarre dans quelques minutes, 2-3 minutes pour débriefer. Mais merci beaucoup Randy pour ton don de 20 euros et Théo qui refait un don de 2 euros après. Oh là 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 là. Oh là là, mais attendez. Merci les gars, merci pour votre soutien, merci beaucoup. Stop de mettre un combi. Non, c'est incroyable. Oh, hey, les gars, vous êtes ouf. Merci Théo, merci Gaël, merci Randy. Et merci Charles aussi. Non, mais waouh, waouh. Les gars. Attendez, c'est la folie. Oh, c'est de la folie, comme le met Mohamed. T'es bon en cours. Oh, Cédric, il me demande que c'est qui sont tout le temps. Je fais des sacrifices pour vous les amis. Demain j'ai des cours de cours. Oh, demain j'ai 8 ans de cours en plus. Mais ce soir c'est plus important. Attendez, Real Madrid PSG. Et c'est sûr que là le soutien de malade les frérots pour le nouveau PC. Il y aura plus de bugs, là j'aurai plus d'excuses à part les petits bugs techniques. Parce que bon, des fois je pourrais rien y faire. Sinon les frérots j'ai plus d'excuses là clairement. Ah là là, dans les joueurs qui reviennent dans le tunnel, on n'a pas eu le temps de faire des briefs. Et Gaël qui refait un don. Gaël qui revient à l'attaque. Attendez, vous savez quoi les amis, depuis le début du jeu, je me suis toujours pas mis debout, hein. J'ai remarqué que je m'étais pas mis debout encore. C'est quoi, je vais me mettre debout, attendez les gars. On va faire un petit débrief rapide avant que les joueurs reviennent. Bah ça y est, ils sont de retour. Ils sont de retour sur la pelouse des joueurs. On va mettre la caméra au-dessus, on va commenter cette seconde période debout pour que ce soit encore plus intense. Encore mieux peut-être pour vous. Attendez. Attendez, je règle la caméra. Mais merci beaucoup Gaël pour ton don énorme. Oh là là, non mais les gars. Oh, je vous jure, vous voulez... Oh non, c'est vous. Ah ouais, très instructif ce débrief de Miguel. On va le faire vite là, le débrief les frérots. Moi, mon débrief de cette première plate, c'est qu'on a eu des Parisiens qui m'ont... Oh non, mais vous voyez, vous me faites perdre les mots là. Randy, Gaël et Théo et Charles avec tous vos dons là, vous me faites perdre les mots. Et tous ceux qui mettent des GG aussi, merci à ceux qui mettent des GG pour Théo et Sou, parce que c'est important aussi pour Théo, Randy, Gaël et pour Charles. Oh là 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 là, là les amis. Donc voilà, moi mon dérive c'est qu'on a eu vraiment, enfin moi les Parisiens, voilà, c'est le mot que je cherchais, ils m'ont surpris, mais très agréablement surpris. Et l'ouverture de score, ils l'ont pas volé parce qu'ils ont mis déjà un but refusé et ensuite ils ont mis ce but de Mbappé. Maintenant il y a 2-0, maintenant faut pas faire n'importe quoi. Et c'est reparti entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Débrief très rapide. A plus tard Esmeralda, débrief très rapide les frérots. Avec un monde dans la pied des Parisiens, c'est reparti entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Je vous souhaite à tous une excellente seconde période, les amis. À tous une excellente seconde période. Que le meilleur gagne, que le meilleur se qualifie. Pour le moment, le meilleur en tout cas au score cumulé, c'est le PSG. Mais rien n'est fait pour le Paris Saint-Germain. Il va falloir rester concentré pendant 45 minutes en plus au minimum si jamais il n'y a pas les prolongations, mais c'est ce qu'on souhaite pas du tout. Et normalement si tout se passe bien pour le PSG, ça devrait être la qualification. Mais on sait qu'en face il y a une équipe de top 5 peut-être européen, je sais pas, le Real Madrid, mais une très grosse équipe. Et ils ont pas dit leur dernier mot. Et Ancelotti, je pense que dans le vestiaire ça a dû crier et je pense que là ça va les réveiller. Donc pour le Paris Saint-Germain, faut rester comme en première période, faut produire ce qu'ils nous ont fait en première période, faut faire la même chose, faut rester concentré, pas dire que c'est fait, et faut continuer avec un monde dans les pieds des Parisiens. Paris-Est.
Paredes. Les frérots, avant de se replonger dans la seconde période, merci encore à tous ceux qui s'abonnent aussi. Ça se trouve, on va peut-être passer les 11 000 ce soir, ce serait insane. Donc merci beaucoup. Et merci aussi à tous ceux qui like. Et encore merci à Randy pour ses dons de ouf, pour son soutien de malade. Grand merci, mon Randy. Merci beaucoup, Gaël. Toujours incroyable. Merci beaucoup, Gaël. Merci, Théo. Et merci, Charles, pour vos dons. C'est incroyable. Donc merci beaucoup encore. Merci, les amis. On va se replonger dans la seconde période. Mais juste, merci. Merci, merci. C'est incroyable. Avec un moment dans les plaidas de Verratti. Verratti qui sera servi. Verratti pour Hakimi. Hakimi avec Modric. Ouais, Modric là qui a perdu ce ballon. Verratti qui a pouvoir sauver ce ballon de la touche. Bien joué. Juste devant Ancelotti. Verratti encore. Ah là 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 là, les amis. Oh, à force de bouger là, sur ma chaise et tout, à cause des buts, j'ai mal au dos. En plus, là, je suis debout. Il y a eu un but d'annulé, Léo Messi, mais après, il y a eu un but d'accepté pour le PSG. Attention à Paredes. Paredes qui va relancer. C'est Donnarumma. Donnarumma pour Kimpembe à gauche. Kimpembe. Merci à tous pour les dons de ma Jérémy. Et oui, merci beaucoup. 0-0 entre City et le Sporting. Ah, mais d'accord, tu parlais. Ah, parce que City a marqué un but qui a été refusé. Ok, d'accord. Carvajal, Vinicius pour servir Carvajal encore. Allez, avec un mandant épée de Alaba. Alaba qui est peut-être un peu fautif peut-être sur l'ouverture de score de Mbappé. Parce qu'il a été un peu trop attendu devant Mbappé. Il a un peu trop reculé. Et ça a permis la frappe de Kylian Mbappé et l'ouverture de score pour le PSG. Et attention avec Benzema. Ah ouais, ok, d'accord, Léo Messi, tu disais bien pour City, ok. J'avais même pas vu. Vinicius. Allez, Vinicius qui va pouvoir écarter peut-être à gauche encore pour Benzema. Benzema qui sera servi. Benzema pour Modric. Modric, attention parce que le Real Madrid a le ballon. Attention, attention quand même. Attention les amis, là c'est... Ouais, c'est le Real qui met la pression sur le camp du PSG avec Eder Militao. En tout cas, les supporters du Real, je pense qu'ils peuvent encore y croire. Hein, parce que là, 2-0, au score cumulé, c'est pas fait. Le Real Madrid, après, pour marquer un but rapidement, je pense pour le Real, s'il veut aller se qualifier, mais pour le PSG, il faut vraiment qu'on tienne. Il faut vraiment que le PSG tienne. Je vais vous lancer un autre sondage dans le chat. Je vous lance un autre sondage, les frérots. Je vous lance un autre sondage. Salut Mathéo. 3-0 pour le PSG avec Mbappé, peut-être Messi buteur dans ma bête. De toute façon, avec un mandat dans l'épée de Vinicius. Dans la surface de réparation, il y a une occasion, pourquoi pas avec Asensio. Oh, Hakimi qui va peut-être dégager ce ballon côté droit. Hakimi. Oh oui, 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 c'est bon l'arbitre. L'arbitre signale une faute dans la surface de réparation sur Kimpembe. Oh, attention parce qu'il a eu une grosse occasion à l'instant quand même pour le Real Madrid. Attention, une grosse occasion là à l'instant pour le Real Madrid avec Asensio qui fait la faute du coup dans la surface de réparation. Je suis pas bien sûr quand même de cette faute, heureusement, on va dire. Ouais, si elle est légère, mais elle y est. Et heureusement pour le PSG, ça va pouvoir permettre à Kimpembe de dégager ce ballon, de dégager son camp. 0-0, 0-1 pour le PSG dans ce match. 0-2 au cumulé. 48 minutes que l'on joue dans ce match. 3 minutes que l'on joue dans cette seconde période. Et pour le moment, c'est le PSG de qualifier. Ça va, Alicide, ta voix depuis que t'as reçu des dons de même, Mohamed. Bah écoute, Mohamed, ça va, mais ça va pas tarder à craquer. On va dire, attention avec un bandeau à l'épée de Benzema. Il faudrait pas des matchs comme ça tous les jours. Ça, j'aurais plus de voix. Attention avec Kroos. Allez, je vais vous mettre un sondage. Pensez-vous que le PSG va se qualifier? Pensez-vous que le PSG va se qualifier? Oui ou non? Le sondage est lancé, les amis. Pensez-vous que le PSG va se qualifier? Oui ou non? On dit qu'on va Carvajal là qui est à terre. Vous pouvez voter. Pensez-vous que le PSG va se qualifier? Oh, merci Théo encore pour ton don de 2€. Merci beaucoup Théo encore. Théo, ne t'inquiète pas de ce côté-là, Théo. Comme je te l'ai dit, en fait, il y a certains critères, donc c'est un peu compliqué, Théo. Ne t'inquiète pas de ce côté-là, Théo. Et merci pour ton don de 2€. De 2€, merci beaucoup. Oh là, incroyable encore. Merci beaucoup, mon Théo. Attention avec un ballon d'épée de Courtois. Courtois qui va pouvoir dégager. Et à bientôt, du coup, peut-être Théo. Mais ne t'inquiète pas pour la boutique. Ne t'inquiète pas, je vais faire de mon côté parce qu'il y a beaucoup de critères et tout pour la mettre sur YouTube. Bref, c'est un peu compliqué. Salut Kylian. Attention avec un mandat dans les pieds de Neymar. Neymar côté gauche. Neymar pour servir Mbappé. Mbappé là, on a l'arbitre qui va signaler quelque chose sur Neymar. Et oui, c'est une bonne nouvelle. Il a signalé une faute là sur Neymar. Faute sur Neymar. Les amis, ce qu'on va faire au pire, c'est que je vous propose. Je me rassois et quand s'il y a un nouveau but, je me relève. Ok, on va faire ça. Parce que là, j'ai l'impression que quand je me lève, il y a moins d'occasions. Là, vous devez voir ma tête qui bouge de partout. Et là, c'est mieux. Quand je me lève, il y a moins d'occasions. Là, le match, il est moins intense. En plus, ça fait un peu mal au dos. Allez, hop, on va s'en mettre comme ça. Attention, là, il y aura un ballon dans les pieds des Parisiens pour Marquinhos.
Merci beaucoup en tout cas Théo, c'est incroyable. Merci beaucoup mon Théo. Et ouais, touche la côté gauche, pourquoi pas pour le PSG. Ah ouais, non, c'est pour le Real, c'est pour le Real Madrid avec Modric. Modric là, il est sur la ligne médiane là, Modric avec Toni Kroos. Toni Kroos qui va pouvoir écarter côté droit pour Carvajal. Carvajal, Valverde encore. Attention, là Valverde, il y a quelque chose à faire, pourquoi pas pour le Real Madrid. Ce sera pour Vinicius, Vinicius côté gauche, Danilo qui revient là pour défendre sur Vinicius. En vrai, pour le moment, le choix de mettre Danilo, il est bon hein, pour Pochettino. Je le critiquais un petit peu au début de match, mais bon, il rassure. Hein. Il rassure Danilo. Attention là, parce que ouais, il y aura un corner il y aura un corner là pour le Real Madrid. Corner pour le Real Madrid. On a Marquinhos qui réclame quelque chose, notamment la sortie de but. Mais ce sera bien un corner. Ce sera bien un corner. Avec le corner justement pour Toni Kroos, c'est bien frappé. Oh non, c'est mal frappé. Ah oui, non, mais c'était une combinaison derrière avec la reprise de volée. Oh là là, la reprise de volée de Valverde, c'était bien joué. C'est dégagé par la tête de Kimpembe. Kimpembe, il a carrément dégagé ce ballon de la tête. Ce qui fait que là, il a pris un espèce de KO, Kimpembe. Parce qu'il est à terre là. Il est à terre après Nel Kimpembe. Ça, c'est un guerrier. Ça, c'est un guerrier. Non, c'est pas Kimpembe, c'est Paredes. C'est Paredes qui a pris ce ballon de la tête. Un guerrier, voilà, Paredes. Ouais, c'est lui. Oh là là, ouais, il a pas eu peur. Et du coup après il s'est écroulé parce qu'elle était très puissante. Et dégager le ballon de la tête, ça doit faire mal hein, ça doit faire mal. Et c'est bon, il se relève, il reprend ses esprits. Il y aura une touche pour le Real Madrid côté droit. Le Real qui va jouer 1-36 désormais la victoire de Paris. Modric. Attention là, il y aura un ballon dans les pieds de Nacho. Nacho avec Vinicius. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement dans ce match. Je vous remonte, petite parenthèse pour vous remontrer les remplaçants. Les remplaçants. Voilà, vous avez à gauche les remplaçants du Real, à droite les remplaçants de Paris. Il y en a beaucoup, c'est pour ça que vous les voyez peut-être pas en très très gros. Mais bon, peut-être que voilà, mettez peut-être le live en grand écran pour le voir. Pour voir les remplaçants, les frérots. Donc voilà, tous les remplaçants à gauche, ceux de Madrid, à droite, ceux du PSG. Ceux avec Carvajal dans les pieds de Carvajal. On s'est remis dans le match quand même. Le stress revient, on va dire. Pour toi, c'est qui a gagné, Lisbonne ou City? Le Sporting ou City dans le match, je pense qu'il va y avoir un match nul Matisse, mais du coup le City va se qualifier. Attention avec Messi, Messi pour servir Verratti. Verratti côté gauche, pourquoi pas pour Mbappé. Non, ça c'est un ballon manqué, ça de la part de Verratti. Attention parce que là il commence à avoir des petites erreurs du côté parisien. On sent que le Real est peut-être mieux dans cette seconde période. Oh oui, ballon récupéré par Hakimi. Ballon récupéré par Hakimi avec Mbappé. La frappe de Kylian Mbappé, il est passé à Mbappé, la frappe de Mbappé. Eh oui Mbappé. Le but de Kylian Mbappé les amis. Oh non, non il y a un but. Non il y a un but encore. Non, il y a hors-jeu encore. Attendez, parce qu'il y a la VAR, il y a la VAR toujours. Pour le moment, il y a hors-jeu. Pour le moment, il y a hors-jeu. Oh non, il y a encore hors-jeu. Non. Oh là, le but de Mbappé, il était magnifique. Il est arrivé devant Courtois. Il a fait un passement de jambe pour passer devant Thibaut Courtois. Et là, il a frappé. À ras du poteau, c'était magnifique. C'est passé, mais le hors-jeu, il y est. Attends, parce que le joueur a repris la frappe de Vinicius. Oh, ce sera capté par Donnarumma. Ce sera capté par Donnarumma. Oh non, les amis, ça aurait fait 3-0. Attention là, quand même, de ne pas les regretter. Deux buts de refusé dans le match, refusé logiquement. Mais là, le but de Mbappé, en plus, il était magnifique. Tête de Mbappé, la tête sur ce ballon sur la tête de Kylian Mbappé. Attention là, avec Valverde, Carvajal. Voilà, le Real Madrid a un peu de chance, on va dire, sur ce côté-là, forcément. Parce que bah. Il y a quand même deux buts refusés. Ouais, ils ont de la chance, on va dire, sur ce côté-là. Mais bon, les hors-jeux, ils y sont. C'est sûr que la VAR, là, ça les arrange bien, on va dire. Enfin, le centre, là, pourquoi pas, sera capté par Donnarumma. Après, voilà, c'est des hors-jeux logiques. Ils jouent bien aussi le hors-jeu, hein, les défenseurs du Real Madrid. Attention, parce que le Real, à tout moment, je sais pas, je sens pas trop bien. Merci à Gaël, membre depuis 2 mois sur la chaîne YouTube. Gaël, c'est waouh, c'est ouf, membre top joueur aussi. Merci beaucoup, Gaël, encore. C'est le feu, nous, mais Gaël. Merci, Gaël. Et oui, c'est le feu. Et merci beaucoup pour ton soutien de malade. Encore une fois, Neuer. Pourquoi je dis Neuer? C'est Neymar. Neymar. Hakimi, allez, par exemple, ballon. J'ai l'impression que ça. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai plus de stress là, plus tout. Alors que pourtant, bah, c'est pas encore fait pour Paris, quoi. Attention, parce que j'espère que c'est pas la même chose du côté des joueurs. Parce que là, c'est pas encore fait. Et on voit qu'en contre, le Real peut être redoutable avec Vinicius. Vinicius côté gauche. Faut continuer à être vigilant, et on sent que du côté du Real quand même les imperfections, voilà, les passes sont de moins en moins précises, ça commence à arriver. Ouais, Mbappé dans la surface de réparation, c'est facile, il n'y a pas d'enjeu. Oh, il se fait tacler Mbappé, il se fait tacler dans la surface de réparation.
Le Parisien qui se met à clé sur base de réparation du Real. L'arbitre qui ne signale rien. Ballon récupéré par Kroos pour Modric. Oh, l'arbitre qui n'a rien dit. Attendez, parce que bon, après peut-être qu'il touche le ballon, je sais pas. Attention, Vinicius là quand même. Vinicius prend une carte avec Modric. Modric, je sors de Modric. Oh là, la banque est dégagée, ça a récupéré. Récupéré là par Hakimi. Attention, attention, parce que j'ai l'impression que là, attention quand même. Hein, il suffit d'une égalisation du Real et après ça peut tout remettre en cause. Bon, Mbappé est toujours à terre quand même. Mbappé est toujours à terre. Les Parisiens qui vont mettre ce ballon en touche. Et si la VAR sera en notre faveur là en accordant un penalty. Ah, il y a quand même un gros tac de Alaba, non? Ouais, non, en vrai il est beau. Non, en vrai il est beau le tac de Alaba. Je pense qu'il va pas faute. Il touche le ballon. Non, je pense que c'est une excellente intervention de Alaba. Après, ça dépend de l'interprétation de l'arbitre aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas de faute et que Alaba a très bien joué le coup. Non, c'est bien joué de la part de Alaba. Attends, parce que Mbappé est toujours à terre quand même. Hein. C'est inquiétant pour Kylian Mbappé. Les changements qui arrivent avec l'ancien de Rennes, Camavinga, qui rentre pour le Real Madrid. Les changements qui arrivent du côté du Real Madrid, les frérots. Camavinga qui rentre à la place de Kroos. Kroos n'était pas à 100% aujourd'hui, c'est pour ça que Camavinga rentre. L'ancien Rennais qui va dire quelques petites choses là, notamment à Modric. Camavinga pour le Real Madrid. Attention, parce que Camavinga, ça peut être une menace. Il n'était pas là au match aller, ça peut être une menace. Et on a aussi Asensio qui sort et Rodrigo qui rentre à la place de Asensio. Attention, parce que là les changements arrivent. Je pense que Antonotti le voit. S'il ne change rien, son équipe produira rien s'il change rien en TOT, parce que Paris a très bien compris, il joue très très bien. Mais ouais, c'est vrai que là-bas quand même le tac il y est. En fait c'est soit c'était une magnifique intervention, soit il y a faute, mais je pense qu'il touche quand même le ballon. Et non, c'est bien joué la part de Alaba. Les deux changements ont été réalisés, les deux changements je les ai mis sur la composition. Camavinga qui est entré à la place de Kroos, c'est bon, plus de peur que de mal pour Mbappé, hein. Mbappé qui est de retour sur la pelouse. Camavinga rentré à la place de Kroos et Rodrigo rentré à la place de Asensio. Attention, avec un ballon récupéré là justement par le Real Madrid. Modric, on est bientôt à l'heure de jeu là, on est bientôt à l'heure de jeu, ça se confirme pour le PSG qui est toujours devant. Ils ont droit à un joker là les Parisiens, mais attention parce que pour le moment rien n'est fait quand même, rien n'est fait. On dit pas assez, mais tu es le boss des dons sur la chaîne et membre top joueur, et depuis seulement 2 mois, alors qu'on a l'impression. Attention, on va quand même suivre l'occasion là pour le Real Madrid. Là, il y aura un corner pour le Real. Corner pour le Real. Tu as toujours été parmi nous, mais santé. C'est vrai que c'est... Non, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. C'est... Attention, c'est vrai que le côté droit pour le Real. Le corner qui est joué sera dégagé par les Parisiens. C'est bien joué, c'est avec Neymar, côté gauche. En vrai, belle prestation de la part des attaquants, hein. Messi, Neymar, Mbappé, c'était une belle prestation aujourd'hui. Quand ils ont eu le ballon, ils ont su faire la différence. Et c'est la lettre M qui affronte la lettre P et gagne. On peut dire que Mbappé. Vas-y, si tu veux aller. Non, en vrai, ça va. C'est pas mal avec un bandeau à l'IP là de Nacho. Ça détend l'atmosphère, on va dire. Nacho, attention parce qu'il a toujours un ballon dans les pieds de Valverde. Valverde, il peut frapper à tout moment. Il va pouvoir écarter côté droit. Valverde vers Rodrigo. Rodrigo, là c'est bon, on s'éclate. C'est sûr qu'on passe des super moments ensemble. Mais merci vraiment, Gaël. Incroyable quoi. Merci à tous, hein, pour tous les moments, toutes les émotions qu'on vit ensemble, les frérots. Et merci, hein, Gaël, pour ton soutien de fou. Attention avec Mbappé côté gauche. Allez, Mbappé, là il est parti. Il a lancé la mobilette. La photo là, la grosse photo de Carvara. Allez, oui. Carton jaune. Et ça fait rouge. Il en avait pas déjà un? Oh non, j'ai cru qu'il en avait déjà un, Carvajal. Ah non, c'était Fernandez qu'on avait déjà un. Oh là là, grosse faute de Carvajal. Oh là 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 là, non, Carvajal, grosse faute. Oh là là, il va te mettre là, il va te pousser Mbappé. Oh là là, Carvajal, non, c'est pas beau ça. Il le pousse contre les panneaux publicitaires. Grosse faute de Carvajal, carton jaune. Je croyais qu'il en avait déjà un en plus. Carvajal, je croyais qu'il en avait déjà un, mais en fait, c'est l'autre latéral, Nacho, qui en avait un. Ah, quel dommage! Quel dommage! Il m'appelle le roi du ballon, Patrick. Voilà, bon, la magnifique frappe de Neymar. Bref, c'était magnifique. Merci beaucoup, Mijou Pignan, membre depuis 7 mois. Merci en tout cas, les amis, pour votre soutien énorme. Tandis que là, il y a. Ouais, il y a. C'est qui? C'est Eder Militalo qui se relève. J'aime bien mes blagues. Attends, j'ai pas vu The Future. À là-bas, il a la balle. Ouais, classique. Non, en vrai, ça va, c'est pas mal. Attention avec un ballon dans les pieds de Verratti. Kimpembe qui revient avec son gardien Donnarumma.
Allez, pour le moment, ça y est, on est à l'heure de jeu. Donnarumma, attention! Non, Donnarumma! Oh là là, attention, il dégage le ballon, on va le récupérer avec Vinicius. Le centre pour Benzema, la frappe de Benzema, non! Oh, le but pour Karim Benzema sur une erreur de Donnarumma! Non! Non, Donnarumma! Oh, l'égalisation du Real Madrid! Oh non, pourquoi? Pourquoi dit-on Donnarumma? Pourquoi il fait ça? Il a perdu le ballon, l'erreur! Le pressing de Benzema, ça fait un partout! Ah, il y a une faute de Benzema! Il y a une faute de Benzema au début de l'action! Il y a une faute de Karim Benzema et c'est ce que réclame Donnarumma! Oh, il y a une faute là! Là, je pense que la faute! Là, je pense que la faute de Benzema! Les frères, on sent que je suis supporter de Paris aujourd'hui! On le sent, mais je pense, là, je suis honnête! Il y a faute! Il y a clairement faute sur Donnarumma, je pense! Donnarumma, il fait une erreur, mais il y a faute là sur Donnarumma! Oh! Je pense que ça va être checké là! Il y a faute, je pense, sur des jeux de Donnarumma! Bon, mais non, Benzema, par contre, il a très bien joué, hein, Benzema, on n'y a rien à dire! Mais je pense, pour moi, il y a faute! Il s'est mis en difficulté là, Donnarumma, c'est pas bon. Oh non, ça joue. Oh non, il y a but. Il y a but, les amis. Attendez, en plus ce score, il... Oh non, il y a vraiment but. Et c'est Karim Benzema. C'est Karim Benzema qui va relancer le Real Madrid. Benzema, je voyais pas comment. Je voyais pas comment. Le Real Madrid pouvait se relancer. Bah voilà comment il se relance. Voilà comment il se relance. Avec un Donnarumma qui fait n'importe quoi. Non, Donnarumma, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Attention parce que Donnarumma, en plus de ça, maintenant il a la pression. Hein. Maintenant il a la pression. Il se dit. Ah ça y est, j'ai fait une erreur. Faut plus que j'en fasse d'autres. Et ça peut jouer aussi en faveur du Real. Je ne voyais pas comment le Real pour moi ils étaient finis. Bah voilà, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait un truc qui aille pas. Punaise, c'est pas possible. Oh là là, il y a une faute là sur Kamavinga, le Real qui reprend du poil de la bête. Tout allait bien pour le Paris Saint-Germain. C'est maintenant qu'il faut montrer qu'on est une grosse équipe ou pas pour le PSG. C'est dans les moments durs comme ça. Même si on est toujours devant, même si le PSG est toujours devant, il y a 2-1 au soir cumulé. Il s'est carrément pris un jaune, Donnarumma quoi. Il s'est pas pris un jaune quand même. Ah oui, si, il s'est pris un jaune. On va 4 jaunes pour Donnarumma pour contestation tout à l'heure. Voilà, même s'ils sont en difficulté les Parisiens, parce que là maintenant mentalement ça va être compliqué le centre pour le Real Madrid, la tête de Benzema, oh ça passe à côté, cette tête de Karim Benzema à côté des buts de Gigio Donnarumma, pour l'instant Paris est toujours qualifié, je le rappelle quand même, on va pas s'affoler, pour le moment le PSG est toujours qualifié, mais c'est dommage, c'est clairement dommage, là attention, attention, 11 pour Madrid, 11-0, non les gars, non attention quand même, désolé mais tous les buts se fait de goal, mais Gaël, merci Gaël encore, non là. Par contre, pour moi, il y a quand même une petite faute sur Donnarumma. Par contre, les amis, il y aura une sortie but. Il y aura une sortie but pour Didio Donnarumma. Par contre, Paris, ils n'ont pas de bol. Pile l'année où la règle du score à l'extérieur s'enlève, bah, c'est pile l'année où ils en avaient besoin, les Parisiens. Parce que là, avec la règle du but à l'extérieur, bah, puisque le Real n'en a pas mis et que Paris en a mis un, il faudrait carrément qu'il marque 3. Un 2-1 ne suffirait pas. Bon, attention avec Courtois. Courtois qui va sortir la sortie ratée sera quand même récupéré par Yair Militao. Modric, merci beaucoup Gaël, vraiment, les gars, maintenant je pense que j'ai peut-être enfin j'ai plus commenté le match parce que là, c'est chaud, hein. Merci vraiment Gaël, c'était incroyable, c'est incroyable, oh là là, Benzema, Modric, tous les buts se fait, oh non, attendez les gars, non, faudrait pas que le PSG se fasse punir pour une erreur de Didio Donnarumma, attendez parce que là, Donnarumma, c'est sur des actions comme ça qu'il peut perdre sa place de titulaire, hein. Pour les grands matchs, attention avec un bon côté gauche, ça pour Vinicius. Vinicius doit la surface de réparation, attention parce que là le Real met la pression. Le Real met la pression, bon écarté côté gauche, se centre et ça va sortir en corner. Oh, il va être dur ce match. Cette fin de match va être très compliquée. Ancelotti qui booste ses hommes et ça va être l'entrée de Lucas Vazquez qui va rentrer. Et Modric qui va frapper ce corner. Oh là, attention les gars, attention. Corner à jouer, Donnarumma qui place ses joueurs. Heureusement qu'il a marqué ce but qu'il a Mbappé n'empêche. Allez attention là le corner qui va être joué, c'est frappé pour le Real Madrid, c'est bien joué, dégagé par Donnarumma. Belle sortie ça de la part de Donnarumma qui se remet en confiance, la reprise de volée pour Nacho, dégagé par Paredes. Nacho la tête de Nacho. On reste comme ça, on marque à la 85e nommé Jérémy. Allez, il y a 25 minutes à tenir. J'ai vu les images, il y a carrément faute sur Donnarumma. Attention la tête là, pourquoi pas Militao. Vinicius a repris de volée, Vinicius. Oh l'arrêt de Didio Donnarumma, il y avait faute dans tous les cas. Bel arrêt, Donnarumma il se remet dans le match. C'est bien ce que fait Donnarumma. Il se remet dans le match là, Didio Donnarumma. Attends, je vais lire le message de Santoy parce qu'il est intéressant les frérots. Il y a quand même quelque chose à dire. Changement du côté du Real. Encore un changement je crois du côté du Real avec l'entrée de Lucas Vazquez. Sûrement la place de
de Vinicius peut-être, je sais pas. Je vais vous dire tout ça. Allez, Santé, il nous dit, j'ai vu les images et il y a carrément faute sur Donnarumma, je ne comprendrai vraiment jamais rien à la VAR. Pour moi, il y avait clairement faute. Pour moi, il y a clairement faute de Benzema. Et je suis d'accord avec Santé, je le dis pas trop parce que moi qui j'ai pas l'habitude d'être pour une équipe. Vous voyez, je suis toujours neutre en Ligue 1. Donc ce soir, je suis pour un club français, donc pour Paris. J'ai peur que il y a toujours ce petit esprit-là de l'équipe pour qui tu es qui revienne. C'est pour ça que j'insiste pas trop, mais pour moi, il y avait clairement faute sur Donnarumma. Lucas Vazquez qui rentre à la place de Carvajal. Oula, Carvajal qui sort carrément. Ah oui, là c'est offensif. Hein. Vazquez qui rentre à la place de Carvajal. Voilà, Messi, on le voit moins. Messi, on le voit moins. Là c'est, tous les signes sont bons, on va dire, pour le Real Madrid. Le centre là pour le Real avec Benzema. Benzema qui revient en arrière. Ouais, le Real là, ils sont tellement bien. Ils reviennent dans le match, là, les Madrilènes. Attention avec un ballon côté droit. Le centre là pour Madrid. La reprise de volée dégagée par Kimpembe. Attention, les Parisiens. Il s'est passé quoi? J'ai pas eu les images. En gros, Donnarumma, il était dans sa surface de réparation. Il a attendu beaucoup trop longtemps. Il a dégagé et Benzema, en fait, l'a poussé. Mais pour moi, il y avait faute, quoi. C'est pas un coup d'épaule. C'est avec la main, tu vois. Et bah c'est avec la main qu'il a poussé Donnarumma, ce qui fait qu'après il a raté son dégagement, ça a été récupéré par Vinicius côté gauche qui a centré en retrait pour Benzema, frappe de Benzema, but. Bah pour moi il y avait faute sur Donnarumma et c'est ce qu'a dit Alex Antoine, mais j'ai pas envie de le souligner parce que j'ai peur que c'est parce que je suis pour Paris, tu vois, que je vois qu'il y a eu faute, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc mais en fait pour moi voilà, Benzema il ne touche pas le ballon, Benzema il pousse avec le bras Donnarumma et c'est soit le gardien ou pas, il y a faute pour moi. Pour le moment, PSG est toujours qualifié. Mais je vous jure que si le Paris Saint-Germain ne se qualifie pas et que là, ce but-là, ça va faire polémique, mais 100 fois polémique. Surtout par contre, pour les buts refusés du PSG, la VAR, elle était là. Elle était justement là. Il y avait hors-jeu. On va pas remettre ça en question. Mais sur Donnarumma, il y avait faute. Il y avait faute. Et je n'osais pas trop le dire, mais voilà. Pour moi, Benzema ne touche pas le ballon. Il fait tomber Donnarumma. Et en plus, Donnarumma n'a pas pu se replacer dans son but sur la suite de l'action. C'est carrément honteux, nous, Metz, Nantes. Voilà. Alors après, ça n'a pas été checké. Je sais même pas si ça a été checké en fait. Messi, allez, Messi pour Verratti. Pour le moment, c'est toujours bon pour Paris. Pour le moment, c'est toujours bon pour Paris. Ça peut être qu'un mauvais souvenir si jamais le PSG se qualifie. Mais bon, il suffit d'un but pour le Real Madrid encore et on ira en prolongation. Et voilà. Et pourquoi la règle de but à l'extérieur n'est plus là? Pourquoi? Bonne soirée, Patrick. Merci d'avoir été là encore une fois. Très fidèle aussi, Patrick. A bientôt. Verratti. Mais bon, allez, pour le moment, on va dire que. Enfin, on va pas dire que tout ça est derrière parce que en attendant, le score, il y a un partout. Mais comme s'il y avait 0-0, faut continuer pour le PSG. Ils ont produit de belles choses. Mais là, c'est dommage sur une erreur. Je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'ai dit. Après le but, je ne voyais pas ce qui pouvait relancer le Real Madrid. Le Real Madrid, ils étaient morts. À part des changements, le PSG maîtrisait son match. Paf, il faut une erreur de Donnarumma. Il faut un truc pour mettre un bon coup sur le moral. Quoi. Attention avec Neymar. Neymar, ouais, Neymar, là, le ballon il est dans les pieds parisiens, là dans le camp du Real Madrid. Là, à partir de là, il n'y a pas de danger, il faut continuer. Là, les Parisiens avec Messi. Messi pour Verratti. Verratti, attention, parce que Camavinga, il est dangereux. Camavinga, là, il vient presser. Et là, les Madrilènes, en plus, ils sont reboostés. Paredes, il est bon, il est très bon, Paredes. J'aime bien, honnêtement, aujourd'hui, à part ce petit carton jaune. Mbappé, pour écarter avec Hakimi. Il y a clairement faute sur Donnarumma. On est d'accord, Ali. Faites attention au Real Madrid qui a raison de bons joueurs et ils ont juste à remarquer. Et la qualif est incertaine, nous met Johan. Mais oui, non, mais c'est ça. Voilà, ça. Johan, c'est clairement ça, quoi. Et là, c'est un but bête. Après, voilà, il y a faute. Pour moi, il y a 100% faute. Mais au-delà de la faute, au pire, Donnarumma, il a quand même pas à attendre 12 000 ans. Tu dégages devant. Voilà. Là, franchement, il s'est mis en difficulté pour rien. Même s'il y avait 100%, il y avait faute. Hein, il y avait clairement faute. Merci beaucoup, Vidi, pour l'abonnement. Merci beaucoup. Alors que là, il y a faute sur Neymar. Là, la bête, il a pas le choix. Et il y aura un coup franc. Il y aura un coup franc pour le PSG. Sur ce tacle de Militao. Et il y aura un beau coup franc là pour le Paris Saint-Germain. Alors que Gay s'apprête à rentrer. Yes! Gay, il est bon. Gay, il est très bon. Et c'est lui qui va rentrer sur la pelouse. J'espère que City va gagner avec Paris aussi, Louis Matisse. City pour le moment 0-0. Mais City, je pense qu'ils sont qualifiés honnêtement. Et c'est Paredes qui sort. Oh non, Paredes, il était bon. Gay qui rentre à la place de Paredes. Bon, c'est pas mal quand même. Voilà l'Argentin, en plus il a un carton, non c'est bien honnêtement, il y a un carton jaune c'est pour ça. Et sinon, est-ce que tous les supporters du Real qui sont présents, bienvenue à vous bien évidemment, mais est-ce que, voilà parce que peut-être que nous on est pour Paris, c'est pour ça qu'on a peut-être cet avis, mais est-ce que pour vous il y a péno ou pas? Enfin il n'y a pas péno, est-ce que pour vous il y a faute sur Donnarumma? On est d'accord, il y a faute. Salut Vidi. On est d'accord, donc Gay qui rentre à la place de Paredes, je vous ai mis le changement.
On est d'accord les amis, il y a faute sur Donnarumma. C'est surtout les supporters du Real, tu vois, qui ont un avis peut-être extérieur, tu vois, enfin pas le même avis que les supporters du PSG. Bon, sur le coup franc qui est frappé, ah c'était bien joué. Et il y aura un corner pour le PSG. Allez Paris, 20 minutes. 20 minutes à tenir. 20 minutes à tenir. Ali qui met faute. Mais Ali d'ailleurs, t'étais pour qui de base? Ouais bon, City sont qualifiés je pense. Normal la sortie de Parisien, c'est à cause du carton. Ouais en vrai c'est normal, faut pas prendre de risque. Là les Parisiens à part Donnarumma, il n'y en a pas qui a le carton, donc c'est bien. Alors que du côté du Real, Vinicius Fernandez, ils sont avertis. Allez Donnarumma là, qui prend son temps pour aller jouer ce corner. Donnarumma, Neymar, Neymar qui prend son temps. À la télé, les commentateurs sont ok pour la faute, sauf cet abruti d'Abid Bey qui dit que les arbitres ont sanctionné la prise de risque de Donnarumma, qui aurait une explication plus débile, mais est-ce n'entré. J'ai pas les commentaires, mais il a vraiment dit ça. Ouais, je sais pas pourquoi il a dit ça. Mbappé, non, parce que sanctionner la prise de risque de Donnarumma, il n'y a pas de sanction pour une prise de risque, c'est ce qu'il veut le joueur. C'est vrai que Messi, Mbappé, genre t'as Mbappé qui il est dans sa défense. Il fait un petit pont, ça passe et l'arbitre devrait lui mettre un jaune parce qu'il a pris un risque. Non, c'est... il a vraiment dit ça ou tu le défends un peu à Estanteuil. Peut-être que tu le déformes parce que t'es pas d'accord avec ce que tu dis, je sais pas. Kimpembe. C'est pour ça qu'il faut regarder les cibles, t'es pas cannabis. Non, je gueule. J'ai vu Vidi. Attention avec Danilo. Allez, Danilo. Allez, là, le PSG pour le moment qui tient toujours. Le PSG qui tient toujours, c'est compliqué. Mais le PSG tient. Et attention, la ballon perdue de la part de Mbappé, Vinicius. Aïe, aïe, aïe. Oh non, Hakimi, il fait la faute. Benzema, Benzema, il est passé. Benzema pour écarter Nuno Mendes. Doit survivre la passe. Non, ils n'ont pas de chance. La frappe de Vinicius. Oh, ça passe au-dessus des buts de Donnarumma. Oh non, attendez, mais quelle fin de match. Heureusement que Vinicius a le pied carré. Heureusement qu'il a le pied carré, notre Vinicius, parce que sinon c'était dedans. Oh, ils n'avaient pas de chance, les Parisiens aussi. La Benzema qui met une passe éclatée. Et Nuno Mendes qui reprend ce ballon. S'il a failli faire la passe décisive à Vinicius. J'ai vu Vidi. Pourquoi tu spams Vidi? Attention, encore une erreur défensive pour le PSG. Encore une erreur défensive, Benzema. Vinicius à gauche. Le centre de Vinicius dégagé. Il n'y a pas de main. Et ça va sortir en sortie but. Oh non, il réclame une main. Il réclame une main, les Madrilènes. Non, pas de main, pas de main. Non, pas de main. Pas maintenant. Non, c'est bon. Elle était collée au corps. Non, c'est bon, il n'y a pas main. Il n'y a pas main. Là, l'arbitre, il va pas signer les mains. Oh, oh. Ouais, on revoit les images. Il y avait faute sur Donnarumma. Ah, là, pourtant, j'ai mis le son et Abibé, il dit que c'est vrai que Benzema touche pas le ballon. Attention avec Benzema, Benzema là pour servir Valverde, Valverde le jeu qui reprend, il n'y a pas une main, là s'il signe les mains je comprenais plus rien. Valverde, je pense pas en vrai Mathis, je pense qu'il va avoir 0-0, attention avec un endroit dans les pieds de Alaba, la frappe de Alaba, ça va récupérer la part Léo Messi il est passé, Messi devant Modric, Messi côté droit, Messi la vitesse de Léo Messi, oh là là le tac de Modric sur Léo Messi, allez c'est bien ce que fait Messi, faut continuer, faut poursuivre, je suis pas parisien de base, mais comme ici pour les clubs français car je suis pas Marseille MDR, mais je stresse mes yeux futurs. Voilà, grosse intervention de la part de Modric, mais c'est bien ce qu'a fait Messi, il a remonté ce ballon, c'était bien, honnêtement. Avec Hakimi à la touche. Le Real, ils font peur, le Real. Aïe, 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 Hakimi. Et là, depuis l'erreur, le PSG va plus très très bien, honnêtement. Il reste un quart d'heure à jouer, un quart d'heure à jouer dans ce match. Pochettino qui replace ses hommes. Neymar. Oh oui, Neymar. Oh, la faute là sur Neymar. Oh, la faute sur Neymar. Hé hey. Bah l'arbitre qui dit rien encore une fois, Kamavinga qui a pris la carte côté droit. Oh non, l'erreur de Nuno Mendes, récupéré par Kimpembe. Oh, Kimpembe qui va encore une fois dégager un petit peu. Attention là, les Parisiens, j'aime pas là ce qu'ils font honnêtement. Parce que là, ils sont en train de sortir de leur match complètement, ils sont... Par contre, il y avait clairement faute sur Neymar là. Il y avait clairement faute sur Neymar. Mendes. Oh oui, Mendes, le petit pont. Oh oui, Mendes, excellent. Bien joué, Mendes. Ce ballon qui va sortir côté gauche là pour le PSG. Allez, allez, il y aura une touche là pour le Paris Saint-Germain. Allez, 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 allez. Il reste un quart d'heure à tenir pour le PSG. Un quart d'heure à tenir pour le Real. Ça va être chaud, ça va être très très chaud. C'est chaud, c'est très chaud. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans ces soirées-là compliquées qu'il va falloir être tous solidaires pour le PSG. Beaucoup disent hein, que le PSG a des stars, mais pas un collectif. Ben, on va le voir ce soir. Il va falloir être solidaires tous ensemble. Pas crier dessus, rien. Être vraiment solidaire pour garder sur un partout qui va être compliqué. Mais pour le moment, le PSG est qualifié. Ils sont quand même dans une meilleure posture pour la qualification que le Real. Hein. Ça, voilà, on va pas le remettre en cause. Mais attention quand même. Ah non, Neymar, la mauvaise passe de Neymar. Bon, récupéré par Modric. Faut pas faire de faute. Là. Faut pas faire faute là.
Modric, voilà, non, si, il fallait faire une faute. S'il fallait faire une faute, là, Vinicius, il est parti. Non, Vinicius doit être en phase de réparation devant Danilo. Vinicius, il revient derrière. Vinicius, là, c'est bon, il est bien bloqué, c'est bien joué ça avec avant derrière là pour Modric. Modric, attention, le ballon là pour Benzema doit être en réparation, la frappe de Benzema. Oh non, le but. Le but pour le Real Madrid. Le but de Benzema. Non, non, le deuxième but, y'a pas de hors-jeu, y'a rien. Oh non. Égalité, ça fait 2-2 au cumulé. Le Real Madrid qui passe devant le PSG. Oh non, non, c'est pas possible. Y'a pas de hors-jeu, y'a pas quelque chose là. S'il vous plaît. Et voilà, et là par contre. Non. Et voilà, le but de Donnarumma, on va le regretter maintenant avec une erreur. Punaise. Ah non, y'a pas de hors-jeu, y'a rien, y'a rien du tout. Le but il va être accepté, bien sûr. Oh non. Oh là, mais là Vinicius qui redonne ce ballon à Benzema, à Modric là. Non, il n'y a pas de hors-jeu, c'est Hakimi qui couvre, mais non. Oh non, après la Marquinhos, oh là 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 là, c'est pas possible les amis. C'est pas possible, bon le PSG n'est pas éliminé, mais quand même. Le match qui est en train de sortir. Les Parisiens qui sont en train de sortir de leur match avec un doublé de Benzema. Tu peux pas les mettre en équipe de France des buts, sérieux. Oh là là les amis, non c'est pas vrai, 76ème minute de jeu. Il est validé, le but. Le but il est validé, merci Gaël, merci beaucoup Gaël pour ton don encore. Non c'est pas vrai, Voilà, et Donnarumma qui fait une erreur. Oh il y avait faute sur Donnarumma, il y avait 100% faute. Mais bon ça on va mettre à côté même, Donnarumma il a pas à faire cette erreur là. Il y avait faute, erreur de merde là, punaise. Vas-y, c'est pas possible, Allez, c'est pas fait, il y a 2-2, C'est comme si, voilà, c'est pas fait. Non, attention, Vinicius à gauche. Doit être en phase de réparation, Marquinhos pour dégager. La frappe de Benzema, non, le but. Le but de Benzema, le triplé. Non. Oh, le triplé de Karim Benzema. Oh là là, le Real qui renverse tout. Le Real qui renverse tout, les amis. Oh non. Le Real est qualifié, alors on se parle. Non, mais c'est pas vrai. Tout ça à cause d'une erreur éclatée. Erreur Donnarumma, c'est pas possible. Non, mais non. Sérieux quoi, mais punaise. Oh, ça arrive qu'à Paris, ces trucs là. Pourquoi Donnarumma il fait cette erreur là? Pourquoi on se prend des buts comme ça? C'est pas possible. Et Vinicius dans la surface de réparation, l'erreur de Marquinhos, la frappe de Benzema. Mais non, mais vas-y. Oh les gars, c'est pas possible. Salut Carmelo. Ton premier abonné, mais tu m'as déçu, me désabonne. Désolé, si j'étais déçu alors Carmelo, mais là je suis dégoûté. Les amis, je suis dégoûté. Salut Jean-Patrick. Oh, je suis dégoûté. Bravo au Real, on peut rien dire. Ils ont le mental pour se dire certes, il y a 2-0 cumulé, mais on va revenir. Et là, ils reviennent les Madrilènes, Bravo au Real, mais là c'est fini quoi. Il reste 10 minutes, 10 minutes pour le PSG, 10 minutes, il faut y croire pour le Paris Saint-Germain. Il faut y croire les gars. Non, le Real ils sont bons. On peut revenir sur la... c'est à cause de l'erreur Donnarumma. Donnarumma il a pas à faire cette erreur là. Pourquoi il dégage pas? C'est ça qui relance le... Là, le Real Madrid, avant l'erreur de Donnarumma, ils étaient comme Paris maintenant, ils étaient moral à 0. Merci Gaël encore. Et bah là du coup Paris eux ils ont fait. Sauf que Real bah Courtois il va pas faire cette erreur là. On peut revenir quand même sur la faute parce que bon il y avait quand même faute sur Donnarumma, ça faut quand même se le dire. Mais non c'est pas possible. Messi, allez Léo Messi là, allez les gars, allez là, s'il vous plaît. C'est maintenant. Ballon à gauche, Mendes, Neymar. Allez là, allez Paris, Mendes. Punaise, c'était le seul club avec un peu d'espoir en Champions League. Là, il y a une faute sur Vasquez de Real Madrid qui a tout fait basculer. Lucas Vasquez, il va s'écrouler sur la faute de Nuno Mendes. Comment un match se basculer d'une minute à l'autre? Il n'y a même pas hors-jeu. Ça joue à ça, le hors-jeu. Ça joue à ça, les frérots. Non, c'est pas possible. C'est qui est qualifié, s'il te plaît? Pour le moment, c'est le Real. Alors que c'est Di Maria qui rentre à la place de Danilo. Voilà, je pense que Pochettino il va être dehors après ce match-là. Pourtant, tout y était. Hein. Paris, tout y était. Aujourd'hui, ils nous ont sorti un match de malade. Jusqu'à cette erreur de Donnarumma qui nous coûte le match. L'erreur de Donnarumma coûte le match, clairement.
punaise, c'est cruel, mais c'est comme ça. Oh, allez, là, il reste 10 minutes, il reste 10 minutes, faut pas, c'est pas terminé. Oh là là, Vinicius qui s'écroule, et carton pour Hakimi. Carton pour Hakimi, le carton jaune pour Achraf Hakimi. Oh là là, attention. Après, les gars, oh, oh, c'est pas terminé, il reste 10 minutes. Le Real, ils ont marqué 3 buts en 10 minutes. Pourquoi le PSG pourrait en mettre un au moins, non? Allez là, allez. Allez, c'est pas fini. Achraf Hakimi qui se prend le jaune. Allez, c'est pas fini là. C'est pas fini. Allez, il y aura un coup franc, il y aura un coup franc. Ne serait-ce qu'au match aller, Mbappé l'a marqué quand dans le temps additionnel. Ça veut dire que c'est pas encore terminé. Mais le Real Madrid, ils sortent un de ces matchs. Match de folie pour le Real. Ils sont incroyables, les Madrilènes. Ils sont très bons. Ils ont su avoir le mental pour revenir alors qu'il y avait 2-0 au cumulé. Ils sont incroyables, les Madrilènes. Ils sont très bons. Punaise, c'est ouf quoi. Bravo à eux. Hein. Mais là, c'est pas terminé. Attention, la tête là pour dégager pour les Parisiens avec Benzema. Benzema avec Eder Militao côté droit. Militao qui prend son temps. Hein. Militao qui prend son temps. Il reste 9 minutes à jouer. 9 minutes à jouer. Le centre de Militao, ça va sortir en touche. Comment c'est possible lorsqu'il y a 2-0 en score. Au score cumulé de faire éliminer quoi. C'est même pas on va prolongation si on est éliminé pour le moment. Attention là avec le ballon côté droit, il y a une faute. Et mais oui, il y a une faute. Mais oui, il y a une faute sur le Madrilène. Il y a faute sur Rodrigo. Les Parisiens qui sortent de leur match. Les Parisiens qui sortent de leur match. Et Rodrigo qui s'écroule. Rodrigo qui s'écroule. Il y aura un coup franc. Il y aura un coup franc. Il faut aller mettre un but pour aller chercher les prolongations. Oh non, il n'y avait rien en plus. Oh non, en plus, il n'y avait rien. Punaise, il m'a eu Rodrigo. Hein. À vitesse réelle, j'ai dit qu'il y avait faute, mais en plus, il n'y avait rien. Il n'y avait clairement pas faute sur Rodrigo. Ah là 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 là. 3-1 pour le Real Madrid, les amis. Non, mais le Real, c'est incroyable. Comment ils font pour revenir, quoi. Oh. Attention, avec le ballon derrière là pour un Courtois. Allez, c'est pas terminé. Thibaut Courtois, lui qui ne prend pas de risque, qui dégage ce ballon. Il va écarter côté gauche. Il reste 8 minutes. Allez, les gars, là. Allez, les gars. On pourra débriefer pendant 10 heures le match après, sérieux. Déjà, on est d'accord, voilà, ils sont. Donnarumma, il n'a pas à faire cette erreur-là, mais on peut revenir quand même 100 fois sur la faute. Bon, voilà, malheureusement, on est obligé de revenir sur des erreurs d'arbitrage parce que Paris n'a pas été au niveau. Ils doivent pas se prendre encore une remontada, toujours ce soir, toujours la remontada. Mais il y a quand même une grosse erreur d'arbitrage aussi. Mais bon, il ne faut mettre la faute sur Donnarumma. C'est sûr, faut pas mettre la faute sur Donnarumma, mais c'est lui l'élément déclencheur pour le Real Madrid. Je vous le dis, hein, le Real Madrid, avant l'égalisation, le Real, ils étaient comme Paris. Ils étaient comme Paris maintenant. Ils avaient la tête dans le guidon. Ils avaient le moral à zéro. Rien pouvait les relancer. Rien. Sauf une erreur de Donnarumma. Voilà, voilà. Carton jaune pour Kimpembe. Carton jaune pour Kimpembe. Les Parisiens qui sortent complètement de leur match, les amis. Oh là 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 là. C'est désillusion totale pour le PSG, quoi. Oh, je vous jure, j'ai envie de tout casser. Là, c'est. Ok, pour l'erreur de Donnarumma, mais l'erreur D, car elles sont plusieurs pour faire ça. Arbitre avec les moyens vidéo actuels, on en parle, mais. Maintenant c'est passé, on pourra pas y revenir dans tous les cas, donc bon. Alors on revoit en plus la frappe de Benzema qui est touchée par Marquinhos. Paris, il y a une malédiction autour de Paris. Attention Vinicius, là faut pas se prendre un autre but. La frappe de Vinicius dégagée par Kimpembe. Kimpembe, il y a encore de l'espoir là, allez les gars. Kimpembe qui relance là, qui donne de la voix. Bon, récupéré par le Real, Kamavinga. J'ai pas très gentil. J'ai fait quoi, Carmelo? Non, les gars, faut me comprendre. On est français, soit on est pour le PSG. Et je suis énervé. Non, mais je vous le dis, hein, bravo quoi aux Madrilènes. Ils sont juste extraordinaires aujourd'hui. Il n'y a rien à dire sur ce qu'ils ont fait, honnêtement. Bon, attention, Vinicius, là, pour un troisième but. Le PSG, non, il sort de leur match. Il sort de leur match. Les Parisiens, plus de Mbappé, plus de Messi, plus de Neymar, plus rien. Merci beaucoup, Charles, pour ton nom de 5 euros. Merci beaucoup, Charles. Salut Rusk, attention, on va se mettre passion Benzema pour le quatrième but, Benzema le centre, dégagé par Marquinhos. Les Parisiens là, on a l'impression que c'est le Real qui perd. On a l'impression que c'est le Real qui perd parce que bah, c'est eux qui poussent pour aller mettre un autre but et pas PSG. Merci beaucoup mon Charles pour ton nom. Merci Charles avec un moment épais de Vinicius là pour servir Rodrigo. Je vois ce que c'est quand tu supportes une équipe et qu'elle perd quoi. Merci encore Charles pour de nouveau ton nom de 5 euros. Coup franc à jouer pour le Real. Merci encore Charles pour ton nouveau don. Le 5 euros, merci mon Charles. Incroyable, merci vraiment, merci Charles. Ah, les gars, je dois plus trop être souriant là ce soir, mais c'est une soirée. Soirée de merde pour le PSG, quoi, clairement. Tu gagnes 1-0 à la mi-temps. 2-0 au score cumulé. Bah non, tu perds pas comme ça là. Coup franc pour le Real, hein, les amis. Coup franc pour le Real Madrid. Je pense que bah, là, après le match, malheureusement, bon, je vais aller me coucher assez rapidement parce que bon, demain, 8h court, tu vois. Mais on débriefera vite fait quand même le match. Il y a tellement de choses à dire. Il reste du temps. 5 minutes.
plus de temps additionnel. Il reste du temps, c'est possible, je vous l'ai dit. Le Real Madrid, attendez, j'ai oublié de mettre le but. Merci beaucoup Charles en tout cas, je suis désolé si je remercie pas trop. Mais Charles, t'es incroyable, merci beaucoup Charles. Triplé de Benzema quoi. Rodrigo qui va frapper, ça va dégager, le ballon qui va sortir à côté, sortie but à jouer pour Donnarumma. Sortie but à jouer pour Donnarumma. Pour moi, soirée parfaite avec la victoire de l'OL, mais Charles. Eh oui, l'OL, ça c'est le bon point français, on va dire. C'est le bon point français, la victoire de l'OL. Et toi, du coup, tu voulais une victoire de Madrid, Charles. Ah oui, c'est sûr que c'est une soirée parfaite pour toi. Ah là 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 là. On peut revenir 10 fois sur l'arbitrage. C'est sûr que bon, bah, il y a l'erreur de Donnarumma, mais il y a quand même la VAR qui dit qu'il n'y a pas faute, quoi. Alors qu'il y a normalement, il y a faute sur Donnarumma. Mais bon, ça c'est. Au revoir, Camelo. À bientôt, peut-être, Camelo. Pas de soucis, hein. Ça peut se comprendre. Peut-être que j'ai des réactions. Bah, comme quoi, voilà, comme un supporter parisien ce soir, un peu dégoûté, un peu énervé, mais malheureusement c'est comme ça quoi. Attention avec Kimpembe. Il reste 4 minutes. Allez, 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 allez. Oh, Modric il est devant le ballon. Modric est devant le ballon. Allez, il y aura un coup franc là pour Verratti. Allez, là, c'est pas fini, s'il vous plaît, Nuno Mendes. Imaginez le scénario si jamais Paris marque par contre. Kimpembe. Les deux buts refusés pour Paris, gros. Il refuse deux buts pour Paris, il est même pas foutu de refuser un but pour Real. Oh, je commence à avoir des réactions là comme supporter parisien. Faut que j'arrête là. Attention, Benzema. Benzema pour Vinicius. En même temps, ce soir on est pour Paris quoi. C'est un club français et il y a une petite forme d'injustice quand même ce soir avec le coup franc. La coup franc, même si on peut pas non plus. Voilà, on va pas que rejeter la faute sur ça. On doit pas, Paris ne doit pas perdre comme ça quoi. Allez, reste 3 minutes. 3 minutes à jouer. On a Nuno Mendes là qui vient de s'écrouler. Il y aura, je crois, une sortie but à jouer. Ah, c'est Vinicius qui fait une faute sur Nuno Mendes. Allez, Mbappé, il est parti là. Mbappé avec Eder Militao. Et Mbappé qui réclame quelque chose. Ouais, il y a une faute là sur Kylian Mbappé. Oh, Mbappé, il a arbitré tout seul là. Il n'y avait pas grand chose sur Mbappé. Pourtant, l'arbitre a signalé une faute. Et oui, il y aura un coup franc. Il y aura un coup franc et ça fait même carrément carton jaune pour. Ah non, quoi, c'est carton. Hein. Ah oui, c'est carton jaune pour Vasquez qui a réclamé. Et coup franc pour le PSG. Je pensais qu'il avait mis un carton jaune pour Mbappé parce qu'il avait réclamé. Mais non, il y avait bien une faute. Il y avait bien une faute de Vasquez. Ouais, c'est vrai, il y a faute, effectivement. J'avais pas vu finalement. En fait, il vient faire un croche-patte quoi, Kylian Mbappé, Vasquez. Et là, il y aura un coup franc avec l'entrée de Draxler, les apéros. L'entrée de Draxler. Est-ce que ce serait pas le Choupo-Moting du PSG des fois, Draxler? Allez, allez, mon gars. Hakimi qui sort, Draxler qui rentre. Hein. Tout pour l'attaque, clairement. Draxler qui rentre à la place de Hakimi, il reste quelques secondes, quelques minutes à jouer, plus de temps additionnel. Il reste encore un peu de temps pour le PSG, ils en auront quelques occasions, j'espère en tout cas. Et maintenant, il faudra le mettre au fond. Il faudra les mettre au fond maintenant, hein, pour aller chercher peut-être les prolongations. Par contre, voilà, les buts à l'extérieur, bah, voilà, la règle qui est enlevée n'est pas à notre faveur, on va dire. Tout ça avec un ballon là dans les pieds de Vinicius. Vinicius qui va monter ce ballon. Vinicius, c'est vers Draxler. Oh là là, Vinicius il est passé. Oh là là, et oui, Draxler c'est pas un latéral. Draxler c'est pas un latéral avec Benzema qui laisse passer ce ballon pour Rodrigo. Rodrigo, le Real est très très bien. Benzema. Oh oui, Neymar. Ah non, Neymar. Ballon récupéré par le Benzema encore dans la surface de réparation. Karim Benzema écarté côté droit. Vasquez. Le centre peut-être de Vasquez. Le centre de Vasquez. Oh, le centre de Vasquez dégagé par Draxler. Draxler qui dégage ce ballon. Modric. Modric, la frappe peut-être de Modric. Non, c'est bien joué ça de la part de Modric. La frappe et ça s'envole au-dessus des buts de Donnarumma. Les erreurs du passé surgir. Bah, clairement, Selim. Bah, bravo à Benzema, immortel. Hein. Benzema, incroyable. Hein. Triplé. Neymar. Allez, Neymar là pour servir Verratti. Kimpembe. Ganagay. Ouais, Neymar, il est passé. Allez, Neymar, allez. Allez, Neymar, il y a un appel côté droit de Di Maria. Non, il y a faute. Il y a faute. Oui, il y a faute pour Neymar. Bien sûr qu'elle y est. Allez, coup franc pour le PSG. Allez, là. Allez. C'est pas fini. C'est pas terminé. Il y a un coup franc, là. Messi, Neymar, Mbappé, je sais pas, quelqu'un. Mais mettez-le moi cadré, ce coup franc, et... Allez là, il reste 30 secondes, 30 secondes même pas. Et ensuite ce sera, allez, Vinicius qui a des crampes. Mais non, bon après ça se comprend, il a fait quand même un très gros match aussi Vinicius. Il a fait un excellent match. On a Verratti qui vient de tirer Vinicius. Et là, c'est le dernier coup franc, le coup franc de la dernière chance. C'est si Messi, ancien du Barça, marquait dans le but du Real Madrid. Il marque, petite célébration avec le maillot devant les supporters, ce serait tellement beau. J'en rêve, mais c'est sûrement pas ce qui va passer. Pourquoi pas, parce que c'est lui qui a posé le ballon. 4 minutes de temps additionnel, il reste du temps. 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes les frérots de match du temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel.
Il reste 4 minutes dans le temps additionnel. Ça vient même 30 secondes, il reste 3 minutes 30. Allez, Léo Messi là qui regarde le but. Léo Messi qui regarde le but, il va s'élancer, c'est frappé. Non, c'est au-dessus, c'est au-dessus. C'est au-dessus des buts de Thibaut Courtois, tandis que Manchester City est qualifié. C'est au-dessus des buts de Thibaut Courtois, ce coup franc de Léo Messi. Ah, c'était pas si mal tiré que ça. C'était pas si mal tiré que ça. Malheureusement, le PSG va devoir sortir de cette compétition si jamais le score en reste là. Parce que c'est pour le moment 3-2 au cumulé. Ouais, allez, Léo Messi, il avait tellement bien frappé. Ah, c'était pas si mal frappé, finesse. Messi, il a pas de bol. Ah, il y aura un dégagement là pour Courtois. Il restera peut-être une petite occasion là pour le PSG. Ensuite, ce sera la fin. Il reste 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel. Pochettino qui donne des consignes encore à ses joueurs. Dégagement de Courtois, c'est pas possible. Comment c'est possible quoi? Comment c'est possible? C'est pas cette année que le PSG ne gagne avec des champions. Ouais, malheureusement, c'est que l'année prochaine, il y aura peut-être plus de Mbappé. Et c'est lui qui met les deux buts quoi. Parce que là, le Real qui gagne, ça va peut-être décider aussi qu'il y a un Mbappé. Hein. Tandis qu'on voit Vinicius là qui s'écroule. Tu passes en finale et demi-finale en 2 ans. Et à la troisième, tu te fais éliminer en 8e. Nous met Ali, surtout on est en gagné 1-0 chez toi quoi. Et voilà, on se rappelle du pénalty manqué de Messi. On se rappelle des deux buts qui ont été refusés aujourd'hui. On se rappelle de la faute normalement qu'il y avait sur Donnarumma. Voilà, de toute façon, ça sert à rien de parler de la faute parce qu'on ne reviendra pas vers le passé. Hein, mais il y avait clairement faute normalement sur Donnarumma. Mais malheureusement, le PSG va devoir dire au revoir à la Champions League ce soir. Ce ne sera pas cette année pour le Paris Saint-Germain, Neymar avec Mbappé. Mbappé, le ballon côté gauche, c'est pas terminé quand même. Allez, il reste 2 minutes. Allez, avec Di Maria dans la surface de réparation. Di Maria, ancien du Real Madrid, il est pas passé. Ballon récupéré par Vinicius. Verratti. Ah non, le tac de Verratti. Oh, Vinicius, il fait un match incroyable. Vinicius qui fait un match extraordinaire. Vinicius pour revenir là avec Camavinga. Camavinga pour Modric. Modric, il est passé. Il reste 1 minute et 40 secondes à jouer. 1 minute et 40 secondes à tenir pour le Real Madrid. Et ce sera la qualification pour le Real Madrid qui a fait un match incroyable. On est déçu, mais il va falloir se concentrer sur la Ligue 1 maintenant. Nous met Selim. C'est une année ratée pour le PSG. Hein. Maintenant, il n'y a que la Ligue 1 comme trophée à gagner. Attention avec un moment dans les pieds de Valverde. Valverde pour écarter avec Benzema. Benzema, et si Messi avait mis son péno. Eh oui, c'est ce qu'on dit. Attention avec un moment dans les pieds là de Donnarumma. Il reste 1 minute. Allez, 1 minute. Allez, dernière occasion peut-être pour le PSG. C'est pas possible. J'en rigole, mais je suis trop deg quoi. Allez, Mbappé là, pourquoi pas. Fais-nous comme au match. Allez, oh, il y a faute sur Mbappé peut-être. Non, il y a une sortie de but finalement. Il y a sortie de but, il n'y a pas de faute sur Mbappé. Il y a sortie de but. Non, il s'écroule pour rien avec Kylian Mbappé. Il s'écroule pour rien Kylian Mbappé. Et là on voit l'image qui fait mal hein. Les gros plans sur la tête de tous les joueurs parisiens qui savent que c'est terminé Léo Messi, que le PSG avait pourtant recruté pour ces moments là dans ces matchs là de Champions League. Il reste 30 secondes et ça va être terminé. Courtois qui prend son temps pour dégager. Et ils sont maudits les parisiens, ils ne gagneront jamais la Champions League. C'est pas possible. Allez Kimpembe, il reste une dernière occasion, pourquoi pas. Dans le quartier côté gauche avec Mbappé. Allez, montre-leur Mbappé. Que t'es au PSG cette année-là. Allez Kylian, allez Neymar. Non. Ballon perdu. Benzema qui demande de siffler. Voilà, on peut revenir sur la faute et tout, mais le PSG. Par contre, voilà, je vois beaucoup de personnes qui mettent le PSG, c'est nul et tout. Je suis d'accord. Attention, ouais, c'est terminé. C'est terminé la victoire du Real Madrid et la qualif. Du Real Madrid, oh là là là, la qualif du Real Madrid, quoi, c'est une véritable désillusion, les frérots. Tandis que Mbappé, lui, est déçu. À la base, qui parle avec Mbappé, il lui dit viens au Real, je pense. Non, voilà, juste voilà, je voulais dire, ceux qui disent, voilà, le PSG, c'est nul, c'est éclaté et tout. On est d'accord qu'ils font une fin de match éclatée, ils n'ont pas le droit de se prendre 3 buts, mais par contre, oubliez pas la première heure de jeu, là. Jusqu'à la 60e minute de jeu, Paris nous sortait un match incroyable. Paris était surclassé le Real Madrid, clairement. Jusqu'à la 60e, Paris était énorme. Mais erreur Donnarumma et ça relance le Real Madrid. Je suis d'accord que le PSG, sur la fin de match, c'est terrible. C'est vraiment le PSG des mauvais jours. Voilà, c'est vraiment le PSG éclaté. Mais les 60 premières minutes, elles étaient juste magnifiques pour Paris. Ils jouaient juste très très bien. Et Donnarumma vient rappeler à l'arbitre de ce match, monsieur le néerlandais, je ne sais plus comment il s'appelle, monsieur McKelly. Monsieur McKelly, Donnarumma, il vient le voir, il met même la pression, attention, parce qu'il faudrait pas qu'il se prenne un rouge ou quelque chose comme ça, un deuxième jaune, parce qu'il a l'air de crier pas mal sur monsieur Magnelli.
Pourquoi? Parce que bah, l'erreur, il y a une erreur de Donnarumma, on est tous d'accord. Il y a une grosse erreur de Donnarumma. Là, ça, les frérots, on peut pas dire, il a pas le droit de faire ça, Donnarumma. Il a pas le droit de faire ça, mais il y a faute. Et la faute, elle y est 100 fois. La faute, elle est 100 fois, mais par contre, la VAR, elle dit rien. Elle dit rien, et ça, c'est abusé quand même. Les deux hors-jeu, il y avait du monde. Là, les trois arbitres à la VAR, ils étaient là. Ils étaient devant les écrans, ils étaient là, paf, hors-jeu. Ok, il y avait hors-jeu. Les deux buts refusés pour le PSG, il y avait hors-jeu. Il n'y a pas à dire oui. Mais par contre, il y avait faute de Benzema. C'est un fait de jeu, mais on est tous d'accord pour dire félicitations au grand Real d'aujourd'hui. Le Real Madrid a juste été énorme, aussi bien sur le jeu, surtout à la fin de match, la dernière demi-heure, mais surtout dans la mentalité, parce que le Real Madrid, ils n'ont pas lâché. 2-0 score cumulé, ça fait mal. Pourtant, ils n'ont pas lâché et ils font une remontada. Et voilà, bravo au Real Madrid, tout simplement. Mais il y a quand même ces faits de jeu-là qui est important de souligner quand même. Très important parce que ça change le match, clairement. Là, l'arbitre, il dit non. Il dit, il y a faute de Benzema, pas but. Je peux vous garantir que le Real ne se qualifie pas. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il y a 2-0 pour le PSG au score cumulé. Et parce qu'ils se disent, oh, vas-y, on vient de marquer, ils nous refusent le but, c'est bon, on n'y arrivera pas. Moralement, déjà, ouais, c'est ce que j'ai dit. Hein. Les Madrilènes, jusqu'à la 60e minute de jeu, le moral, il était à zéro. Il était à zéro, leur moral. Ils n'avaient plus envie de faire quoi que ce soit, comme le PSG lorsqu'ils perdaient 3-1. Et c'est pile l'erreur de Donnarumma qui le relance. Sinon, c'était terminé pour le Real. Merci beaucoup, Gaël, pour les 20 francs suisses. Bravo au moins. Les pizzas étaient bonnes. Bravo au Real et triste pour le PSG. Et beau match malgré tout, mais Gaël. Merci, Gaël, pour ton soutien encore énorme. On voit Benzema, les belles images entre Benzema et Modric. Voilà, ils sont heureux, les deux joueurs. Le triplé de Benzema. Benzema, c'est incroyable. Mais il peut pas les mettre en équipe de France, ces triplés, sérieux. Il peut pas les mettre contre la Suisse, là, ces triplés. Ah là 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 là, quel match, les amis. Merci en tout cas, Gaël. J'étais pour le Real, mais bravo au PSG, nous, mais Carmelo. Le PSG, ils ont fait un match extraordinaire. Le match parfait jusqu'à la 60e où tout est parti en vrai. Mais bravo au Real, Carmelo, et bravo à ton équipe. Hier, je t'avais dit, ce serait un match chelou, si tu t'en souviens. Alors, je m'en souviens pas, Omar, mais oui, c'est possible, hein, clairement. Et tu avais raison, Omar. Les amis, j'ai pas envie d'arrêter le live, j'ai pas envie d'aller me coucher, d'aller en cours demain. J'ai passé une journée éclatée demain, je le sens en plus. Paris sont maudits. Mais bravo, bravo Real Madrid qui a su sortir les ressources nécessaires. Alors par contre, voilà, Real Madrid, ils ont été très très bons à la demi-heure de jeu, ils ont été relancés par une erreur de Donnarumma. Mais il y a des choses à régler quand même du côté du Real Madrid. S'ils jouent comme ça, en quart, en demi, ils la gagneront pas, hein, s'ils jouent comme ça. Mais après, bon, c'est normal, hein, ils vont élever leur niveau de jeu au fil de la compétition. Mais voilà, faut régler des choses pour le Real Madrid. Parce que les 60 premières minutes, le match aller, en fait, les 90 minutes du match aller plus les 60 minutes d'aujourd'hui, c'était vraiment pas beau pour le Real. Mais tout a basculé en une demi-heure. Mais voilà, faut travailler pour le Real Madrid parce que s'ils jouent comme ça contre les autres équipes, ça ne passera pas. Mais après, Real a ses chances aussi. Hein, parce que voilà, contre du Bayern qui gagne 7-1, contre du Liverpool ou du City, Real, ça passera pas. Hein. Salut, ça, je suis dégoûté. Salut, Titou, dégoûté aussi, hein, clairement. Même si ça semble perdu, il reste Lille. C'est vrai, The Future. Il reste Lille, mais bon, Lille, bon, bah, voilà, ils ont perdu 2-0. Allez, quoique. Il y avait une certaine équipe qui menait 2-0, soit cumulé aussi à un moment et qui s'est fait remonter. Donc bon, tout est possible, hein, franchement, pour Lille. Bah, on espère que Lille va nous faire un beau truc, hein, on espère. Hein. Je sais pas quoi dire, quoi. C'est... Je suis désolé, les amis. Je suis désolé, mais oh, je vous jure, je suis toujours neutre, hein. Vous savez, en Ligue 1, je suis neutre et tout. Et pour la première fois aujourd'hui, enfin, pas pour la première fois, mais voilà, vous savez que je suis pour... voilà, que je suis pour les équipes... l'équipe française et tout en Champions League. Mais j'avais vraiment espoir en PSG. Et quand ils ont gagné 1-0 à l'aller, je sais pas pourquoi... j'étais attaché à Paris, je voulais qu'ils gagnent la Champions League, quoi. Donc là, je suis clairement dans la peau d'un supporter du PSG qui est dégoûté. Et je comprends tous les week-ends de Ligue 1 où voilà, moi je commente les commentaires, enfin je commente les matchs, je suis neutre et tout. Je vois des voilà, vous êtes pas, vous êtes dégoûté dans le chat et tout. Bah là, je comprends. C'est waouh. C'est pas un très beau sentiment, on va dire, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et il y aura des belles années, j'espère, pour le PSG. L'année prochaine, ce sera la bonne. Écoutez la phrase que l'on dit depuis 10 ans. Bah je la ressors ce soir. Hein. Non, je suis deg. Bon les amis, on va pas tarder
On va se quitter. En tout cas, on va. Je vais lire vos messages, vos ressentis. Yes, Benzema a failli. A fait qualifier mon équipe préférée, le PSG, pour pas contre le Real. Mais Alex Gaming, félicitations au Real Madrid. 60 minutes en faveur du PSG. Le PSG a écrasé pendant 60 minutes le Real. Et puis pendant 30 minutes, le Real n'a pas écrasé le Paris Saint-Germain. Ils les ont atomisés. Ils les ont. Il n'y a pas de mots pour qualifier l'humiliation que le Real Madrid a mis au PSG en 30 minutes. Clairement. Clairement. Bravo Real, dommage pour Paris, Noumé Charles. Ouais, bravo Real Madrid, hein. Franchement. Cette année, avec, on avait un effectif, donc on aurait pu y croire. Non, mais là, le PSG, le pire, c'est qu'ils avaient un effectif, mais ils avaient un jeu aussi, franchement. Pour ceux qui disent que le PSG a été mauvais, le PSG est nul, le PSG avec des stars. Oui, sur la dernière demi-heure, oui, mais tout le long du match, ils étaient largement supérieurs au Real Madrid. Ils étaient largement supérieurs, et il faut une faute de Donnarumma. Rappelons-nous que nous avons marqué deux buts refusés, dont un pour quelques centimètres, les mêmes centimètres qui ont évité le hors-jeu de KB9 sans le deuxième but. Vraiment pas de bol, le pire somme Noumé Santoy. Comme dirait Verratti, on s'est fait chier de finir la page. Bon, désolé, je suis triste pour le PSG. Non, mais Alex, tu peux être content pour ton équipe, Alex. Il n'y a pas de souci, hein, les gars. Non, mais je vous dis, hein, c'est ça aussi le foot. Hein. Faut savoir accepter la défaite. Hein. C'est comme ça. Tu penses que l'OL peut gagner Europa League? Ah, bah j'espère. Oh, au moins que le Français qui gagne une compétition. Là. Non, non, parce que. Le PSG, on avait un de ses espoirs pour la Champions League cette année. Donc, allez, s'il vous plaît, l'OL qui a gagné aujourd'hui, c'est la seule satisfaction, on va dire, de cette soirée, clairement. J'espère et je pense qu'ils peuvent le faire, honnêtement, Charles. En tout cas, merci encore, Gaël, pour ton don de 20 francs suisses. Je crois que je ne remercie pas assez parce que je suis dégoûté. Mais merci, Gaël, merci, Charles, merci, Théo, merci, Randy, pour vos dons de malade aujourd'hui. Juste un grand merci du fond du cœur. Vraiment, c'est un truc de ouf, vraiment. Donc, merci beaucoup, les frérots. Voilà, j'ai ouvert mon YouTube Studio, je vois un dernier commentaire, c'est Lansana Conté qui a mis un commentaire il y a 2 heures, donc avant le début du match, qualification du Real à la 90e, c'était presque ça. Donc franchement, le PSG a bien joué en vrai, mais le Real est surpassé en deuxième période, mais le gamer, voilà, vous voyez, le Real a juste été monstrueux, pas en deuxième période, pas en totalité de la deuxième période, mais jusqu'à la 60e, quoi, à partir de la 60e, ça a été fini, quoi. Fini. Le PSG, ils sont maudits clairement en Champions League. C'est encore une remontada, quoi. C'est pas possible. J'ai l'impression que c'est même peut-être pire que face au Barça. Enfin, pas pire et tout. Enfin, non, parce qu'on peut pas faire pire que face au Barça quand même. 6-1, mais là contre le Barça pendant les 90 minutes, Paris ne maîtrisait rien du tout. Ils maîtrisaient rien, Paris, rien du tout. Là, ils ont maîtrisé les 90 minutes du match aller, les 60 minutes de ce match là. Ils ont défoncé le Real, ils étaient supérieurs au Real, mais largement. Le 2-0 n'était pas volé, ils ont loupé un penalty, ils ont refusé deux beaux buts en plus. Mais la demi-heure, le Real a atomisé le PSG, quoi, en une demi-heure. On les a surclassés, un match ennemi, on n'est pas récompensé, le dégoût total. Je pleure de mes coachs Joker. Bah écoutez les gars, là je peux le dire, on est ensemble. Hein. Franchement, tous les supporters parisiens. On est ensemble, on va passer une belle journée demain, je le sens en tout cas. Bah bien sûr, c'est du Rony, on va vraiment passer une journée mais éclatée, je pense. Mais bon bah voilà, c'est comme ça. Non mais je vous dis, c'est le foot. Peut-être que chaque erreur rend plus fort. Le problème c'est que c'est les phrases qu'on a l'habitude de sortir tout le temps. L'erreur rend plus fort et tout, c'est en perdant qu'on s'améliore. Mais le PSG après qui s'améliore jamais. D'année en année, c'est toujours la même chose. Et c'est dommage. C'est dommage. Après ça, ils l'ont aussi eu en groupe. Hein. En groupe, ils n'ont pas été très bons face à City. Ils l'ont payé, ils prennent le Real. Et bon, ils n'ont pas eu de chance quand même aussi. Hein. Se prendre le Real, il y avait quand même d'autres équipes à se prendre un peu mieux. Mais bon, c'est dommage. Comme par exemple, un certain Manchester United qui a été tiré au premier tour, qui n'a plus. Après, ils ont refait quoi. J'ai brûlé mon maillot. Ouais, quand même pas, Coach Joker. Restez derrière votre équipe, hein, les supporters parisiens. Faut rester derrière son équipe. Il y aura bien une année où ils vont la gagner. C'est pas possible. Ils ont un effectif de malade. L'année prochaine, il y aura toujours Messi, il y aura toujours Neymar, peut-être pas de Mbappé, mais je ne sais pas. Bon, Mbappé, c'est sûr que cette défaite, à mes yeux, c'est plus choquant que la première remontada. À tes yeux, Selim, j'ai du mal à comparer parce que bon, moi, la première remontada, j'étais pas très grand, hein, mais je me rappelle quand même, hein, je pourrais dire que ça marque. T'as peut-être raison, hein, Selim, honnêtement. Moins soirée de rêve, victoire loyale à Porto depuis 52 ans, aucun club français ne l'a fait. Il y a un match de malade ce soir, nous, Arnaud, j'ai plus le seum, mais explique foot. Ah, la même. Abusé quoi, je vous jure, j'ai plus envie d'arrêter le live quoi. Je dois faire mon sac là pour la journée demain. Victoire court quoi, avec une défaite. En plus, vous savez c'est quoi la meilleure, les amis? Vous savez c'est quoi la meilleure? C'est que j'ai un prof espagnol qui est pour le Real, mais genre il est à fond derrière le Real. Et on l'a genre, tu vois, on l'a un peu chambré et tout pour la première défaite. Et bah écoutez, on va se prendre un beau karma.
Hein, puisque bah demain, et en plus je l'ai en cours demain. Bah écoutez, il va bien nous chambrer quoi. Mbappé a rien fait à Paris, il mérite pas ce club de Messi. Oh non, attendez les gars. Entre avoir le seum et dégoûté, on est tous dégoûtés, mais ne dites pas des choses comme ça. Juste, rappelle-moi le buteur pour le PSG. Match retourné ce match-là, bah c'est Mbappé, hein, clairement. Donc là, on part de remontada et tout. Mais si Mbappé n'était pas là, il n'y aurait même pas eu de remontada. Il y aurait eu une victoire écrasante du Real. Hein. Je suis le seul gars qui est content ici, le Merano. Ah, il en faut bien les heureux, on va dire. Mais non, c'est vraiment les frérots, les supporters parisiens. Restez derrière votre équipe, restez solidaires derrière votre équipe. Les supporters du Real, ils étaient toujours derrière et tout. Commencez pas à dire à Mbappé qu'il a rien fait pour Paris. Oh, en plus, il s'apprête à partir au Real, dites pas ça. Hein, parce que Mbappé, c'est le meilleur joueur du PSG aujourd'hui. Et moi, je rejoins tous ceux qui disent que c'est le meilleur joueur du monde. Mbappé, il est incroyable. Les amis, on va se quitter parce que toute bonne chose est une fin. J'ai envie de vous dire, bon, même si ce soir, c'est pas une bonne chose. Mais bref, je vous remercie quand même d'avoir suivi le live. Merci à tous parce qu'on est bientôt 11 000 aussi abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas. Je suis vraiment désolé pour tous les supporters du Real qui doivent me voir dépité, peut-être avoir des analyses qui sont pas très bonnes. C'est possible honnêtement parce que j'ai pas l'habitude d'avoir un rôle de supporter d'un club. Mais ce soir j'étais pour Paris et comme tout supporter du PSG, je suis dégoûté. Débrief rapide les frérots. Vous imaginez la Coupe du Monde, Mbappé, Benzema, Numerano. Ah, la Coupe du Monde, ça va. Ça peut être pas mal. Ouais, la Coupe du Monde, ça va vraiment être cool. Hein. Pour le PSG l'année prochaine, c'est possible. Peut-être, encore une fois, c'est ce qu'on dit tous les ans. Mais faut essayer de garder Mbappé. Alors après, Mbappé, cette défaite peut avoir en même temps un côté positif pour Mbappé. Soit Mbappé, il se dit, ah, c'est bon, allez, on fait que perdre. Il se barre au Real et c'est possible. Soit Mbappé, il se dit quand même. On l'a déconné face au Real Madrid parce que Mbappé voilà, c'est quelqu'un aussi quand même qui a beaucoup de valeur et tout, bref. Bon même si après ça m'étonnerait hein, mais peut-être qu'il peut se dire aussi ça peut être mal vu de partir au Real Madrid alors que c'est eux qui nous ont humiliés même. Et pas je me barre dans le club qui nous a humiliés tu vois. Donc peut-être que Mbappé ça peut avoir un côté positif pour son transfert quoi. Parce que bon Mbappé s'il part du PSG ça va être compliqué de lui retrouver un remplaçant clairement. On va se quitter les frérots pour débriefer. Le PSG a été extraordinaire. Le match aller, ils ont été extraordinaires pendant 60 minutes. Ils marchaient sur le Real Madrid. Ils étaient supérieurs au Real Madrid. Vraiment, on a vu un Paris Saint-Germain juste ultra solide, très 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 bon. Enfin, Paris, les 60 premières minutes, ça doit être des minutes référentes. Vraiment, ils étaient très très bons. Mais il y a eu cette erreur de Donnarumma. Donnarumma, la 61e minute de jeu, qui attend que Benzema vienne chercher le ballon dans les pieds. Il attend le changement. Paf, il donne le ballon à Benzema. Benzema, il marque. C'est le déclic pour le Real. Le Real, ils atomisent le PSG. Voilà, ils écrasent le PSG après les dernières demi-heures. Et voilà, et ça fait élimination pour le PSG, quoi. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Et après, on va quand même revenir. Je vais terminer sur ça parce que bon, peut-être que les supporters du PSG vont revenir. Vous savez, hein, les amis, je suis neutre et tout, donc ce soir, je suis pour le PSG. Je suis à fond derrière le PSG, mais je suis pas non plus un vrai supporter du Paris Saint-Germain. Puisque, bon, vous savez, quand en Ligue 1, je suis neutre et tout. Là, je suis pas le PSG parce que c'est un club français qu'on veut la Champions League, mais je suis pas un vrai supporter parisien qui supporte même en Ligue 1 et tout. Je l'avoue. Donc, j'ai quand même peut-être un regard un peu plus. Un peu plus extérieur, on va dire, qu'être un vrai supporter du PSG. Et durant la remontada, il n'y avait pas la VAR. Et puis, même, voilà, l'UEFA là. Assumé, ils ont viré l'arbitre, il n'avait plus le droit d'arbitrer pendant un certain temps, l'arbitre qui avait arbitré Barça-Paris, parce qu'il y avait eu des erreurs. Et l'UEFA l'avait assumé, ils l'avaient viré et tout, mais du coup, il n'y avait pas la VAR à l'époque, donc à la limite, ok, vas-y si tu veux. Ce soir, il y a la VAR, deux buts refusés pour hors-jeu, logiquement, l'arbitre a très bien arbitré, deux buts refusés pour hors-jeu pour le PSG, ok, c'est logique. Okay. Mais bon, déjà sans la VAR, il y aurait eu deux buts du coup pour le PSG. Il y a la VAR, ok, donc voilà, là, c'est bien la VAR, elle permet de corriger ça, c'est bien. Mais par contre, Donnarumma, qui certes, il fait une erreur. Mais il se fait pousser par Benzema, mais genre avec le bras. Donc normalement, il y a 100 fois faute. Il y a la VAR aussi ce soir. Sauf que, non, l'arbitre dit rien. Alors qu'il y a faute, mais 12 fois. 12 fois, il y a faute. C'est incroyable. Et voilà. Et on parle beaucoup du PSG. Faut quand même le dire aussi que le Paris Saint-Germain ne doit pas juste se cacher derrière ça. Ne doit pas dire, ouais, c'est à cause de l'arbitre et tout. Mais c'est quand même aussi important de le dire. Parce que à 50%, c'est un peu à cause de ça en même temps, quand même. Hein, voilà.
souvent on a tendance à dire c'est pas à cause de l'arbitre et tout. Bah là, excusez-moi, mais le Real Madrid était clairement moral à zéro, comme je dis. Et là, la faute, ça relance tout, tout. Donc, voilà, là, faut quand même le dire. Voilà, faut quand même le dire. Peut-être que certains supporters du Real ne seront pas d'accord avec moi. C'est possible, mais voilà, je suis désolé, les amis, si mes analyses sont pétées parce que voilà, j'étais derrière Paris et j'ai le seum. Mais je pense honnêtement que certains supporters du Real qui nous regardent le disent peut-être pas, mais sont d'accord avec moi. Il y avait clairement faute. Et je pense que les prochaines semaines, les prochains jours, ça va faire des polémiques à mort parce qu'il y a clairement faute encore. Le PSG est maudit, mais bon, on va terminer quand même sur un grand bravo au Real Madrid qui a quand même trouvé les ressources nécessaires parce que bon, il y a eu l'erreur, ok. Après, ça faisait un partout, ça les a bien relancés comme il faut quand même, hein, mais fallait les mettre. Après, les deux autres buts, quand même, ça on peut rien dire. PSG a complètement sorti de son match, donc bravo au Real Madrid, félicitations, juste un très grand Real. Il y a des choses à améliorer quand même au Real parce que bon, ils ont eu une grande demi-heure, mais le match aller et les 60 premières minutes, c'était vraiment pas ça. Donc, s'ils jouent comme ça face à un Bayern, un City ou même Liverpool, on peut leur dire au revoir. Donc il y a des choses quand même à améliorer pour le Real Madrid. Mais voilà, on leur souhaite bonne chance bien sûr dans la suite de la compétition. On espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Les Madrilènes, bravo à eux. Et malheureusement c'est dur à dire, mais je pense que Mbappé il est au Real hein, l'année prochaine les amis. Avec ça ce soir, je pense que Alex Santoy, non il fait pas faute. C'est épaule contre épaule. Et Donnarumma est surpris, donc la chute est rapide. Je sais pas si c'est de l'ironie Arnaud. Parce que l'épaule c'est là hein. Genre c'est pas là tu vois l'épaule. Genre ça c'est la main. Mais bon, on voit que j'ai le seum quand même. On voit que j'ai le seum. Mais non attends Arnaud, c'est vrai ton analyse ou pas? C'est clairement pas l'épaule contre épaule. Clairement pas l'épaule contre épaule. Elle est clairement faute. Elle est clairement faute. Mais bon, il n'y a pas que ça. Bravo au Real. Aller le plus loin possible dans la compétition. On leur souhaite même de gagner. Le Real Madrid, Mbappé, je pense que je pense qu'il est au Real l'année prochaine. Hein. Là qu'il y a Mbappé, je pense que c'est fini. À Paris, mais c'est pas terminé pour Paris. Reste Messi, reste Neymar. Et l'année prochaine, ce sera la bonne, on espère, pour le PSG. Frérot, je vous dis à bientôt. Merci pour votre soutien de malade encore aujourd'hui. Vous avez explosé les dons. Bref, c'était insane encore. Merci beaucoup les frérots. On est bientôt 11 000 abonnés. Merci énormément vraiment pour votre soutien. Je suis vraiment désolé auprès des supporters du Real et même des supporters du... Enfin, vraiment désolé à tous ceux qui sont sur le live et qui pensent que mes analyses sont nulles parce que voilà, la première fois que je suis vraiment derrière un club et tout, donc peut-être que mes analyses sont pas forcément objectives on va dire. J'essaie de faire de mon mieux, mais je pense que honnêtement beaucoup diront qu'il y a vraiment faute. Instantané, il met en hockey sur glace ce qu'a fait KB9 sur Donnarumma s'appelle une mise en échec. Donc voilà, je suis vraiment désolé si jamais vous l'avez, on va dire, perçu de cette manière là en mode j'ai le seum du coup je crache sur l'arbitre. Non vraiment c'est pas mon but. Félicitations au Real Madrid. Félicitations quand même à Paris parce que sinon voilà, j'ai pas non plus envie que tout le monde se mette à dire ah ça y est Paris ils sont nuls, ils ont que des collectifs, ils ont que des stars, pas de collectifs. Paris nous a quand même fait rêver ce soir, ils ont quand même été très bons jusqu'à cette 60e avec des décisions pas forcément avantageuses. Un Donnarumma qui est un peu déconné et voilà, mais bravo au Real Madrid les frérots. Désolé si mes analyses sont pas ouf. Je vous remercie les frérots pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement en Ligue 1, cette fois-ci avec une place de neutre pour moi. Et voilà, dire qu'on va jouer dire qu'ils vont jouer que la Ligue 1. Ils ont 15 points d'avance. Et ton avis est légitime, mais c'est libre. J'espère en tout cas, je regarde les images et c'est la hanche contre hanche nous met AS Nanteuil. Dans tous les cas, voilà, on a de souvenir, il y avait clairement faute. Hein. Les commentateurs eux, qui sont quand même neutres hein, disaient qu'il y avait faute. Je dis quand même qu'il y a faute. On est quand même tous d'accord pour qu'il y ait faute. Mais bon, on va pas rester sur ça. Le Real a juste été très bon. Voilà, Paris est sorti de son match. Encore une année, encore une fois, j'ai envie de vous dire. Bravo au Real, on leur souhaite d'aller plus loin possible dans la compétition. Merci à tous d'avoir suivi le live. Merci pour votre soutien, Gaël, Charles, Randy, Théo pour vos dons. Merci encore énormément. Bonne fin de soirée, bonne nuit, bonne journée demain. Même si pour tous les supporters du Real, ça va être une très belle journée demain. Pour tous les supporters du PSG, ça va être compliqué. Voilà, moi demain, j'ai 8 heures de cours, rien pour me remonter le moral. Rien à part la victoire de Lyon et ça, je suis content. Mais vas-y, je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne fin de soirée, une bonne journée demain. Je vous dis à vendredi soir pour de la Ligue 1. Merci beaucoup les frérots, c'était Listy Foot. L'année prochaine pour le PSG, espérons qu'il y ait ma paix reste avec le PSG quand même. Merci beaucoup. Ciao.